Bien, mes chers collègues, on va pouvoir commencer. J'espère que tout le monde a passé une bonne nuit reposante et, et rafraîchissante après la, la soirée d'hier soir. Euh, ce matin, comme vous le savez, nous poursuivons l'examen des, des missions d'information euh, qui s'inscrivent, on va dire, dans la perspective de la prochaine loi de programmation militaire. Comme vous le savez, les missions d'information concernant les fonds marins et de la préparation opérationnelle nous ont été présentées la semaine dernière. Euh, ce seront des thématiques clés de la, de la LPM, d'ailleurs comme la défense solaire et les stocks de munitions qui feront l'objet d'une présentation euh, ce jour. Euh, cependant, pour bien préparer la LPM, on a besoin également d'une vision globale et notamment de tirer les leçons de l'exécution de l'actuelle loi de programmation militaire, pour certains qui sont ici, qui s'en souviennent, qu'on avait voté en, en 2018 et qui, couvrait, qui couvre, puisque c'est la loi de programmation actuelle, la période 2019-2025. Quel jugement porter sur euh, cette LPM, sur son exécution et quel enseignement euh, en tirer pour la prochaine LPM Ces deux questions ont, ont guidé les travaux de nos deux rapporteurs, nos deux collègues, euh, Yannick Schnevar et Laurent Jacobelli, de la mission d'information sur le bilan de la LPM 2019-2025. Mission longue euh, aux côtés des quatre missions flash euh, que je vous ai, dont je vous ai parlé précédemment. Mission longue au regard de la diversité des enjeux. Je rappelle que cette mission d'information inclut également comme membre Jean-Michel Jacques. Fabien Léné, Jean-Charles Larsonneur, Pierre Morel-Halluissier et Isabelle Santiago. Alors nous avons 4 heures ce matin, 9h à 13h et concernant l'organisation de notre temps, je vous propose de consacrer 1h40 à l'examen du bilan de la, la LPM et 1h10 pour chacun des deux missions flash qui suivront. Et je m'astreins moi-même à faire court. Sans plus tarder, messieurs les rapporteurs, je vous laisse la parole. Merci monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur le Président, je vous remercie pour vos propos introductifs. Je remercie également la Commission de nous avoir confié la conduite de cette mission sur le bilan de la NPM qui a été passionnante. Laurent Jacobelli et moi-même sommes ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui les conclusions de nos travaux. Je souhaite d'ailleurs associer à mes remerciements et sans doute Laurent Jacobelli avec moi les administrateurs, Monsieur Nicodeau et M. Imoura, puis je voudrais également de manière très personnelle remercier mon équipe qui est présente, l'ensemble de, de mes collaborateurs. Nous avons tous travaillé en vaillant équipage. Prévoir pour pourvoir afin de pouvoir. Cette phrase de, de, du maréchal Foch n'a pas pris une ride. La loi de programmation militaire est une loi singulière. Elle constitue tout d'abord l'incarnation du pacte entre la nation et son armée. Elle est également un outil de planification financière indispensable pour nos armées dont les programmes d'équipement s'inscrivent dans le temps long. Cette notion de temps long, si difficile à promouvoir à une époque où le court-termisme prend souvent l'ascendant sur la préparation de l'avenir, est en matière de programmation militaire fondamentale. Il est de notre responsabilité de voir loin, bien au-delà de nos petites personnes, nous servons quelque chose de bien plus grand, la nation. Une loi de programmation militaire est avant tout la traduction d'une ambition stratégique. Elle symbolise plus que toute autre loi la place que notre pays souhaite tenir au sein du concert des nations, des grandes nations. Malheureusement, les précédentes LPM ont surtout traduit une perte d'ambition. Revenons à cet égard sur le contexte dont a hérité la LPM 2019-2025. Premièrement, un budget de la défense sacrifié sur l'autel des dividendes de la paix. Aucune des précédentes LPM, mes chers collègues, je dis bien aucune, n'a été respectée dans sa trajectoire financière depuis le début des années 80. Autrement dit, nos armées ont servi inlassablement de variable d'ajustement budgétaire pendant 40 ans. Deuxièmement, c'est la conséquence de ce qui précède. La LPM 19-25 a hérité d'armées durablement affaiblies par ces décennies de sous-investissement. Quelques chiffres pour illustrer l'ampleur des dégâts causés par ces fameux dividendes de la paix. La réduction des effectifs. De 2008 à 2019, le ministère des Armées a perdu plus de 63 000 emplois, soit plus de 20 de ses effectifs. Cette déflation ayant cependant pris fin en 2015. Avec le renforcement de la force opérationnelle terrestre dans le cadre de l'opération Sentinelle. Réduction de nos capacités. Le parc d'aéronefs de l'armée de l'air a diminué de 139 139 depuis 1990. Le nombre de chars est passé de 1349 en 1991 à 222 en 2021. Le nombre de bâtiments de combat est passé pour la marine, hein, est passé de 135 en 1990 à 85 en 2021. Réduction de nos contrats opérationnels en 1997. Il est très prévu l'engagement de 50 000 militaires dans une opération de coercition majeure. Depuis 2014, il n'est plus prévu que le, déploie le déploiement pardon, de 15 000 soldats dans le cadre d'un tel engagement. Troisième élément. Ce contexte dont a hérité la LPM, c'est l'accroissement des menaces, telles que mises en lumière par la revue stratégique en 2017, menaces du terrorisme islamique, bien sûr, encore prépondérante à l'époque, mais de toute façon toujours d'actualité. Retour des logiques de puissance, les empires qui sont de retour, avec un réarmement croissant des compétiteurs stratégiques et des puissances régionales, eh bien, nous y sommes. Au final, nos armées en 2017 devaient faire face à des tendances contradictoires, une déflation des effectifs et les moyens, et parallèlement un engagement constant, voire croissant, en opérations extérieures, comme d'ailleurs sur le territoire national. Évidemment, poursuivre dans une telle voie n'était plus tenable. Le choix de la LPM fut de marquer une rupture franche, nette. Avec cette dynamique déflationniste dans le prolongement des efforts initiés dès 2018. Le rappel de ce contexte permet de comprendre l'objectif principal de la LPM 19-25. C'est une loi de réparation. Il s'agit en fait de réparer nos armées, nos armées abîmées, abîmées par des décennies de sous-investissement. Le rappel de ce contexte permet également de mesurer l'ampleur de l'effort de redressement. Qui est amené et mené dans la durée, car il faut de la durée en matière militaire, en matière d'équipement. C'est à ce titre que la LPM 2019-2025 est structurée autour de l'ambition 2030 que vous connaissez par cœur, mes chers collègues. Ambition 2030, c'est la construction d'un modèle d'armée complet et équilibré pour agir sur l'ensemble du spectre à l'horizon 2030. Cette ambition prend deux formes. Premièrement, la fixation de contrats opérationnels à respecter, avec la définition des formats et capacités employés en fonction des missions. Deuxièmement, la fixation d'une cible d'équipement à atteindre en 2030, avec un jalon en 2025. La LPM fixait ainsi une trajectoire de remontée en puissance en deux temps, une phase de réparation, nous y sommes, jusqu'en 2023, suivie d'une phase de modernisation jusqu'en 2030. Autrement dit, et, et vraiment je me permets d'insister sur ce point, euh, évaluer l'exécution de la LPM de 2019 à aujourd'hui, c'est en vérité dresser le bilan du début de cette phase de redressement qui doit s'achever à l'horizon 2030. Cette ambition opérationnelle est portée par un effort financier majeur, près de 300 milliards d'euros, 295 très précisément. De 2019 à 2025, avec l'objectif de porter l'effort de défense à hauteur de 2% du PIB en 2025. Cela correspond à une augmentation de ressources de 23%. Cet effort financier était doublé d'une sincérisation des ressources à travers deux mécanismes l'absence de prévision de recettes exceptionnelle d'une part et d'autre part l'augmentation conséquente de la provision OPEX pour la rapprocher de son coût réel. Chers collègues. Merci beaucoup. Bien sûr, je voudrais m'associer moi aussi euh, aux remerciements euh, qui ont été euh, effectués. Euh, Samy Moura et Aurélien Nicodeau, qui sont nos administrateurs, qui ont fait, je dois le dire, un travail d'une précision, euh, d'une exactitude et d'une minutie euh, exemplaires. Euh, tous les membres de la Commission et tous les civils et les militaires qui ont bien voulu nous accorder euh, leur temps pour répondre à nos questions, parfois. Euh, un peu, euh, un, peu, un peu poussé, mais euh, en général, cela s'est fait sans langue de bois et avec beaucoup de, euh, beaucoup de franchise, parce que je crois que tout le monde avait intérêt à ce que le bilan soit le plus précis euh, possible pour que nous préparions euh, l'avenir et la prochaine LPM avec des éléments concrets et euh, des euh, jalons qui puissent nous aider. Tu as euh, très bien décrit euh, les objectifs de cette euh, LPM, cette euh, loi de réparation, hein, comme on l'a appelée. Je pense qu'il faut maintenant euh, aller euh, dans l'analyse de l'exécution de cette LPM et c'est ce que je vais euh, faire maintenant avec vous et je vais commencer d'ailleurs par les bonnes nouvelles. Euh, vous verrez qu'on a essayé avec franchise de montrer ce qui avait fonctionné, un peu moins fonctionné et euh, nous allons en faire euh, le tour tous ensemble. Le premier constat, et je pense que vous le savez déjà, c'est que cette... Euh, L'aspect programmation financière a été respecté à l'euro près. Euh, et euh, c'est vrai, tu l'as évoqué, c'est une première depuis 40 ans, il faut, il faut le reconnaître. Les marches de 1,7 milliard d'euros, puis de 3 milliards d'euros en 2023 ont été franchies. C'est vrai qu'on pouvait en douter, euh, même dans les états-majors d'ailleurs, et, et parfois les politiques aussi, mais il faut le reconnaître, euh, les chiffres ont été euh, respectés. Euh, cette conformité est double. Les lois de finances initiales ont ouvert chaque année des crédits conformes à la LPM et les crédits ouverts ont eux-mêmes été cons euh, consommés euh, totalement à exécution. Grâce à cette exécution de la programmation financière, le budget de la mission défense a ainsi augmenté de 28 en 2018, soit près de 10 milliards d'euros par an. C'est vrai, c'est vrai qu'on venait de loin, mais c'était une étape nécessaire voire vitale pour nos forces armées. Alors, la question est comment euh, cet effort financier euh, majeur a été alloué Et bien, conformément aux prévisions de la LPM, ce sont les équipements de nos armées qui ont euh, bénéficié prioritairement de ces augmentations budgétaires. Les crédits dédiés alors, euh, aux plus grands programmes d'équipement, hein, ce qu'on appelle les PEM, Programmes à effet majeur, ont ainsi augmenté de plus de 49% entre 2018 et 2023. Il est vrai qu'il a fallu reconstituer. Euh, un stock, on va dire, qui avait été euh, très mal mené. Cet effort en faveur des équipements doit d'autant plus être remarqué et souligné que ces derniers ont traditionnellement été les premiers touchés par les ajustements budgétaires passés, ce qui a donné lieu à des étalements de programmes particulièrement coûteux pour nos armées, mais aussi pour nos finances publiques. Et je pense notamment au programme des FREM. Les autres segments qui ont bénéficié prioritairement de l'augmentation des crédits sont. Et je vais vous les énumérer dans l'ordre la dissuasion, le maintien en conditions opérationnelles, puis les infrastructures. Ce respect de la trajectoire financière globale fixée par la LPM ne signifie pas, ne signifie pas bien évidemment, que tout s'est passé comme prévu. C'est l'ordre naturel des choses. Tous ceux qui ont déjà fait des budgets dans leur vie le savent. Ça évolue, ça vit. C'est une matière malléable. Si la LPM a pour vocation de sécuriser les ressources, évidemment, elle n'a pas pour but de graver les dépenses dans le marbre. Comme l'a mentionné un des, une des personnalités auditionnées, la programmation militaire est un organisme vivant en ce qu'elle doit s'adapter à l'évolution du contexte stratégique, économique et à la vie des programmes qu'elle finance. En l'espèce, c'est un peu plus d'un milliard d'euros chaque année qui ont fait l'objet d'ajustements, c'est-à-dire qui ont été redéployés en cours d'exécution. Un milliard d'euros par an, c'est beaucoup, évidemment, en valeur absolue, et au regard du budget euh, total de la mission défense, ça reste à la marge. Ces ajustements ont été dictés tout d'abord par des inflexions capacitaires décidées pour tenir compte de l'évolution des défis auxquels font face nos armées, une forme d'adaptabilité nécessaire. À titre d'exemple. L'ajustement annuel de 2019 s'est traduit par une hausse des moyens consacrés à l'espace dans le prolongement de la stratégie spatiale de défense publiée la même année avec la création d'un programme de maîtrise de l'espace. Autre exemple, à la suite de l'actualisation de la revue stratégique de 2021 qui a insisté sur le retour de la compétition entre puissances et la généralisation des stratégies hybrides, L'actualisation de la LPM a abouti à un effort d'un milliard d'euros, une fois encore, au bénéfice des priorités suivantes le renseignement et le cyber, à hauteur d'un tiers de cette somme, les domaines santé, NRBC et lutte anti-drone, pour 210 millions d'euros, et les moyens dédiés à la préparation opérationnelle, pour 450 millions d'euros. Outre l'adaptation au contexte stratégique, la programmation a dû également s'adapter à l'évolution du contexte économique. La période de 2019 à 2021 a connu une évolution plus faible que prévue du coût des facteurs, ce qui a engendré un gain d'environ 400 millions d'euros de pouvoir d'achat du ministère des Armées, qui ont permis de financer certains ajustements. Un contrario, et ce ne sera pas une surprise pour vous parce que ce phénomène touche tous les secteurs de l'activité de notre pays, le retournement de la conjoncture à compter de 2022 avec le retour terrible de l'inflation a créé des besoins de financement estimés à 1 milliard d'euros par le ministère pour l'année 2023 qui devraient notamment être absorbés par une dégradation du report des charges. Enfin, la programmation a également dû faire face à certains surcoûts résultant d'aléas, mais là aussi, c'est la loi du genre. Les principales sources de surcoûts que nous avons identifiées avec mon collègue co-rapporteur sont les suivantes. Tout d'abord, les opérations OPEX-MICINTE. L'augmentation de la provision à 1,1 milliard d'euros n'a en effet pas été suffisante pour couvrir l'ensemble des coûts. Le ministère a ainsi financé seul. Et j'insiste bien, nous en reparlerons 846 millions d'euros de surcoûts nets de 2019 à 2021, à travers notamment sa réserve de précaution. Deuxièmement, là encore, vous le savez, c'est la guerre en Ukraine. Alors juridiquement, ce n'est pas une OPEX, mais le coût du déploiement de nos armées sur le flanc est de l'Europe est estimé à 666 millions d'euros en 2022 pour le seul programme 178. Il convient de souligner que ce montant n'intègre pas le coût du recomplétement des matériels cédés à l'Ukraine, là aussi c'est un point que nous évoquons. Troisièmement, les conséquences de la cession de 24 rafales d'occasion à la Grèce et à la Croatie. Le produit de cette cession, c'est-à-dire le prix de vente, hein, ce qu'il nous a rapporté c'est d'environ 656 millions d'euros, mais lors des auditions de, devant notre commission, le major général de l'armée de l'air et de l'espace avait estimé que la commande de 12 rafales représentait plus d'un milliard d'euros. Par conséquent, le coût du recomplètement de 24 rafales représenterait plus de 2 milliards d'euros. Cela fait donc un surcoût, prix d'achat moins prix de vente, euh, d'1,3 milliard d'euros au minimum. Nous, nous avons estimé cela plutôt à 1,7 euh, milliard suite à nos entretiens. Quatrième source de surcoût, c'est la crise liée au COVID, à la Covid, pardon, qui a généré plus d'un milliard d'euros de dépenses supplémentaires non prévues et pour cause en 2020. Cependant, celles-ci, il faut le souligner, ont été entièrement financées par des moindres dépenses, dues notamment au décalage de certaines livraisons. Enfin, au titre des autres sources de surcoûts non prévues lors du vote de la LPM, il peut être cité la revalorisation indiciaire pour un montant de 357 millions d'euros par an. Au final, ces surcoûts ont été gérés de manière relativement souple, je dirais même habile, à crédit constant, de 2019 à 2021, grâce à une évolution positive du coût des facteurs, à une maîtrise de la masse salariale et au réajustement calendaire de certains programmes. En revanche, en 2022, le retournement du contexte économique avec cette inflation que nous avons évoquée et l'évolution stratégique, et là, je pense à nouveau à l'Ukraine, on nécessitait un besoin de financement d'ampleur qui ne pouvait être pris en charge par de simples redéploiements internes sans mettre en péril cette ambition 2030 que tu nous as décrite. C'est la raison pour laquelle la loi de finances rectificatives de décembre 2022 a ouvert 1,2 milliard d'euros de crédits au bénéfice de la mission de défense. Cette exécution de la programmation financière appelle en outre un point de vigilance sur l'évolution des restes à payer c'est-à-dire des dépenses engagées mais non encore payées en raison de l'étalement dans le temps des programmes d'armement. Si j'insiste, c'est que ces restes à payer ont un effet fortement ont en effet, pardon, fortement augmenté en passant de 54 à 83 milliards d'euros de 2019 à 2022. Il s'agit bien sûr de la conséquence logique de l'ambition capacitaire de la LPM, mais cette évolution introduit une forme de rigidification du budget si on peut l'appeler comme ça de nos armées. Les nouvelles marches ont de plus en plus vocation à financer les engagements passés plutôt qu'à initier de nouveaux engagements. Dans ces conditions, quelles leçons, mes chers collègues, tirer de l'exécution de la programmation financière pour la prochaine LPM Parce que c'est évidemment ce aussi pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Tout d'abord, au vu de l'évolution du contexte économique, il nous faudra être très attentifs à la sécurisation des ressources de la prochaine LPM. Le ministre des Armées, euh, je crois à cette tribune d'ailleurs, a évalué euh, euh, cet euh, impact de l'inflation à 30 milliards d'euros sur la période 2024-2030. Quid si l'inflation est supérieure à cette estimation Il serait, selon nous, intéressant de réfléchir à un mécanisme qui permettrait d'ajuster les crédits en fonction de la variation de l'inflation réelle par rapport à l'inflation anticipée, afin d'éviter d'avoir à se reposer comme ce fut le cas en 2022, euh, la question euh, euh, de finances incertaines tant dans le principe que dans les montants. Au titre de la sécurisation des ressources, il conviendra également d'être attentif à la nature des 13 milliards d'euros de ressources exceptionnelles annoncées dans la prochaine LPM. À nouveau, que se passerait-il si ces recettes ne se réalisent pas comme prévu, comme cela a du reste été le cas lors des précédentes LPM un mécanisme d'ajustement automatique avec un abondement crédit serait là encore le bienvenu. Deuxième proposition de notre part il conviendra que la prochaine LPM dispose expressément que l'actualisation prenne la forme d'un vote du Parlement pour éviter que soit réédité le précédent fâcheux de 2021. Au surplus, au vu de l'ampleur des ajustements annuels, on a évoqué tout à l'heure une moyenne d'un milliard par an, il semble que le Parlement pourrait être ou devraient être davantage associés aux travaux aboutissant à de tels ajustements sous un format à déterminer. Enfin, troisième et dernière proposition de notre part sur l'exécution de la programmation financière, la prochaine LPM devra assurer un financement interministériel systématique, systématique des surcoûts OPEX-MICINTE. Il n'est pas normal, selon nous, que le ministère de la Défense finance seul les conséquences de choix qui engagent la nation tout entière. Par ailleurs, cette provision pourrait utilement être élargie à d'autres opérations qui ne sont pas juridiquement des OPEX, telles par exemple que les engagements que nous connaissons aujourd'hui sur le flanc Est. On remarque donc que si l'exécution budgétaire de cette LPM a pu être exécutée à l'euro près, ce fut parfois au prix de... De, de, de voltiges budgétaires qui sont tout à fait explicables, ce que nous proposons, nous, c'est de garantir un cadre beaucoup plus sûr, beaucoup plus tranquille, pour que nos armées puissent investir, déployer ces investissements en toute sécurité financière. Pour ce qui concerne l'exécution du programme d'équipement qui est prévu par la LPM, cette dernière porte d'abord une forte ambition de renouvellement de notre force de dissuasion. Les crédits progressent de 44% entre 2018 et 2023. La nature de ce renouvellement a d'ailleurs été très très largement analysée lors du cycle d'audition, Monsieur le Président, qui était consacré à la dissuasion. Son programme prévisionnel est donc respecté. La dissuasion sera nécessairement une composante importante de la future LPM. Avec les travaux sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération et le futur missile de la composante aéroportée Horizon 2035, la SN 4G. S'agissant des programmes conventionnels, la modernisation, elle aussi, est en route. Pour l'armée de terre, elle est concentrée sur le segment médian. Le programme Scorpion apporte une véritable plus-value opérationnelle des véhicules mieux protégés, plus mobiles, plus agressifs, progressivement interconnectés au sein de la fameuse bulle Scorpion. Objectif Disposer d'une brigade interarmée Scorpion 2023, cet objectif sera vraisemblablement tenu avec la montée en puissance à venir des véhicules Jaguar et Serval. Nous l'avons constaté à Carpian, au sein du, du premier er REC, ces véhicules représentent un saut euh, qualitatif considérable par rapport à, à la génération actuelle. Quand je dis génération actuelle, euh, en fait, on peut parler d'une génération qui a une bonne quarantaine d'années. Hein. Pour l'armée de l'air et de l'espace, les livraisons des avions ravitailleurs A330 MRTT et de l'avion de transport A400M constituent un véritable saut opérationnel. Les capacités de projection de nos aviateurs sont démultipliées, comme l'illustrent les récentes missions en Indo-Pacifique. Mission exceptionnelle que rares. Euh Quelques rares puissances sont en capacité de faire, et c'était vraiment exceptionnel. Pour ce qui concerne la marine, l'action combinée des sous-marins nucléaires d'attaque, programme Barracuda, des frênes et des avions de patrouille maritime, les Atlantiques 2, vous savez qu'il y en a qui sont en rénovation au standard 6, donne toute satisfaction dans le cadre des opérations de lutte anti-sous-marine. On peut d'ailleurs souligner la récente distinction de nos chasseurs. Ceux qui font de la lutte ASM dans la marine, puisqu'en fait ils ont reçu un prix exceptionnel, un prix qui classe en fait de façon opérationnelle les marines dans la lutte ASM. On est la première puissance dans ce domaine-là, classement américain, première puissance dans ce domaine-là. C'est important de le souligner. Outre ces programmes, ces programmes emblématiques, la LPM a également réalisé un très gros effort au profit des petits équipements, des équipements du quotidien. La liste des matériels en cours de renouvellement est très variée. Gilets pare-balles, fusils d'assaut, fusils de précision, pistolets, jumelles de vision nocturne, treillis de combat. Lors de nos déplacements, nous avons pu constater à quel point ce renouvellement est apprécié dans les forces. S'agissant du respect de, du programme d'équipement, les différents ajustements annuels ont eu un impact sensible sur le calendrier prévisionnel. De même que certains aléas, tout à fait naturels, tels que des retards industriels ou encore les prélèvements effectués, ça a été évoqué dans le cadre des exportations ou au bénéfice des forces ukrainiennes. Au total, sur les 52 équipements mentionnés dans le rapport euh, annexé, 25 n'atteindront pas la, la cible du parc prévisionnel. Prévus au titre du jalon 25, la plupart de ces retards ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la cible 2030. À titre d'exemple du non-respect du jalon 25 prévu par la LPM, on peut citer le drone tactique pétroleur ou le programme de véhicules des forces spéciales, victime de problèmes industriels, le programme Scorpion dont la cible a été ramenée de 50 à 45 en 2025 dans le cadre de l'actualisation 2021 pour financer notamment l'accélération de la rénovation du Charles Leclerc et le lancement du VBAE ou encore les avions Rafale du fait de l'exportation grecque ou croate. Inversement, d'autres programmes ont été accélérés par rapport aux prévisions, les études pour le porte-avions de nouvelle génération, pour un effort financier de 800 millions d'euros, par exemple. Enfin, des programmes non prévus initialement par la LPM ont été créés pour tenir compte de l'évolution du contexte stratégique. Maîtrise des fonds marins, ma chère collègue. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, lutte anti drone, frappe longue portée ou encore le programme SINAB contre les menaces NRBC. Au final, quelles leçons tirer de cette exécution de la LPM Gardons à l'esprit que nous n'en sommes qu'au début du processus de modernisation des équipements au regard de la trajectoire qui est fixée dans l'ambition 2030. Le programme Scorpion sera à 23% d'exécution en 2023. Le passage au à rafale au sein de l'armée de l'air est encore loin d'être achevé, tandis que certains grands programmes de la marine ont commencé à être admis au service actif, ou le seront bientôt, SNA Patrouilleurs outre-mer, frégates de défense et d'intervention, bâtiments de ravitaillement des forces, par exemple. Il faut donc garder le cap et surtout ne pas réduire les volumes. Il faudra également, dans la prochaine LPM, veiller à ce que ces nouvelles capacités soient bien accompagnées des outils, des infrastructures requises. À titre d'exemple, le, le premier REC a bien reçu les premiers Jaguars, mais pas encore les simulateurs. Les infrastructures de maintenance sont également attendues. Au-delà de cette continuité nécessaire, il faut bien sûr adapter certaines capacités à l'évolution du contexte stratégique, notamment au retour de la guerre à haute intensité en Europe. Je ne reviendrai pas sur les munitions, la défense solaire, qui vont faire l'objet d'une présentation tout à l'heure, mais qui constituent, de l'aveu général, des segments absolument clés. Les formats actuels des flottes de rafales des frégates de premier rang constituent des points d'attention majeurs pour l'armée de l'air, de l'espace et pour la marine. Le rehaussement de ces formats implique évidemment des investissements très lourds. Des programmes européens avec de grosses séries, par exemple celui des corvettes européennes, sont des solutions intéressantes pour la surveillance de nos zones économiques exclusives. Enfin, certains trous capacitaires doivent être impérativement comblés sans être exhaustif on peut citer la capacité de frappe dans la profondeur capacité de destruction de défense aérienne ennemie les munitions téléopérées la prochaine lpm devra également faire de l'adaptation de la bitd à l'économie de guerre un axe majeur de sa programmation. allègement des normes simplification des programmes d'armement constituent des pistes à privilégier pour être en capacité de produire plus, plus vite, en cas de besoin. Au regard des retards pris par certains programmes de coopération européens, la prochaine LPM pourrait utilement instaurer des jalons décisionnels à intervalles réguliers afin de décider s'il convient ou non de poursuivre ces coopérations. Cela paraît d'autant plus important que les besoins sous-jacents à ces coopérations sont majeurs pour nos armées. Que cela se fasse dans un cadre européen ou national, de toute façon, il nous faudra un successeur au Leclerc et il nous faudra un successeur au Rafale. Les récentes déclarations du président de la République et celles du chancelier allemand vont dans le bon sens. Je souhaiterais également revenir très rapidement sur l'exécution de certaines priorités affichées par la LPM, le renseignement. Le cyber, l'espace, l'innovation. S'agissant du renseignement, nos services DGSE, DRM, DRSD sont dans une phase de profonde transformation, transformation humaine bien sûr, mais aussi transformation capacitaire grâce à l'effort promu dans l'actuel LPM. C'est essentiel dans un contexte d'hybridité croissante des conflits. Le bon développement du programme Artemis, par exemple. Programme d'intelligence artificielle serait, sera pardon, une clé pour traiter des données en croissance exponentielle. Les défis en termes de recrutement, de fidélisation ont été soulignés. Le renseignement constituera du reste une priorité pour la prochaine LPM, puisqu'on euh, y consacrera une hausse de plus de 60%. Pour le cyber, la programmation a été marquée par des créations, euh, la création d'une posture reflet de l'importance de cette mission. L'essentiel des dépenses de cyberdéfense a été consacré à la crypto. Le chiffre. L'augmentation des crédits consacrés au cyber dans le cadre de l'actualisation de la programmation en 21 a également permis de développer la lutte informa informationnelle, la lutte d'influence qui n'était pas un axe promu initialement. Les défis en matière de ressources humaines sont cependant majeurs comme Cyber n'étant qu'à 82% de sa cible d'effectifs à l'heure actuelle. S'agissant de l'espace, un effort important a été réalisé, notamment pour renouveler nos capacités satellitaires. La France est par exemple un des seuls pays au monde disposant de capacités spatiales de renseignement d'origine électromagnétique, avec la constellation Ceres, dont la mise en service a été accélérée à l'occasion du conflit ukrainien. Lors de la prochaine LPM, l'effort devra se concentrer sur le développement de capacités de protection de nos satellites, mais également d'action dans l'espace. C'est l'objet du programme ARES qui a été lancé en 2019. Quant à l'innovation, quatrième et dernière priorité de la LPM, l'objectif d'un milliard d'euros consacré aux études amont a été respecté. Cela a permis à l'Agence de l'innovation de défense, créée en 2018, de monter en puissance un véritable écosystème a été créé avec un foisonnement d'initiatives, je pense notamment au FID, le fonds d'innovation de défense, en 21 pour aider les entreprises innovantes. La principale problématique aujourd'hui reste le passage à l'action pour les innovations, avec trop de contraintes liées aux normes et des normes qui parfois sont totalement inadaptées. Il est également indispensable de ne pas rater le virage pour certaines technologies phares, le quantique, qui vraisemblablement va demander des efforts financiers importants, mais qui va révolutionner, révolutionner les approches dans un certain nombre de domaines. Mais nos armées ne valent que par celles et ceux qui les servent. Et en associant mon collègue co-rapporteur, je voudrais vraiment que nous insistions sur. L'impression générale euh, que nous ont donnée euh, l'ensemble des, des militaires et des civils euh, de la défense, la notion du service et la notion euh, même du sacrifice ultime euh, imprègne nos forces armées. La mise en place de la NPRM, il faut rappeler que c'est quand même 500 millions d'euros en année pleine, hein, dans cette LPM a été particulièrement bien accueillie. Il reste cependant à travailler sur la revalorisation significative de la part indiciaire. Je n'ai pas de doute sur le fait que ce sera le cas. Oui, en effet, euh, je crois que mon co-rapporteur l'a souligné, euh, c'est peut-être là que se trouve... Euh, le point de vigilance le plus important de cette LPM. Nous en avons identifié trois principaux, en plus de tous ceux que nous avons évoqués lors de la présentation, mais effectivement, sur le matériel et sur le financier, le rendez-vous a été honoré. Sur l'humain et ce qui entoure l'humain, c'est-à-dire là où il vit, comment il s'entraîne, on peut remarquer, en revanche, qu'on peut faire mieux. Et c'est l'objet de cette dernière partie, de cette conclusion. Ce sont les, les points d'attention majeurs, les objectifs peu réussis ou moins réussis de cette LPM qui doivent servir d'indicateur pour la prochaine. L'activité opérationnelle, donc la fidélisation des effectifs et évidemment les, les, les soldes qui vont avec et les infrastructures. Tout d'abord sur la préparation opérationnelle. Nos armées, vous le savez et nous leur rendons ici souvent hommage et c'est un hommage mérité sont au rendez-vous de leur mission, comme l'a illustré la, la réactivité hein, dans le cadre du déploiement sur le flanc oriental à la suite de l'invasion de la Russie en Ukraine. Au sujet des, de ces missions, la prochaine LPM devra prendre acte du redéploiement de nos dispositifs en Afrique et certainement renforcer notre présence dans d'autres zones stratégiques telles que l'Indo-Pacifique. Au titre des missions intérieures, nous pensons qu'il est temps de réinterroger Sentinelle, de réévaluer Sentinelle et de voir comment, dans l'avenir, nous pourrons éventuellement réformer ce système. Mais si nos armées sont au rendez-vous de leur mission, cela se fait malheureusement, trop souvent au détriment de leur préparation opérationnelle. Les objectifs d'activité prévus par la LPM à cet égard, qui correspondent aux normes OTAN, il faut être clair, il faut être franc, ne sont pas atteints. Ce sujet ayant été abordé euh, la semaine dernière par nos collègues, hein, euh, je n'y reviendrai pas, mais vous avez, je crois, tous à l'esprit euh, ce bilan. Euh, mais cela nécessite, selon nous, d'une part, de gagner en épaisseur, notamment d'accroître nos stocks de munitions, là aussi nous en parlerons, et d'autre part, d'améliorer encore la disponibilité de nos équipements. En effet. Les objectifs de cette disponibilité des équipements prévus par la LPM ne sont pas atteints, notamment pour les aéronefs hein, NH90, C-130H, Mirage 2000D. Il faudra veiller, dans le cadre de cette prochaine LPM, à ce que la verticalisation des contrats de MCO, qui a exigé un effort financier considérable, porte enfin ses fruits. L'accroissement des stocks de pièces de rechange et la simplification des plans de maintenance constituent, dans cette perspective, des pistes que nous ouvrons que nous devrons approfondir. Deuxième point d'attention majeure euh, de euh, mon co et de moi-même, ce sont les ressources humaines. Et nous insistons vraiment beaucoup sur ce point. Notamment, et c'est le premier enjeu, la fidélisation. Alors que la LPM prévoyait une remontée des effectifs, 6 000 sur la période 2019-2025, et la moitié, hein, en 2023, aurait dû être réalisée. Le compte n'est pas du tout euh, euh, atteint. Les schémas d'emploi prévisionnels du ministère des Armées, euh, à la fin de l'année 2022, euh, nous montrent un retard de plus de 1920 équivalent temps plein par rapport à la cible. Vous l'avez compris, c'est un point de vigilance extrême. Or, si les objectifs ne sont pas atteints, ce n'est pas tendu à des problèmes de recrutement. Le ministère recrute chaque année près de 27 000 effectifs, soit près de 10 du total des effectifs, c'est considérable. Mais cela tient plutôt à un problème de fidélisation. Ce déficit de fidélisation constitue donc un point de vigilance pour tous ceux que nous avons auditionnés. Je crois qu'il y a eu une quasi-unanimité et c'était spontanément le point qui revenait en premier ou en tout cas dans les premiers points d'attention. Les causes de ce déficit sont multiples, mais nous en avons identifié deux qui nous semblent particulièrement importantes. D'une part, le décrochage des salaires par rapport au secteur civil. D'autre part, la moindre acceptabilité des suggestions militaires chez les jeunes générations, notamment des mobilités géographiques dans un contexte d'emploi accru des conjoints. Très concrètement, cela se traduit par le fait que de plus en plus de militaires du rang ne souhaitent pas devenir sous-officiers, par exemple, car le gain salarial est trop faible par rapport aux suggestions liées à ce nouveau statut. Or, le modèle de notre armée, et vous le savez, repose notamment sur cette promotion interne. Sur le terrain, ce déficit de fidélisation a des conséquences très concrètes. C'est une baisse du taux d'encadrement des plus jeunes, alors même que ces besoins d'encadrement sont importants en raison de la hausse même des recrutements. Dans ce contexte, mes chers collègues, que faire Eh bien, euh, tout d'abord, il nous semble impératif de faire un effort sur le volet indiciaire, comme le disait euh, mon co-rapporteur, de la rémunération des militaires dans le cadre de la prochaine LPM. La refonte du volet indemnitaire par la NPRM est-elle la bienvenue et a été saluée euh, par euh, nos militaires, mais nous sommes aujourd'hui arrivés au bout de cette logique. On ne pourra pas lutter contre 100 sentiments de décrochage de nos militaires, sans une revalorisation significative de la part indiciaire. Deuxièmement, la fidélisation nécessite de recruter le plus tôt possible, car plus les militaires rentrent tôt dans l'institution, plus ils sont fidèles à celle-ci. Les initiatives innovantes, telles que l'école militaire et préparatoire et technique de Bourges ou encore le BTS Cyber de Saint-Cyr l'école, doivent être amplifiées, notamment... Pour recruter dans les secteurs en tension. Enfin, la fidélisation passe également par l'attention portée aux conditions de vie des militaires et de leurs familles. A cet égard, le plan Famille a été globalement bien accueilli par les militaires et l'annonce par le ministère des Armées d'un plan Famille 2 doté de 750 millions d'euros dans le cadre de la prochaine LPM est certainement positif. J'en viens, mes chers collègues, pour terminer cette présentation, à notre troisième point d'attention majeur. Les infrastructures. Sujet qui est lié du reste à ce qu'on vient d'évoquer hein, sur la condition euh, militaire, parce que l'état des infrastructures joue évidemment sur le moral des troupes et donc sur la fidélisation des effectifs. Comme vous le savez, les infrastructures ont été le parent pauvre des précédentes programmations avec des décennies de sous-investissement. Cela s'est matérialisé par une forte dégradation du parc existant. Aujourd'hui, seul un quart. Un quart du parc immobilier du ministère est considéré être dans un bon état ou neuf. Vous avez compris, hein, en creux, trois quarts euh, méritent notre attention. Ce que l'on appelle la dette grise, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses nécessaires pour uniquement remettre en l'état le parc existant, a éteint un nouveau euh, record de 4,5 milliards d'euros. Un effort de modernisation important. A certes été réalisé dans le cadre de la LPM, notamment pour l'hébergement de nos militaires de euh, rang, du rang pardon, avec le doublement de l'enveloppe budgétaire par rapport à la précédente LPM. L'entretien des logements domaniaux connaîtra également une nouvelle dynamique avec le contrat de concession Ambition Logement conclu pour une durée de 35 ans et pour un engagement total de 2,8 milliards d'euros. Les infrastructures opérationnelles sont également modernisées pour accueillir les nouvelles capacités issues de la LPM. Mais soyons honnêtes, nous avons constaté lors de nos déplacements que les besoins sont encore immenses. Vétusté des hébergements qui seraient considérés comme indignes dans le civil. Inadaptation des hangars de stockage et de maintenance aux nouveaux équipements. Nous avons même vu dans une des unités que nous avons visitées que l'on se chauffait encore au charbon. Nous avons vu des réseaux d'eau et d'électricité vieillissants qui ne permettaient plus un fonctionnement normal. Il est par conséquent impératif que la prochaine LPM amplifie les investissements pour réduire cette dette grise. Il en va des conditions de vie, des conditions d'exercice de leur mission et donc du moral de nos soldats. Au-delà de l'effort financier, il faut également revoir les processus décisionnels en donnant davantage de pouvoir au chef de corps qui seul connaît les véritables besoins de son unité. Combien de chefs de corps nous ont expliqué que pour remplacer la moindre tuyauterie ou la moindre, euh, euh, le moindre chauffage de douche, il fallait remplir des tonnes de paperasses, que des fonctionnaires se renvoyaient les uns aux autres pour savoir qui investirait, et des mois, voire des années après, rien n'était fait. Une enveloppe discrétionnaire pourrait, par exemple, être allouée à ces chefs de corps pour être en capacité de traiter rapidement les, me les menus réparations. Il n'est pas normal que nos militaires doivent attendre plusieurs mois la réparation d'une fenêtre cassée, nous l'avons vu, hein, euh, ou d'un toit qui fuit, alors que leur régiment ou leur base accueille des équipements à la pointe de la technologie. L'écart entre le matériel qui arrive et les conditions de vie qui datent d'il y a 40 ans de certains n'est plus accepté, et je dirais même n'est plus acceptable. Le rôle du service d'infrastructure de la défense, le fameux SID, pourrait également être revu en se recentrant davantage sur les infrastructures technico-opérationnelles, c'est son cœur de métier, et en externalisant les travaux de nature davantage civile, bien sûr avec un droit de regard, bien sûr avec de la vigilance, ça paraît évident. Enfin, et c'est un peu redondant avec ce que, ce que tu as dit, mais les normes souvent issues du monde civil sont parfois inadaptées au secteur militaire et elles gagneraient à être simplifiées afin de réduire les coûts et les délais des travaux. À titre d'exemple, sur la base aérienne d'Orléans-Brissy, les aviateurs ont dû attendre près de 18 mois pour utiliser un hangar pourtant livré, faute d'avoir les autorisations environnementales nécessaires. Au final, mes chers collègues, comme vous l'avez compris, le bilan est globalement positif, mais il reste de très nombreux défis à relever. Nous n'en sommes qu'au début de la trajectoire de redressement de nos armées de la prochaine LPM, et ce sera essentiel d'être vigilant. Pour amplifier la dynamique. Bien sûr, il s'agit de passer d'une logique de réparation, ce que tu expliquais en introduction de cette LPM, à une logique de modernisation de nos armées. Mais la réparation n'est pas terminée. Réparation et modernisation devront être menées de concert, si nous voulons réussir. La prochaine LPM, qui va nous occuper hein, dans les semaines et les mois qui viennent, aura certainement euh, beaucoup de défis à relever, mais euh, la précédente LPM aura construit un socle solide sur lequel on pourra s'appuyer et nous aura montré aussi ce qui marchait et ce qui ne fonctionnait pas. 413 milliards, c'est le budget annoncé par M. le Président de la République. 413 milliards, ça se gère, ça se prévoit, ça s'organise, ça se suit, ça se corrige. Et donc il faudra que les indicateurs soient mis en place, que le Parlement soit pleinement, pleinement. Concerté et associé aux décisions, et il faudra que ces 413 milliards servent bien sûr à ce qui est valorisant, ce qui est plaisant à montrer dans les médias, c'est-à-dire le technologique, mais qui n'oublie jamais, jamais, jamais ceux qui font la force de nos armées, les femmes et les hommes qui la composent. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cet important travail. Je pense que vous avez mis la bonne hauteur et que vous avez également eu le sens du détail. Vous avez à la fois abordé les sujets de, de fond sur l'affectation des ressources, mais également abordé le sujet de, de méthode, que ce soit le périmètre du financement interministériel, la prise en compte de l'inflation, les coopérations européennes, les modes d'actualisation, etc. Et j'espère que cet important travail nous permettra d'être mieux armés pour l'étude de la prochaine LPM. Alors nous avons un peu moins d'une heure pour l'ensemble des questions et nous allons commencer par les orateurs de groupe pour le groupe Renaissance. La parole est à Jean-Michel Jacques. Merci, euh, Monsieur le Président. Euh, mes chers collègues, euh, je tiens tout d'abord, euh, au nom du groupe Renaissance, euh, à souligner la qualité du travail accompli par nos deux co-rapporteurs et leur équipe, euh, qui ont fait un travail remarquable. Euh, vous, vous nous rappelez à travers votre, votre travail le rôle euh, du député, euh, du parlementaire, qui est celui de voter la loi, et on peut se réjouir du travail euh, transpartisan qui a été fait lors de la dernière loi de programmation militaire auquel j'ai eu l'honneur avec un certain nombre de collègues de participer, et puis euh, ce rôle aussi d'évaluation que vous venez de faire avec euh, précision et, et dont on peut se réjouir tout de même parce que euh, bien que vous nous avez euh, rapporté un certain point d'attention qu'il va falloir absolument prendre en compte pour la nouvelle loi de programmation, eh bien, nous pouvons aussi constater euh, une évolution tout de même positive pour nos armées euh, depuis un, un certain nombre d'années. Alors la dernière loi de programmation militaire 2019-2025 répond aux enjeux sécuritaires identifiés par la revue stratégique élaborée en 2017. Et à ce moment-là, le contexte se caractérisait entre autres par une menace terroriste importante et particulièrement élevée, par une crise majeure au Sahel, mais aussi par une forte déstabilisation au Proche et Moyen-Orient ces enjeux n'ont pas disparu comme vous avez pu nous le souligner mais ont évolué. Euh, à ceux se sont ajoutées de nouvelles menaces comme euh, le retour de la guerre en europe la multiplication des menaces hybrides ou encore euh, l'appétence grandissante de certains états pour les espaces communs et je pense aux espaces matériels, euh, comme euh, euh, l'espace extra-atmosphérique euh, que vous avez évoqué, euh, l'espace tout simplement, et mais aussi euh, l'espace sous-marin, ainsi que l'espace immatériel, euh, le numérique entre autres, le cyber, mais aussi l'espace informationnel. Alors ces évolutions nous obligent à transformer notre outil militaire. Il nous faudra donc veiller collectivement à ce que soit bien pris en compte, dans la prochaine loi de programmation militaire, euh, tous ces faits. Cette nouvelle situation géostratégique nous oblige à entrer dans une logique d'économie de guerre, et vous nous l'avez bien souligné. En la matière, euh, quels doivent être, selon vous, nos axes d'amélioration pour y parvenir par ailleurs, euh, sur un tout autre volet, mais tout aussi important, qui sont les ressources humaines, vous nous l'avez bien souligné par une phrase qui m'a réjoui, euh, les armées ne valent que par ceux qui les servent, et c'est vrai qu'on le voit bien dans la guerre en Ukraine, euh, c'est toujours à la fin de la fin, c'est le soldat, qui soit un homme ou une femme qui porte le fusil, qui fera la différence. Et comme euh, vous, vous le savez, nous, avons, euh, euh, et nous devons continuer à renforcer l'attractivité et la fidélisation de nos armées. Avec la dernière loi de programmation militaire, euh, beaucoup a déjà été fait. Je pense par exemple à la mise en place de la prime du lien de service. Euh, toutefois, nous avons bien entendu que vous proposez de compléter la mise en place euh, de notre nouvelle politique de rémunération du militaire, NPRM, par un effort sur le volet indiciaire. Pourriez-vous euh, nous repréciser par quoi cette proposition est-elle motivée Je vous remercie. Merci pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Caroline Colombier. Oui, euh, monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Au nom du groupe Rassemblement National, nous souhaitons tout d'abord vous remercier pour le travail effectué autour de cette mission d'information et nous attendons avec une grande impatience de pouvoir lire votre, votre rapport. Et nous vous en remercions. Les éléments que vous apportez nous, nous, vous apportez, nous donnent une base solide pour élaborer efficacement la prochaine loi la prochaine LPM dans un contexte géostratégique en, perp en perpétuelle évolution, pour ne pas dire en constante ébullition. Nous nous félicitons bien évidemment du respect global de la précédente LPM, qui constitue un motif d'encouragement pour nos armées après ces années de disette budgétaire. Mais l'effort est encore à poursuivre, car votre rapport confirme les constats effectués par notre groupe depuis quelque temps, à savoir, entre autres, la persistante la persistance de nombreux manques pour nos armées et l'urgence d'une remontée en puissance assumée de notre outil de défense pour être à la hauteur des enjeux de demain. À ce sujet, n'oublions pas que la réparation entamée par la LPM devait s'étendre initialement jusqu'à 2025 et qu'à l'aube d'entamer la prochaine, cette réparation n'est toujours pas aboutie telle que vous venez de nous l'indiquer. Les points d'inquiétude demeurent donc nombreux tout d'abord la dualité persistante entre une volonté d'indépendance et de souveraineté pour garantir notre liberté d'action dans de nombreux secteurs comme catapultes, petits calibres, drones, hélicoptères lourds de transport, et encore d'autres points, et la poursuite d'illusoires projets avec des partenaires qui ne partagent pas la même vision stratégique et industrielle. Le second point d'inquiétude est que les gouvernements précédents ont réduit nos armées à un modèle expéditionnaire adapté au temps de paix relative, mais impropre à la haute intensité que provoque le retour des logiques de puissance, dont nous avons parlé à diverses reprises ces derniers temps. Aussi, la France a adopté un format capacitaire fondé sur du matériel performant et high-tech, mais résiduel et dont le maintien en conditions opérationnelles se révèle coûteux. Ce choix a réduit considérablement le taux de disponibilité des équipements des forces, alors que le gain en épaisseur et en masse devient central. Aussi, pour conclure, nous saluons donc le respect global de la LPM, qui a indéniablement permis de stopper l'hémorragie. Toutefois, la question qui doit se poser est évidente et sa réponse guidera nos travaux à venir. Dès lors que l'on reconnaît que le contexte stratégique a radicalement changé depuis un an, les efforts effectués sont-ils suffisants Et si demain nous étions engagés dans un conflit de haute intensité, nos armées auraient-elles les moyens de tenir dans la durée Je vous remercie pour vos précisions. Merci. Je n'ai pas noté de demande d'intervention du groupe La France Insoumise. Et donc, pour le groupe Les Républicains, la parole est à Valérie Vazin-Malgrat. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je vous remercie pour votre travail très intéressant, transpartisan et vraiment hautement important pour notre commission. Je regrette simplement, permettez-moi de vous le dire, que vous ne l'ayez pas transmis avant la commission parce que c'est quand même une mine de renseignements et on aurait pu travailler... Un peu mieux, dirais-je. Voilà, je le regrette et je voulais vous le dire. Je souhaite vous interroger sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la LPM. Cette guerre a mobilisé, et mobilise toujours énormément d'effectifs aux frontières et énormément de matériel en provenance de la France pour renforcer l'armée ukrainienne. Et j'aimerais savoir si, durant vos auditions, euh, les militaires que vous avez, euh, avec lesquels vous avez échangé, se sont plaints de, de cette. Euh, de ces envois de matériel et, euh, et d'hommes aux frontières Et surtout, quel a été l'impact Est-ce que vous avez pu le mesurer dans la LPM 19-25 Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Christophe Blanchet. Merci, monsieur le président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le groupe démocrate vous remercie pour vos excellents travaux, très éclairants sur le bilan de cette loi de programmation militaire 2019-2025. Prouvons aussi que nos engagements du programme présidentiel en 2017 ont été tenus, ne serait-ce que du point de vue financier et matériel, tel qu'il était décrit dans le programme du président Emmanuel Macron, même si on doit faire mieux pour réparer 40 ans d'oubli et d'hémorragie, comme vous l'avez souligné. Un des buts de cette loi était de permettre à la France d'affirmer son autonomie stratégique, c'est-à-dire d'être un partenaire fiable et crédible, capable de décider et d'agir sans dépendre des capacités d'autres États. L'objectif sous jacent était de construire les conditions d'une autonomie stratégique européenne par la coopération industrielle et opérationnelle afin de construire une culture stratégique commune. Comme vous l'avez montré, lors de ces quatre années, les armées françaises ont pu renouveler leurs équipements et acquérir de nouvelles capacités, notamment pour se défendre dans les nouveaux champs de conflictualité. Des équipements du quotidien essentiels aux soldats ont été livrés, des chantiers de rénovation et de construction de logements et d'infrastructures opérationnelles ont été lancés. Pourtant, l'objectif de régénération des armées n'a pas été totalement atteint. Le rapport de la Cour des comptes de mai 2022 souligne notamment que la très forte sollicitation opérationnelle a entraîné des conséquences sur l'entraînement des forces et la disponibilité des matériels, et que les armées françaises ne sont pas prêtes, ni en termes d'équipement, ni en termes de préparation, en cas d'opération majeure de haute intensité. Concernant la coopération européenne, des projets comme celui de l'Eurodrone ou le missile franco-italien de défense solaire Aster témoignent d'une volonté de réduire les coûts de production et de favoriser une interopérabilité des armées européennes. Mais il, a, il est aussi important de rappeler que de nombreux États européens, en particulier sur le flanc est de l'Europe, comptent encore sur la protection du parapluie nucléaire américain et encore plus depuis la guerre en Ukraine. Ils achètent des blindés, des missiles, des pièces d'artillerie et surtout des avions de chasse F-35 aux États-Unis. La situation actuelle en Europe nous pousse aujourd'hui plus que jamais à vouloir accentuer l'autonomie stratégique de notre pays et de notre continent dans un contexte qui n'est plus le même qu'il y a quatre ans. La prochaine LPM que nous serons amenés à étudier semble prendre en compte la nécessité d'accentuer plus encore nos efforts sur cette question d'autonomie continentale, mais il s'agit de savoir en tirer les leçons des dernières années. La France et l'Allemagne peinent à se mettre d'accord sur le SCAF et le MGCS. Le Sénat a même voté un amendement visant à anticiper une impasse des négociations pour le SCAF et incitant à envisager la faisabilité d'un projet de chasseurs de nouvelle génération uniquement français. La France a également décidé de ne pas participer au projet. De anti-missiles européens. J'aurais donc trois questions. Quels seraient les outils de diplomatie militaire pour convaincre nos alliés européens de construire ensemble une autonomie stratégique européenne afin de ne plus dépendre des États-Unis et de ne pas faire supporter seuls les coups de, des OPEX en interministériel Sur la question de la fidélisation, vous êtes-vous penché sur le RO2 et la garde républicaine qui peut participer évidemment à la fidélisation de nos armées dans un meilleur travail et enfin, vous avez évoqué en vos propos introductifs que la LPM, notre armée, c'est le pacte entre la nation et son armée. Aujourd'hui, on voit très bien que le pacte entre la représentation nationale et son armée est là et est effectué. Mais pour autant, est-ce que la nation a pleinement conscience qu'elle est dans le pacte avec son armée Merci, chers collègues. J'ai cru qu'en tant que garde républicaine, vous vouliez parler de garde nationale. Oui, garde oui nationale. il me semblait. Mais ça peut... oui, Merci. Oui. J'ai bien compris. Merci, chers collègues. Pour le groupe socialiste, la parole est à Anna Pic. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs. À l'occasion de la présentation de la future LPM, le Président de la République se félicitait de présenter un nouveau projet faisant suite à la parfaite exécution de la loi précédente. Votre rapport nuance utilement les choses et soulève quelques points sur lesquels nous souhaiterions avoir à notre tour quelques précisions. Cette première partie de la LPM avait la vocation de réparer nos armées et de les sortir de la logique de pénurie. Force est de constater que la réalisation de ces objectifs n'est pas complètement atteinte, malgré des avancées, et que les objectifs budgétaires combinés au contexte inflationniste pourraient grandement en ralentir la pleine réalisation. En effet, comme l'indique la Cour des comptes dans son rapport sur la LPM de 2019-2025, l'ambition d'un modèle d'armée complet et équilibré d'ici 2030 est difficile à concilier avec la réduction du déficit public à 3% du PIB en 2027. Formulée en 2017, cette ambition n'a pas fait l'objet d'une actualisation depuis. Au cours de votre rapport, Comment vos interlocuteurs ont-ils évoqué cette absence d'actualisation Ont-ils par ailleurs mis en avant le souhait qu'un nouveau livre blanc soit réalisé Par ailleurs, si l'on se focalise un peu sur la seule logique de pénurie, nos travaux sur la préparation opérationnelle soulignent le manque de disponibilité de matériel, du matériel au sein de nos armées, et vous l'avez à votre tour souligné. Le manque de munitions est régulièrement évoqué, tout comme l'indisponibilité des matériels, et notamment, notamment des avions et aéronefs ou d'espaces d'entraînement comme les chantiers. Si l'on rajoute à ces observations la pénurie de main-d'oeuvre qui touche le secteur industriel, dans quelle mesure, selon vous, cette faille dans la disponibilité matérielle aurait pu être évitée au regard du bilan que vous faites de la précédente LPM Au cours de vos auditions, avez-vous eu des retours sur d'éventuelles alertes lancées à propos de cette disponibilité matérielle Enfin, la précédente LPM initiait la volonté de renforcer le lien armée nation est favorisé notamment un solide esprit de défense faisant suite aux attentats de 2015 et plus encore avec la crise sanitaire la résilience a marqué la volonté du pouvoir de conditionner de préparer la nation au conflit au-delà de mon avis personnel qui persiste à penser que le terme même de conditionnement est potentiellement dangereux nous aimerions savoir dans quelle mesure au cours de vos travaux diriez-vous que l'objectif D'établir ou de rétablir le lien armée-nation fut rempli par nos armées durant euh, cette première partie de la LPM. Si la Cour des comptes invite à reconsidérer la mission Sentinelle, ce point fut-il évoqué par vos interlocuteurs au cours des auditions Merci. Merci, vous avez eu de la chance, chers collègues. Le chronomètre n'était pas lancé, donc je n'ai pas de Vous avez bah, dépassé vu ou pas, que pas mais... les autres ont largement <laughs> vous dépassé. Vous auriez pu profiter minutes... encore davantage. <laughs> et, et enfin, pour le groupe Horizon, la parole est à Anne Hénonf. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les co-rapporteurs, merci beaucoup pour la qualité et l'intérêt aussi de la présentation. C'était vraiment, vraiment passionnant. Merci beaucoup. Euh, quelle équation difficile nous avons à résoudre tous ensemble sur la loi de programmation militaire à venir Je m'intéresserai plus particulièrement à un des aspects, euh, notamment celui de l'innovation et de la prospective technologique. Euh, ici même, en audition, le chef d'état-major de l'armée de l'air et l'espace indiquait que la France avait pris du retard sur euh, un certain nombre de sujets au niveau technologique qui, qui ne seraient pas rattrapables, mais par contre qu'on avait une ambition d'être leader sur certains au niveau européen, j'entends sur certains euh, sujets, notamment en lien avec l'espace. Euh, de la même manière, euh, au niveau du Com cyber, qu'on a eu euh, le plaisir de visiter dans le cadre du GT euh, espace et cyber. À la question directe que je posais aux militaires qui étaient là, estimez-vous que l'investissement est nécessaire pour que vous puissiez bien faire votre travail au niveau du COM cyber L'obligation de réserve des militaires ne leur a pas permis de me répondre euh, et c'est tout à fait normal, mais il n'empêche que je conserve cette question euh, dans, dans ma tête. Et aussi, la question euh, portera sur ces investissements du futur et l'innovation, notamment l'espace et le cyber en particulier. Estimez-vous que les choix effectués lors de la LPM 2019-2025 auront permis de positionner la France sur une bonne tendance, c'est-à-dire en pôle position sur ces thématiques au niveau européen voire mondial, et notamment en capacité à répondre aux enjeux et ambitions de notre pays sur ces sujets. Je vous remercie. Merci. Alors je vous rappelle que l'audition doit être terminée à 10h40. Il nous reste 5 questions. Je vous propose de les prendre maintenant pour que les rapporteurs aient chacun une quinzaine de minutes pour, pour répondre à l'ensemble de ces questions. La parole est à Stéphanie Gelzi. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, je vous remercie pour la présentation de ces éléments sur le bilan de la LPM 2019-2025, ainsi que pour votre travail exhaustif dans le cadre de cette mission d'information. Nos militaires s'engagent de la plus noble des manières pour la défense de la France et des Français. Nous devons en retour leur permettre de mettre en œuvre cet engagement dans les meilleures conditions possibles. Tout le monde ici pourra en convenir. Cela passe entre autres par de bonnes conditions d'hébergement et une meilleure qualité des infrastructures dans lesquelles ils sont amenés à évoluer. Vous nous démontrez que les efforts budgétaires ont été consentis en faveur des infrastructures. Toutefois, comme vous l'avez expliqué, des décennies de sous-investissement imputables au gouvernement successif de droite comme de gauche, ont profondément fragilisé nos infrastructures. Vous révélez la nécessité d'adapter de nombreuses infrastructures en vue d'accueillir de nouveaux équipements, mais également de besoins impérieux de procéder à de nombreux travaux de rénovation. Je ne peux que souscrire à ce constat. Dans ma circonscription, lors d'une visite de la gendarmerie de Murviel-les-Béziers, j'ai pu constater le délabrement des bâtiments dont une partie menace carrément de s'écrouler. Véritable passoire thermique, les gendarmes et leurs familles ont été contraints de fuir vers le locatif privé afin d'éviter les conditions de vie indignes dans ces bâtiments malgré les efforts mis en œuvre par le maire de la commune. Même l'accueil de cette gendarmerie n'est pas adapté à l'accueil du public puisqu'elle ne dispose pas d'accès ERP et là encore une fois une véritable passoire thermique. Cette situation s'explique en partie par le recours à une entreprise privée pour le pilotage des opérations de construction, mais également pour leur gestion et entretien. Plus, plus globalement, lors de vos travaux, vous avez eu l'occasion de vous déplacer sur des bases et de constater l'état des locaux. Estimez-vous que leur état est à la hauteur de l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui défendent notre nation Le cas échéant, estimez-vous que l'externalisation de la construction et de l'entretien des infrastructures de vie basique soit une solution envisageable pour répondre à leurs besoins. Je vous remercie. Merci, la parole est à Lionel royer -Perrault. Merci Monsieur le Président. Donc à mon tour de féliciter les rapporteurs pour l'excellence de leur rapport et de nous avoir une nouvelle fois permis de réaffirmer le fait que c'est historique dans l'histoire de nos armées que cette loi de programmation militaire ait été totalement exécutée. Pour celui qui a œuvré pendant quasiment vingt ans dans ces locaux, eh bien je peux dire qu'effectivement c'est quasiment exceptionnel, pour ne pas dire exceptionnel tout court, que euh, nous ayons une loi de programmation militaire qui soit euh, totalement euh, réalisée. Ma question portera plus précisément sur la difficulté de recrutement et de fidélisation de nos jeunes, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Effectivement, cette absence de fidélisation s'est traduite par la dénonciation des contrats en cours de période probatoire, notamment, mais également par l'absence de renouvellement des contrats arrivés à terme. Euh, à titre d'exemple, notre collègue François Cormier-Bouligeon, dans son rapport pour avis du budget 2023 de l'armée de terre, indiquait que pour les militaires du rang, le taux de dénonciation des contrats des militaires du rang atteignait près de 32 alors que le taux de renouvellement des contrats pour cette catégorie n'est que de 37,5%. Donc, ce phénomène global, me semble-t-il, doit nous préoccuper car il explique quand même le non-respect des schémas d'emploi prévus dans le cadre de la LPM et que disposer des compétences idoines e et en nombre suffisant est une nécessité qui va de pair avec les efforts capacitaires. Donc, vous avez tracé un certain nombre de pistes de réflexion et je voudrais savoir quelle serait la hiérarchie ou la hiérarchisation des priorités Quelque part, qu'est-ce que vous pourriez suggérer euh, dans euh, nos travaux pour euh, cibler euh, les euh, premières décisions nécessaires à prendre en ce domaine Je vous en remercie. Merci. La parole est à Frédéric Bocaletti. Monsieur le Président, euh, merci aux rapporteurs Yannick Chenoir et Laurent Jacobli pour leur travail. Chers collègues, alors que les livraisons de nouveaux équipements tels que les drones patrouilleurs et autres hélicoptères de combat battent leur plein, le taux de disponibilité des matériels existants demeure trop faible. Il est malheureusement de notoriété publique que les armées sont dans l'obligation de cannibaliser, ce qui signifie désosser des matériels pour y prélever des pièces afin d'assurer le maintien en conditions opérationnelles d'autres équipements. Le conflit ukrainien, mais également le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, nous démontre aussi qu'un conflit moderne entre deux puissances à capacité équivalente entraîne un taux de perte humaine et matérielle accru. Si la, la modernisation des équipements des armées est un sujet à ne pas négliger, celui, celui de faire gagner en capacité nos armées l'est tout autant. Dès lors, suite à votre travail riche et fouillé, estimez-vous pertinent qu'en parallèle de la livraison de nouveaux matériels, un effort supplémentaire en termes de rénovation des matériels soit mené Je vous remercie. Merci pour euh, la parole est à Jean-Marie Jean Fievet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les rapporteurs, pour votre travail très fourni. Comme cela a été rappelé dans le, res le respect de la programmation financière de cette LPM, constitue une nette rupture avec la LPM précédente. Il a permis une augmentation totale du budget de la mission défense de l'ordre de 28,4%, passée ainsi de 34,2 milliards d'euros en 2018 à 43,9 milliards d'euros en 2023, soit 9,7 milliards d'euros d'augmentation. Une augmentation bien supérieure à l'augmentation générale du budget de la même période. Vous avez abordé dans votre présentation l'exécution du programme d'équipement. Prévus par la LPM, ainsi que les grands programmes bénéficiaires de cette augmentation des crédits de la mission défense. Je me réjouis que cette hausse des crédits permise par la LPM en cours permette de réparer et redresser nos armées et vienne ainsi traduire notre ambition stratégique de disposer d'un modèle d'armée complet et équilibré pour agir sur l'ensemble du spectre à l'horizon 2030. Cela sera rendu possible grâce à la modernisation de nos capacités. Au-delà de la traduction de cette hausse en nouvelles capacités disponibles, disposez-vous d'informations relatives à l'impact de ces investissements sur notre BITD et plus largement sur l'économie pour notre pays. Je vous remercie. Merci et enfin la parole est à Christian Girard. Oui, c'est mieux avec le micro, merci. Euh, je, je reprends donc. Merci monsieur le président, merci messieurs les rapporteurs, chers collègues. Merci pour les précieux éléments que vous apportez au cours de cette audition. En effet, tout est bien clair. Nous sommes tous convaincus que les guerres d'aujourd'hui et de demain se gagneront grâce à la performance des équipements dont les armées se dotent. Cependant, les matériels c'est bien, mais les hommes c'est mieux. Les armées sont en effet confrontées à un véritable problème de ressources humaines avec des carences d'attractivité et de fidélisation des effectifs. À l'heure même où nos forces doivent gagner en masse et en épaisseur même si beaucoup de choses ont déjà été faites comme la nouvelle politique de rémunération et le plan famille globalement salué par nos militaires les problèmes demeurent aussi quelles solutions vous semble possible pour accroître l'attractivité et la fidélisation de nos soldats mar marins et aviateurs je vous remercie merci enfin la parole est à Franck Giletti. Merci Monsieur le Président. Messieurs les co-rapporteurs, tout d'abord merci pour votre excellent travail. Un joli tandem, un beau duo. Euh, les partisans d'une Europe de la défense sont des coopérations industrielles, une vitrine des grands programmes structurants, comme en témoignent les exemples du SCAF, le système de combat aérien du futur, et du MGS, le système principal de combat terrestre. Force est de constater que ces deux projets, comme tant d'autres, rencontrent des difficultés liées à des désaccords industriels et ou Politique, euh, notamment avec l'Allemagne. À titre d'exemple, le programme franco-allemand MOSE, l'avion de patrouilleur maritime, n'a pas vu le jour, car nous savons que les Allemands ont contracté avec les États-Unis pour l'achat d'avions. Dès lors, au regard du bilan mitigé, et ce, dire cela est un euphémisme, de ces multiples coopérations européennes, il semble que des enseignements doivent être tirés de ces difficultés pour l'avenir. Certes, les intérêts français et allemands en matière de défense se recoupent par endroits, mais il convient de reconnaître qu'ils divergent grandement par ailleurs. Là où l'Allemagne privilégie une armée continentale adaptée pour des combats en Europe, on le voit de, encore aujourd'hui, la France aspire à défendre ses intérêts et ceux de ses alliés à travers le monde. La capacité de projection est une spécificité majeure de nos armées qui en Europe ne se retrouve qu'au Royaume-Uni. Bien sûr, il faut ajouter à cela notre dimension de puissance nucléaire et ce que cela implique sur le volet capacitaire. Dès lors, j'aurais une question. Vous évoquez la nécessité de prévoir de toute façon des remplaçants au Leclerc et au Rafale, qu'ils soient européens ou nationaux. Un plan B sur des programmes d'une telle ampleur nécessite que nos industriels s'y préparent bien en amont, si nous ne voulons pas prendre un retard dramatique pour nos forces. A la lumière de vos travaux, estimez-vous nécessaire de missionner dès à présent nos industriels. Merci. Merci. Alors il nous reste une trentaine de minutes, et donc je propose aux deux rapporteurs de répondre chacun en une quinzaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Il y a un certain nombre de questions. Merci d'abord pour, pour la qualité de, de, de vos questions, mes chers collègues. Euh, une première question qui touche en fait euh, la notion d'économie de guerre, l'impact des normes. Et euh, évidemment, euh, il y avait en creux aussi une question sur la, la rémunération de, de, des personnels. Oui, l'impact budgétaire de la norme, il est euh, assez terrifiant. Euh on a même du mal à imaginer, par exemple, qu'on impose euh, dans des bâtiments qui n'accueillent que des commandos d'avoir des salles de bain qui sont en normes PMR. Ça a un coût, et à un moment donné, euh, on se dit à quoi ça sert. Dès l'instant où euh, on, a, on a des personnels qui ne sont pas en situation d'être opérationnels, ils ne sont plus dans ces bâtiments. Donc euh, c'est le premier élément. Il y en a un autre euh, qui, j'allais dire, a un coût encore plus élevé. C'est la norme REACH. Donc cette norme, c'est une norme européenne, notamment sur, sur les histoires de, de substances, de restrictions de substances chimiques. Cette norme-là, en fait, elle a eu un impact euh, pour la marine sur euh, ses fabrications d'astères et d'Exocet de 480 millions d'euros sur son propre budget. Eh bien, mes chers collègues, vous savez ce qu'on fait avec 480 millions d'euros Je vais vous le dire. On fait, c'est pour ça que je vous pose la question, on, César. on fait, je parle de, pour la marine ah naturellement, beurre. puisque ça a été pris sur le budget de la marine, on fait plus de 10 patrouilleurs d'outre-mer, plus de 10 patrouilleurs d'outre-mer, c'est un peu plus de 37 millions d'euros le patrouilleur d'outre-mer. Et pour la surveillance de notre zone économique exclusive, vous savez qu'aujourd'hui on en a 6 qui sont commandés, il y en a un qui est en transit pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie, mais donc on en fait 10 pour la norme. On fait euh, également, euh, si on le souhaite, un bâtiment de, ravi de ravitaillement des forces. Bâtiment de ravitaillement des forces, c'est 425 millions d'euros. On a absolument besoin de quatre bâtiments de ravitaillement des forces pour assurer la cohésion du fonctionnement euh, de notre marine. Donc voilà l'impact de, de la norme. Euh, pour euh, les rémunérations, mais je pense qu'on on y reviendra également tous les deux, parce qu'on est vraiment, euh, pour le coup, euh, totalement en harmonie sur le sujet, ce que nous avons entendu, notamment à l'audition des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Euh, oui, euh, les militaires sont satisfaits de la NPRM. Oui, très clairement, ils le disent. Euh, 500 millions d'euros d'efforts dans la LPM en année pleine, c'est évidemment du jamais vu. Et en même temps, on peut rappeler que cette NPRM, c'est euh, le regroupement de 174 primes. Euh, pour remettre tout ça euh, dans huit répartis en trois volets. Je vous laisse imaginer. Euh, euh, heureusement qu'on n'a pas confié ça à ceux qui s'étaient occupés de, du logiciel Louvois pour la solde des militaires. Hein. Euh, donc, euh, la NPRN, ça marche. Mais ce n'est pas tout. Il y a évidemment euh, les conditions de vie de nos militaires. On en a parlé. On pourra y revenir si vous voulez. Mais il y a aussi euh, la notion euh, de reprise de la grille indiciaire. C'est revenu en boucle, systématiquement. C'est très net, parce qu'à un moment donné, nos militaires ont le sentiment de complètement décrocher par rapport au monde civil, par rapport aux entreprises, aux salariés du civil, mais également par rapport à, à, à la fonction publique. Donc ce décrochage, en fait, il est aussi à l'origine du départ. Euh, mon collègue Jacobelli disait tout à l'heure, on a une cible de recrutement à 6 000 personnes euh, sur l'ensemble de, de, de la loi de programmation militaire, mais pour arriver à 6 000, quand vous avez le volume des entrées et des sorties, Aujourd'hui, on sait que pour l'instant, la cible, on ne l'atteint pas. Donc, il faut réussir à garder nos, nos militaires. Il y avait euh, également une question. Euh, il y a eu d'abord une affirmation euh, de notre collègue Pic euh, relative à la Cour des comptes. Euh, C'est tout à fait intéressant d'ailleurs d'entendre la Cour des comptes s'occuper d'affaires militaires parce que, comme tout le monde le sait, euh, ils sont extrêmement efficaces sur le terrain en opération. Euh, moi, il y a un moment donné où euh, je m'interroge. Hein. Il faut toujours euh, rappeler euh, ce qu'est le budget de la défense et à quoi il sert. Donc très bien, euh, la Cour des comptes fait son travail, mais à un moment donné, quand on veut euh, une nation indépendante, puissante, qui pèse sur les affaires du monde, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un moment où, à, où il faut arrêter de faire des petits comptes d'apothicaire. Il faut mettre le paquet. Et pour le coup, cette loi de programmation militaire, elle a mis paquets, et la suivante va, va la doubler. On sera à 413 millions d'euros. Donc attention, moi je suis évidemment, euh, euh, j'allais dire, un, un, un adepte d'une comptabilité bien traitée, bien réglée. Mais attention, la Cour des comptes, c'est un aliment de chiffres. Ce n'est pas une opération sur le terrain. Expliquer à nos militaires sur le terrain qui font parfois le sacrifice de leur vie. Euh, que la Cour des comptes a dit ceci ou cela, ça, ça, me, paraît, euh, ça me paraît pas bien. Donc, oui, voilà, c'était une remarque, je, je préfère le, le, la formuler. Euh, on a ensuite une question euh, de notre collègue Royer Perrault. J'essaie de répondre dans la masse, hein, excusez-moi. Euh, on a parlé de la fidélisation, j'en je, ai parlé, hein, mon, mon cher collègue, six 6000 personnes. Euh, mais comment est-ce qu'on peut euh, éviter que nos militaires euh, quittent Donc il y a évidemment pour la fidélisation les conditions de vie, notamment pour les hommes du rang. Laurent Jacobelli a d'ailleurs rappelé qu'aujourd'hui, vous avez euh, des caporaux-chefs qui ne veulent pas passer sergent. Pourquoi Parce que quelque part, le différentiel financier est tellement léger qu'à côté euh, du différentiel financier, ils vont se retrouver avec des responsabilités et des contraintes professionnelles dont ils considèrent que ça ne vaut pas le coup. Sauf que nos, nos armées sont le plus beau des escaliers euh, sociaux, social, pardon. 50% de nos hommes du rang deviennent sous-officiers. 50% de nos sous-officiers deviennent officiers. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait dans la société civile un univers dans lequel on permet aux gens qui bossent, parce qu'il faut travailler, il hein, ne faut pas évidemment attendre euh, que le Saint-Esprit vous touche pour euh, euh, avoir de l'avancement, il faut travailler. Mais que les gens qui travaillent puissent s'élever et prendre des responsabilités. Donc oui, il y a cela. Il y a évidemment, euh, à un moment donné, tout ce qui relève de la de, des mouvements, des mutations. On a parfois entendu euh, des militaires qui nous disaient, bah, OK, nous, on sait qu'on doit déménager, mais à un moment donné, euh, le coût des déménagements ont, ont, ont explosé, mais la prime de déménagement elle-même, elle ne elle suit pas. Voilà. Il y a plein d'éléments comme ça qui font qu'à un moment donné, ben, on se retrouve sur l'importance de la grille indiciaire, parce que qui dit grille indiciaire dit à l'arrivée montant de la pension. Un autre élément en question, c'est Jean-Marie Fievé euh, sur la BITD. Bon, là, là aussi, euh, l'impact de l'ALPM sur la BITD, il est gigantesque. Et l'effet levier de l'injection de, de crédit sur notre base industrielle technologique de défense, il est incroyable. Je vais vous donner juste un exemple. Un milliard d'euros investis, ça a un effet levier sur 10 ans de 2 milliards. 2 milliards. Et donc aujourd'hui, on a 4000 entreprises en France sur la BITD, on a 200 000 emplois, et depuis 2017, en fait, l'injection de crédit dans la LPM. A créé 30 000 emplois. 30 000 emplois. Il ne le dire à la Cour des comptes. Oui, c'est vrai. 30 000 emplois. Donc voilà, on voit de manière très très claire euh, l'importance du fait que on a évidemment une mission, c'est de donner à nos forces armées la capacité d'assurer la défense de ce que nous sommes, de nos valeurs. Car euh, si vous ne défendez pas euh, vos valeurs. Y compris par les armes, regardez ce qui se passe en Ukraine, à un moment donné, vous disparaissez et tout le reste disparaît. La capacité à faire connaître son mécontentement, la capacité à s'exprimer, tout ça disparaît. Donc en réalité, les crédits qui sont affectés à la défense, ils sont supra de tout le reste. Tout le reste. Donc c'est important de, de le rappeler. Et puis, peut-être un dernier élément euh, on a évoqué l'espace et le renseignement. Je pense que vraiment en matière de renseignement, on a fait un saut, on a fait un saut en avant qui est énorme. D'abord, la LPM, c'était 1500 personnels supplémentaires recrutés entre la DRM, la DRSD, la DGSE. Donc vraiment, augmentation des effectifs. Mais là aussi, on a ouvert 1500 postes, mais on n'arrive pas à remplir les 1500 postes. Et les 1500 postes, quand vous les avez ouverts... Il faut éviter que les autres s'en aillent. Pour éviter que les autres s'en aillent, il faut les fidéliser. Et quand vous voulez fidéliser quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté, qui est un analyste performant, qui a 10 ans d'ancienneté en matière de renseignement, et qui va être chassé par le monde civil, si vous voulez le fidéliser, vous ne pouvez pas le fidéliser avec son salaire, avec sa solde. C'est n'est pas possible. Parce qu'en général, ils sont aspirés par, par le privé, et ils sont aspirés avec des salaires doublés, voire triplés. Donc, il faut trouver autre chose. Donc, l'idée même d'imaginer qu'on puisse avoir une réserve un peu spéciale dans le domaine du renseignement, pour conserver des gens, il faut souvent trois ans pour former un analyste. De les garder ensuite, c'est tout à fait intéressant. Sur le, satellitaire, sur le satellitaire, il y a des secteurs sur lesquels on, est, on a tellement choisi d'investir et de manière performante. Je pense notamment au renseignement d'origine électromagnétique, qu'on est sans doute dans le top 3 mondial. On fait des efforts énormes en matière satellitaire, on fait des efforts sur le, la captation d'images, donc on fait dans l'écoute, on fait des efforts donc avec Syracuse, avec Ceres, euh, et donc tous ces éléments avec euh, CSO, tous ces éléments concourent à augmenter notre capacité à écouter, à connaître, à anticiper, et c'est évidemment un élément important. D'ailleurs, la future LPM, c'est plus 60% de crédit dans le, matière, dans, dans le domaine du renseignement. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Alors on va essayer de répondre. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions, donc on va essayer de rassembler. J'espère que on pourra, on pourra faire le tour. Si jamais je pense qu'on pourra faire un dernière question, et un dernier tour, vous nous direz qu'on a oublié des éléments. Euh, si j'ai eu on a eu une question sur le cyber, je crois. Madame le enfin, c'était vous. Euh, euh, alors là on a quelques recommandations effectivement on a euh, euh, permettez- moi l'expression euh, mille paquets euh, sur cette euh, sur cette défense là malheureusement il y a encore un problème et c'est toujours le même problème le problème du recrutement et de la fidélisation euh, l'objectif en termes de recrutement n'a été atteint euh, nous a dit le Comcyberc, à hauteur de 82% euh, donc c'est compliqué c'est compliqué pour des raisons salariales où effectivement les salaires proposés ne sont pas euh, euh, attractifs pour des raisons de formation et de valorisation des métiers. C'est euh, ce qu'on voit dans ce secteur-là, comme on le voit dans beaucoup, euh, le fait que euh, nos armées, euh, de plus en plus techniques, euh, de plus en plus euh, pointues, de plus en plus professionnelles, rentrent en concurrence directe avec le privé et parfois même d'ailleurs avec la BITD. Euh, et donc. Euh, on a un problème, c'est-à-dire qu'on prend des, euh, de, de, des jeunes, on les engage, euh, on les forme pendant trois ans, ils sont formés, euh, ils sont euh, euh, aguerris, on va dire, à la défense cyber, et bien évidemment, le privé arrive, euh, leur amène des salaires euh, avec lesquels nous ne pouvons pas lutter, euh, donc nous les avons formés et nous les laissons euh, euh, partir dans la nature les, les, les solutions sur ce problème-là, euh, parce que c'est essentiellement une question humaine hein, en la matière sont celles qu'on a évoquées euh, la question évidemment du salaire, la question de la formation, la question de l'accompagnement de carrière, de la visibilité de carrière, autant de points qui sont, selon nous, euh, à améliorer. Euh, Aujourd'hui, améliorer parce que euh, nous ne sommes pas seulement là pour investir dans des euh, jeunes recrues qui deviendront euh, euh, des professionnels dans le privé, mais aussi parce que, euh, une fois que quelqu'un a travaillé euh, euh, pour la défense cyber, il connaît un certain nombre de choses. Et euh, le traitement de cette personne, euh, une fois qu'elle est dans la nature, elle aussi requiert des moyens et de l'attention. Je ne serai pas plus précis, mais euh, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc, euh, euh, là, c'est un vrai point de vigilance. Alors, les choses se mettent en place. Euh, les. Euh, euh, les responsables en sont tout à fait conscients, mais c'est un point euh, sur lequel on doit travailler, sinon on n'y arrivera pas. Voilà, euh, il, faut, il faut être clair. Euh, D'une manière générale, pour continuer sur, sur les, les ressources humaines, c'est le décalage qui est mal vécu le décalage entre des infrastructures hyper techniques et hyper modernes pour les moyens capacitaires et le décalage avec des investissements locatifs ou dans l'hébergement qui ne sont pas adaptés. En fait, il y a aussi une question sur le SID qu'il faut qu'on pose et que le SID, je crois, se pose lui-même. Euh, euh... Il y a une compétence dans euh, l'architecture, euh, l'organisation, la préparation de euh, bâtiments et d'infrastructures militaires. Euh, cette compétence, il faut évidemment la maintenir. Mais est-ce que le SID est simplement, j'allais dire, l'architecte, le concepteur et qu'on donne la réalisation à des entreprises privées ou est-ce qu'on euh, euh, maintient la filière de A à Z en interne Bon, euh, à titre personnel, je suis plutôt pour la deuxième proposition. Euh, on a pu visiter, j'ai pu visiter à Brest des locaux qui étaient des locaux de bureau. Alors on peut se dire, bon, bah. Oui, c'est un local de bureau. Euh, finalement, euh, Vinci, Bouygues ou je ne sais qui peuvent le faire très bien. Sauf que, évidemment, ce ne sont pas des bureaux comme les autres. Ce sont des bureaux qui doivent être euh, euh, imperméables euh, aux tentatives d'espionnage qui doivent correspondre à des normes de, de, de sécurité et de vigilance qui ne sont pas celles euh, de bâtiments publics classiques. Donc il faut revoir, je crois très précisément, le rôle du SID euh, y retravailler. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, à la fois sur ce type de bâtiment très technique, sur des infrastructures qui arrivent trop en retard par rapport au matériel qui est livré, et sur l'hébergement du quotidien, eh bien, il y a des points de vigilance à avoir. Donc, je pense que là aussi, euh, il y a un travail de fond euh, à faire sur les programmes internationaux. Bon, je, je ne vous cache pas qu'on est globalement d'accord avec mon co-rapporteur sur beaucoup de choses. Sur celui-là, on a on, 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 on partage un certain nombre, je ne veux pas parler en son nom, hein, mais on partage un certain nombre de, euh, de points. Mais euh, voilà. Moi, mon analyse, et là, pour le coup, euh, elle m'est euh, personnelle, mais euh, je l'évoque avec vous c'est qu'on s'est engouffré dans un certain nombre de programmes internationaux, pas par nécessité, mais euh, par euh, envie diplomatique et envie d'affichage. Voilà. On, on va sauver le couple franco-allemand. En général, dans un couple, il faut être deux à vouloir être un couple. J'ai l'impression qu'on est seul, mais bref. Et euh, on va euh, travailler sur le SCAF. Et puis, on, serait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs, euh, qu'on euh, n'a pas forcément les mêmes moyens à mettre en place et qu'on n'a pas forcément les mêmes intérêts industriels. Euh, nous, par exemple, sur le SCAF, on a besoin d'un avion qui puisse décoller depuis un porte-avions. Vous imaginez bien que ça ne dit pas grand-chose à l'Allemagne. Euh, euh, L'Allemagne, elle, elle est plus intéressée par pouvoir transporter des ogives américaines. Bon. Euh, évidemment, ça veut dire qu'on n'est pas forcément exactement sur le même euh, objectif. C'est euh, aussi une forme, je le dis, de naïveté de la part de la France. Je crois que nous sommes sincères dans notre volonté de coopération. Je ne partagerai pas complètement cette analyse sur l'Allemagne, qui, elle, a plutôt des ambitions industrielles allemandes. On ne peut pas lui en vouloir d'ailleurs. Donc ce que nous proposons, et là pour le coup nous nous rejoignons, euh, c'est qu'il y ait des euh, étapes euh, prédéfinies, euh, des points d'étape réguliers à chaque étape, hein, ça va de, de, de la définition des objectifs à la conception puis à la réalisation, où on puisse mettre en place le plan B. C'est-à-dire que si vraiment euh, ça ne marche pas avec l'Allemagne, on ne va pas perdre 10 ans. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas ces dix ans, euh, on ne va pas perdre de l'argent pour rien, eh bien, il faudra redonner le bébé à Dassault, par exemple, euh, en tout cas à des entreprises françaises. Et ça pose la question de la souveraineté. Je répondrai à, à Franck Giletti sur, euh, sur ce point. Euh, il faut que nos industries de défense françaises aient de la visibilité. Aient de la visibilité. Elle ne peut pas fonctionner par à-coup. Quand une chaîne de construction est démontée, elle est démontée. Et il faut des années pour la reconstruire. Quand un salarié n'est pas engagé sur une technicité précise, on perd un savoir-faire et ça met du temps à retrouver. Et donc il faut non seulement privilégier la BITD française, en premier lieu, à défaut européenne, mais surtout lui donner un carnet de commandes prévisible, ce qui a probablement manqué euh, dans les années euh, précédentes où on a un peu fonctionné par à-coup. On a la chance d'avoir une première LPM qui a été fluide, relativement fluide. Une deuxième qui s'annonce, ce qui donne une préparation puis une visibilité sur pratiquement dix ans. Et donc c'est une chance historique pour notre BITD. Pour la renforcer, pour aller sur des domaines où, où l'on n'était pas, et pour se sécuriser par rapport à des coopérations qui pourraient parfois, pas toujours, parfois, euh, être un peu aléatoires ou contre-productives. Euh, il y avait beaucoup de questions, donc je ne voudrais pas trop en oublier. Est-ce que vous pouvez. Alors, on y va. Je vais retrouver ma fiche sur le MCO. Voilà. Alors, le MCO. Bon, d'abord, sur le MCO, il faut reconnaître que l'effort financier qui a été prévu a été euh, respecté. Euh, c'était euh, 23 milliards euh, on les a eus et euh, c'est là aussi une euh, première et l'aéronautique qui était probablement le domaine le plus euh, euh, demandeur a été euh, je dirais bien servi il faudrait effectivement sur le MCO à aéronautique notamment une réforme de la gouvernance avec la mise en place de la direction de la maintenance aéronautique une modification de la stratégie euh, et puis, euh, de manière générale, sur l'entraînement euh, de nos équipes, on s'est aperçu quand même euh, d'un certain nombre de décalages. Par exemple, on nous parle beaucoup de la simulation. Bon, moi, je suis perplexe. Je pense que rien ne vaut l'entraînement réel, mais surtout, euh, les euh, logiciels de simulation sont parfois en décalage avec le. Non, mais dans certaines mesures, évidemment. On va pas abattre des cibles. Je vous vois venir, mais. Les logiciels de simulation étaient en décalage complet avec le matériel reçu. Bon, c'est-à-dire que c'est plus une simulation, mais c'est parfois un simulacre. Donc, il faut là-dessus, en termes de munitions, en termes de moyens, redonner aussi les moyens. Et en termes de simulation, être un peu plus, euh, un peu plus euh, affûté. Euh, effectivement, le fait d'être en OPEX n'autorise pas aussi un certain nombre de nos personnels à, à, à s'entraîner. Euh, c'est, je crois, là aussi un des. Euh, domaine de vigilance qu'on doit pouvoir avoir sur la précédente euh, LPM. Euh, je pense que l'entraînement, le MCO en général, euh, la disponibilité des matériels, qu'ils soient pour l'opération ou pour l'entraînement, doit être euh, améliorée. J'ai eu une question aussi, je crois, sur le, la rénovation du matériel. Euh, là encore, on peut prendre l'exemple des mirages. Qui sont euh, euh, rénovés à mi-vie, comme on dit. Il hein. euh, y en a euh, 55 de disponibles. Alors, à mi-vie, ce n'est pas vrai, puisque c'est à deux tiers de vie, en fait. Euh, ils sont censés euh, terminer euh, leur service en 2035. Je crois que personne n'y croit. Voilà, Personne n'y croit parce que le Tour Rafale ne sera pas prêt et que donc euh, euh, ces avions qui sont en cours de réfection, qui sont livrés petit à petit, euh, rénovés, euh, ces mirages, devront durer très probablement un peu plus longtemps. Et donc il y aura une période où il y aura une cohabitation des mirages et des Rafales. Et très honnêtement, je crois qu'il faut s'y préparer, c'est-à-dire le tout Rafale qui a été annoncé par le président de la République est un objectif, mais euh, à très moyen, à très voire long terme, euh, et que ce serait une folie d'arrêter de rénover euh, nos aéronefs actuels en attendant la livraison des Rafales, et qu'il faut euh, pour prendre un terme à, à la mode, un tuilage euh, entre les deux et que donc on aura bien besoin de ce matériel rénové. Il ne faut pas céder, je crois, à une volonté de la... Euh la communication sur la modernisation et ne pas jeter l'ancien matériel tant que euh, nos personnels ne sont pas entraînés, que les livraisons n'ont pas eu lieu, que les simulateurs n'ont pas été adaptés, que les munitions qui peuvent être euh, conjointes au nouveau matériel n'ont pas été livrées. Là aussi, ça peut arriver. Euh, je pense qu'il ne faut pas chasser la proie pour l'ombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre bon, j'ai fini. Pardon, j'ai fini. Alors, il nous reste encore trois minutes pour égaliser les temps de parole et je passe la parole à Yannick Merci. Merci. Il y a une première question sur les coopérations européennes. C'est un point évidemment sur lequel on n'est on pas tout à fait en phase. Moi, je suis évidemment un croyant de la coopération à l'échelle d'un ensemble qui, s'il se mettait d'accord, serait une puissance colossale. L'Union européenne, en termes de crédit affecté à la défense, c'est autant que les états unis On n'en a pas conscience. On n'a absolument pas conscience que l'industrie de défense européenne, c'est une industrie d'une puissance euh, incroyable. Les chantiers qui construisent des bateaux, enfin, j'en passe. Mais euh, on a évidemment toujours nos modes de fonctionnement, qui sont des modes de fonctionnement où on dit, euh, euh, on, veut, on veut, et à juste titre, conserver dans certains secteurs, je pense... Euh, je pas moi, la cellule d'un avion ou euh, à telle capacité. Et c'est juste. Et c'est juste. Sauf que euh, quand on est vraiment sur des programmes de coopération, on arrive aussi à avoir des effets de masse qui font chuter les coûts. Euh, on a pris un peu de retard. C'est vrai. Il euh, y a eu euh, un temps de blocage sur... Euh, euh, MGCS ESCAF. Mais c'est terminé. cest que les déclarations du président de la République et du chancelier euh, allemand à l'occasion des, des 60 ans de, du, du traité de l'Elysée étaient très claires. Donc de ce côté-là, euh, on avance. Il euh, y a euh, ensuite euh, une question euh, qui a été posée euh, sur l'interopérabilité. C'est toi hein, qui as posé cette question. Oui, 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 ça marche et ça marche bien et ça a marché tout de suite. Que ce qui est important, c'est de comprendre que quand on s'y met tous ensemble, on est redoutable. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au moment du début du conflit Vous aviez cinq porte-avions, cinq porte-avions à la mer au début du conflit ukrainien. Je ne parle même pas des trois sous-marins nucléaires d'engin français, lanceurs d'engins français, euh, qui, pour la première fois depuis, étaient à la mer en même temps. C'est un signal très fort, quand même. Il y avait cinq porte-avions. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait cinq groupes aéronavals euh, constitués tous de bâtiments appartenant tous aux mêmes nations. Pour euh, Par exemple, le groupe aéronaval français, autour du Charles de Gaulle, eh ben, il y avait des frégates, il y avait un certain nombre de bâtiments qui n'étaient pas des bâtiments français. Ça, j'allais dire, c'est euh, interopérabilité opérationnelle. Mais ça demande de l'entraînement, forcément. Euh, donc, ça, c'est le, le, le premier élément. Le deuxième, évidemment, euh, quelqu'un a posé la question en disant, il euh, y a moins, euh, on s'entraîne moins. Oui, c'est vrai, on s'entraîne moins parce qu'il y a plus de missions. Mais pour le coup, euh, vous ne pensez pas que quand on est en mission, on s'entraîne bien aussi Parce qu'on est vraiment dans le dur. Donc voilà, euh, on est aujourd'hui à la croisée des chemins. On a une loi de programmation militaire qui est en cours d'exécution. Quelqu'un évoquait tout à l'heure la cible 2025 en disant la cible n'est pas forcément atteinte. Mais attendez, attendons d'avoir terminé, vous connaissez le principe, c'est toujours à la fin du bal qu'il faut payer les musiciens et pas avant. Donc, euh, on, on, oui. <laughs> et donc, euh, attendant euh, 25, on va tuiler avec la future LPM. Les moyens qui ont été engagés sont des moyens incroyables. N'oubliez pas qu'en 2017. Quand on construit euh, la LPM, il n'y a pas de conflit en Europe. On est sur des opérations euh, et des projections euh, dans le Sahel. On n'a pas les guerres d'influence que nous connaissons aujourd'hui. On ne mesure pas complètement l'importance du, du, du fait satellitaire parce qu'on a aussi des soutiens de puissance euh, euh, qui, ne sont pas des puissances, qui ne sont pas la France. Aujourd'hui, le saut. Euh, ce que nous avons réalisé est énorme, et tout ça prépare le socle de la future LPM. N'oubliez pas que quand vous êtes une puissance mondiale, et quand je dis euh, puissance mondiale, je le dis vraiment à dessein. Moi, j'ai repris les propos de, de la première de la ministre d'affaires étrangères australienne, il n'y a pas très longtemps, qui était au Quai d'Orsay, et ça nous paraît tellement loin euh, le Pacifique. Qu'est-ce qu'elle a dit euh, Écoutez bien, enfin, vraiment, moi, ça m'a frappé. La France est une puissance mondiale, premièrement, membre du P5, deuxièmement, une puissance nucléaire, membre du G7, essentielle à l'Union européenne, et une puissance de l'Indo-Pacifique. Voilà euh, nos responsabilités. L'Indo-Pacifique, c'est sans doute pour les années qui viennent, avec la montée d'un certain nombre d'empires qui sont en train de se reconstituer, pas forcément dans l'Indo-Pacifique, mais plus près de chez nous aussi. Ce sont les enjeux de demain. N'oubliez pas que la France, c'est 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est une puissance maritime majeure. Vraiment, une dernière intervention très courte. Non, mais très vite, parce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Madame Pic, il y a une oui. question sur l'inflation. Et oui, une de nos propositions, c'est, comme nous l'avons dit, de prendre cet élément en compte pour éviter les, les conséquences. La cannibalisation, Monsieur Bocaletti, oui, c'est vrai. C'est vrai, euh, notamment sur les chars, c'est très important. Et là aussi, ça met euh, euh, en question la, la, la politique de BITD et à qui j'ai pas répondu, Madame Bazin Malgras. Euh, ouais, il n'y a pas eu de plainte, pour être très honnête. Y a eu... Il n'y a pas eu de plainte sur l'envoi de matériel. Il y a eu des constats sur les retards que ça pouvait engendrer, sur les difficultés que ça pouvait engendrer et l'impact sur nos matériels qui pouvaient être manquants. Mais il n'y a pas eu de plainte. C'est sûrement dû au caractère des militaires qui ne sont pas du genre à se plaindre. Mais ça avait été évoqué. À qui d'autre Est-ce qu'on n'a pas répondu rapidement On ne voudrait pas faire de frustrés ah, euh, très honnêtement, là, sur, euh, l ah Oui, euh, nation, euh, 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 le lien armée-nation. Pour, euh, pour être très honnête, euh, dans cette LPM, même si euh, le recours aux, aux réservistes s'est un peu accéléré, qu'on prévoit un doublement, euh, très honnêtement, ça n'a pas été un élément structurant de cette LPM. On peut être très clair. Il y a beaucoup de travail à faire sur les réservistes qui euh, sont peu démarchés. Euh, dans des conditions peu attractives parfois qui sont parfois laissées de côté donc tout le monde en est conscient il y a un effort à faire et probablement sur l'implication des jeunes et c'est la question euh, qui euh, t'est chère je crois du euh, du SNU je sais qu'on y, y travaille c'est parallèle à la LPM mais il y a un vrai boulot à faire on parlait de fidélisation c'est vrai que quand on considère l'armée comme un job comme un autre c'est pas très bon parce que ce qui fait qu'un militaire est attaché euh, euh, à l'armée c'est euh, l'esprit patriotique c'est euh, le sentiment d'appartenir euh, à cette euh, élite défensive qu'est l'armée ce pas simplement la feuille de paye, même si c'est important. Merci beaucoup aux deux rapporteurs. Bien entendu, on ne peut pas traiter dans le détail l'intégralité des sujets sur le soutien militaire à, à l'Ukraine. Il y aura par exemple sans doute une mission d'information qui abordera spécifiquement ce sujet dans les mois qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de, de votre travail qui nous prépare utilement et collectivement aux échéances à venir. Parce que je pense que même si on ne partage pas tout à fait les mêmes options, on a la responsabilité de, de se rassembler pour notre défense nationale, pour la loi de programmation militaire qui arrive. Euh, mes chers collègues, je vais vous demander maintenant si vous autorisez la publication de, de ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions Je, je n'en vois pas. Euh, et donc on vous remercie, euh, messieurs. J'appelle maintenant les deux euh, co-rapporteurs Jean-Louis Thierriot et Nathalie Pouzirev, pour la mission suivante, puisque je vous propose d'enchaîner directement, compte tenu des contraintes de temps. Alors, vous pouvez sortir pour bon, un coup, bien entendu, mais faites-le dans le, dans le silence, si possible. On fait une pause. Oui, faites deux minutes. Bon, on va suspendre deux minutes. Le, le dia... ah, C'est fait d'ici. Je propose de, donc de, de reprendre mes chers collègues. Donc après le, le bilan généraliste de la loi de programmation militaire 2019-2025, nous allons descendre davantage dans le détail avec deux prochaines missions flash qui vont nous être présentées, dont la première est consacrée à la défense solaire en France et en, et en Europe, avec comme co-rapporteurs nos collègues Nathalie Apouzireff et Jean-Louis Thierriot. Dans ses vœux aux armées du 20 janvier, le président de la République définissait la défense solaire comme un domaine à forte valeur ajoutée opérationnelle, soulignant qu'elle représentait un enjeu majeur pour nos armées ces cinq prochaines années. D'ailleurs, le ministre des Armées a d'ores et déjà annoncé que dans le projet de LPM, il y aurait 5 milliards d'euros qui seraient consacrés pour la période 2024-2030 en disant, je cite, qu'il fallait réinvestir ce champ qui a été délaissé ces dernières années. Et nos deux rapporteurs, nous précisons sans doute l'étendue et les raisons de ce délaissement, ainsi que les motifs de cette prise de conscience. Je les remercie au passage pour leur travail fourni, puisqu'ils ont mené, je crois, près d'une vingtaine d'auditions et de nombreux déplacements, jusque chez nos partenaires tchèques, polonais ou, ou italiens. Nous serons bien entendu très attentifs pour écouter vos analyses et connaître vos différentes recommandations que vous formulerez en prévision de la prochaine loi de programmation militaire, afin de renforcer et adapter nos capacités de défense solaire, chers collègues, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le, le Président. Chers collègues, nous sommes ravis, euh, Jean-Louis Kerio et moi-même, de vous présenter ce matin les conclusions de notre mission d'information flash sur la défense solaire en France et en Europe, et qui euh, se déroulera suivant euh, quatre parties. Donc une première introduction et rappel du contexte dans lequel nous avons mené cette mission, un état des lieux. Euh, en troisième partie, les besoins associés à la LPM. Et euh, quatrième et dernière partie, la préparation de l'avenir, les futurs enjeux et les recommandations. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, nous avons tenu à mettre à profit au maximum le peu de temps qui nous était imparti, parce que c'est une mission flash, pour réaliser ce travail. Euh, et nous avons conduit donc, une vingtaine d'auditions qui ont rassemblé une trentaine d'interlocuteurs en provenance de nos forces, des industriels de l'armement. Ces auditions nous ont, ont contribué à nourrir notre réflexion, à enrichir le rapport et à inspirer ses conclusions. Comme le, sujet, le suggère le nom de la mission, la protection du territoire et la sécurisation de l'espace aérien s'envisagent évidemment dans un cadre régional, en concertation avec nos alliés européens. C'est pourquoi les déplacements que nous avons effectués en République tchèque, en Pologne et en Italie faisaient partie intégrante de cette mission et nous ont permis d'enrichir notre analyse ainsi que d'éclairer la pertinence de l'initiative du bouclier européen, European Sky Shield Initiative, autrement dit ESSI, qui a été portée par l'Allemagne. Alors avant de passer à l'état des lieux, quelques points de contexte dans lequel s'est déroulée cette mission. Premièrement, la guerre en Ukraine, comme l'avait fait précédemment l'affrontement au Haut-Karabakh, a confirmé l'émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques saturantes, les essaims de drones et les missiles hypervéloces. La guerre en Ukraine témoigne ainsi de l'intérêt de, de disposer d'une défense solaire multicouche pour se prémunir de l'ensemble des menaces aériennes. Elle a d'ailleurs montré son efficacité en déniant l'accès du ciel à l'armée de l'air russe, pourtant en supériorité numéraire, ce qui explique en partie que les, notamment que les affrontements se poursuivent au, au sol. Ce sont jusqu'à 200 missiles par jour qui ont pu être tirés par la défense solaire en Ukraine. Autrement dit, les forces armées ukrainiennes cons consomment en un jour ce qui est potentiellement fabriqué en un an par les industries de la défense alliées. Vous comprendrez aisément que toutes les chaînes de production soient aujourd'hui mises sous pression. Autre point de contexte, il ne vous a pas échappé que l'initiative du bouclier européen, European Sky Shield, lancée par l'Allemagne, avait créé une certaine surprise, pour ne pas dire un mécontentement de la partie française. Quinze pays y ont adhéré, donc hors Italie et Pologne. Et parmi ces pays, certains s'accordent à dire que le besoin est réel, mais que cette initiative correspond davantage à une sorte de centrale d'achat, de mutualisation des achats, et pour l'Allemagne, une façon d'allouer une partie des 100, millions, 100 milliards consacrés à son fonds spécial de défense. Mais bien sûr on peut y lire aussi l'ambition de l'Allemagne de se hisser au rang d'intégrateur et l'ambition de DIL de la société DIL de se hisser comme missilier. Mon collègue Jean-Louis Thiriot aura l'occasion de revenir sur l'impact de cette initiative sur la BITD. Néanmoins ce qu'il nous apparaît et nous questionne concernant la la pertinence de cette initiative European Sky Shield, c'est que, premièrement, il est illusoire de prétendre garantir une protection à l'ensemble d'un territoire en le mettant sous une bulle face à l'ensemble des menaces de la troisième dimension. En effet, il s'agit de privilégier une défense de points ou de théâtre. Deuxièmement, parce qu'elle fait l'impasse euh, sur les systèmes d'armement développés en Europe. Par exemple, le SAMTE, ou autrement appelé MAMBA, qui a été développé entre la France, l'Italie et la Grande-Bretagne, qui est un système parfaitement interopérable avec l'OTAN, le MICA, à lancement vertical, ou bien le MISTRAL. Et enfin, parce que l'introduction éventuelle du missile israélien ARO-3, qui n'est pas interopérable avec la chaîne de commandement de l'OTAN, n'est pas en phase avec la, la doctrine stratégique de défense antimissile balistique. Or, l'OTAN reste le pilier de la défense collective de l'Europe. À cet égard, la position de la France dans l'OTAN concernant la défense antimissile balistique, que l'on appelle aussi DAMB, est conforme à la déclaration du sommet de Chicago en 2012, qui met en avant une, une défense antimissile de théâtre et non de territoire. A ce titre, la France contribue de manière régulière à l'ADMB de l'Alliance, comme c'est actuellement le cas avec un système SAMPTE, donc c'est le solaire moyenne portée en version terrestre, qui est déployé actuellement en Roumanie. Plus généralement, L'OTAN opère la même distinction que la France entre dissuasion nucléaire et défense solaire. Dernier point de contexte, avant de céder la parole à mon collègue, permettez-moi de porter à votre attention l'enjeu très particulier que nos autorités auront à relever à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. La sécurisation aérienne... Et la lutte anti-drone, autrement dénommée LAD, LAD, lutte anti-drone, de cet événement permettra à la France d'être un acteur de référence dans le domaine. Les premières livraisons de nouveaux systèmes de lutte anti-drone parade sont prévues pour cette année, Opérationnel pour la Coupe du Monde de rugby. Et un démonstrateur d'armes laser sera disponible en 2024. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos recommandations. Aussi, venons-en maintenant à l'objet de cette mission, premier objet, qui est de faire un état des lieux de la défense solaire en Europe et de questionner le niveau des moyens alloués par la France à la veille de l'examen de cette nouvelle LPM. Chère Natalia, euh, Monsieur le Président, mes chers collègues, euh, avant d'entrer dans le cœur du sujet c'est à dire cet euh, état des lieux pardon si j'en réveille certains <laughs> euh, avant d'entrer dans cet état des lieux je veux d'abord vous dire tout le plaisir que nous avons eu natalia et moi-même à travailler ensemble et c'était l'enrichissement de deux visions l'ingénieur et le littéraire et le juriste et euh, la rencontre euh, des deux ça a permis je crois de travailler très utilement, parce que je ne vous cache pas que parfois, quand on allait sur des considérations techniques de capteurs, j'étais heureux d'avoir euh, Natalia à mes côtés. Alors, avant euh, d'entrer dans le euh, vif du sujet, c'est-à-dire cet état des lieux, il faut toujours partir de définition, penser clairement, c'est d'abord définir et distinguer. Quand on parle de DSA, de quoi parle-t-on exactement il s'agit de faire face à toutes les menaces qui viennent de la troisième dimension sur les forces ou sur le territoire. il peut s'agir de missiles balistiques intercontinentaux les icbm de missiles balistiques de théâtre tels que les scuds bien connus de missiles de croisière de missiles hyper véloces, d'avions d'hélicoptères ou de drones. elle doit se distinguer en couches la défense basse couche de quelques kilomètres à quelques centaines de mètres de la cible de défense à moyenne portée ou de défense à longue portée. L'interception peut être endo ou exo atmosphérique, cette dernière n'étant pas pratiquée par les puissances européennes, seuls les Américains la pratiquent avec le système TAD. La nature du vecteur offensif lui-même ne préjuge pas de la nature de l'interception, le choix ou la nécessité peuvent dicter d'intercepter en basse couche un missile pourtant tiré de loin. Une DSA efficace est nécessairement multicouche. Elle suppose plusieurs outils, des capteurs pour détecter, attribuer et définir la menace, des effecteurs pour la neutraliser, un C2 pour coordonner les feux. Elle porte sur la défense des points sensibles, la protection de portions du territoire ou celle du corps de bataille au plus près de l'ennemi. Un point doit d'ores et déjà être précisé. La France, puissance dotée de l'arme nucléaire, considère qu'une attaque balistique par missiles intercontinentaux relève des intérêts vitaux et donc de la dissuasion. C'est pourquoi, dans cette étude, nous avons exclu la problématique de l'interception des ICBM et, d'ailleurs, je précise, nous avons aussi fait le choix, eu égard au caractère limité d'une mission flash, de ne pas traiter de la défense solaire dans l'espace maritime. Donc je m'en excuse auprès du marin. Et en tant euh, qu'ancien officier de marine de réserve, vous voyez, je suis capable de raisonner au-delà des limites de la casquette. Euh, donc voyons la euh, situation en France maintenant. Avant tout, il faut préciser un point de doctrine parce qu'il n'est de système d'armes que dans le cadre d'une doctrine. Notre doctrine, c'est la dissuasion. Elle est centrée sur sa crédibilité. La défense solaire se limite à l'interception d'une menace conventionnelle. Elle est une capacité de défendre une zone ou des points sensibles. Les capacités solaires ont pour mission de garantir cette permanence et cette crédibilité de la dissuasion en protégeant d'abord les sites nécessaires à son exercice. Elles ont une seconde mission qui est d'éviter un contournement par le bas, c'est-à-dire des attaques sous le seuil des intérêts vitaux, pour permettre au chef des armées, le président de la République, d'élargir la palette de ses réactions possibles. Et ce que je dis n'est pas abstrait. Imaginons quelques missiles balistiques type SCUD tiré par des proxys sur le sud de la France, depuis des zones grises du sud de la Méditerranée, on pense notamment à la Libye, dont on sait que c'est un trou noir géopolitique, il serait difficile d'imaginer une riposte nucléaire, surtout si les auteurs étaient des proxys non identifiés, où il ne soit pas facile d'attribuer l'attaque. Dès lors, la DSA est bien là, pour épauler la dissuasion par les moyens conventionnels. Ces éléments étant posés, voyons les moyens dont dispose la France. Soyons clairs, depuis 25 ans, la défense solaire a connu un désengagement capacitaire et financier. Cette situation résulte de l'appréciation des menaces et de la nature des opérations engagées. Nos armées ont été engagées sur des théâtres où la supériorité aérienne dans des conflits asymétriques était toujours assurée. D'ailleurs, il ne s'agissait même pas que de supériorité il s'agissait à l'époque de suprématie. Aujourd'hui, le monde a changé. Nous avons basculé vers des hypothèses de combat de haute intensité. Lorsque ici, dans cette commission, il y a un an, avec notre collègue Patricia Miralles, nous, nous avions présenté notre rapport sur la défense de haute intensité. Nous avions déjà identifié ces trous capacitaires en matière de défense solaire. Il est bien évident que les événements récents ne font que renforcer cette analyse. Bien conduite, cette défense antiaérienne est d'une efficacité redoutable. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les pertes aériennes ont été essentiellement causées par les défenses solaires adverses dans les conflits de haute intensité et non l'aviation de chasse, qu'on pense à deux épisodes euh, bien connus ceux de la guerre du Vietnam ou euh, de la guerre du Kippour, où euh, la chasse américaine ou euh, la chasse ou les avions de bombardement israéliens ont été victimes des euh, missiles de défense solaire. Vous trouverez dans notre rapport une analyse complète de la DSA euh, en Ukraine. Quelques mots sur ce retexte. En Ukraine, la supériorité aérienne n'est acquise par aucun adversaire, même dans un espace et pour un temps déterminé. C'est ce qui aboutit à l'enlisement du conflit, puisque la manœuvre terrestre est bloquée lorsque cette supériorité n'est pas acquise car la supériorité aérienne est la condition nécessaire à la liberté d'action et à la manœuvre. Si les interceptions ukrainiennes <laughs> atteignent un niveau élevé, on parle d'environ 80%, le, concept expose, le conflit expose d'abord les limites du concept de défense de territoire. Face aux effets de saturation, elle reste incapable de défendre convenablement une grande étendue. Il est illusoire de prétendre garantir une protection à l'ensemble du territoire ukrainien. D'ailleurs, même le dôme de fer israélien protège des points d'intérêt. Il ne protège pas la euh, totalité du territoire. Ce retexte conforte notre approche française, privilégiant la défense solaire de sites ou de théâtres, dès lors. Et... Un des éléments majeurs de ce conflit, c'est le rôle très important de l'artillerie solaire. Les canons antiaériens, notamment les guépards fournis par les Allemands, qui sont des bitubes guidés euh, par radar, ont obtenu d'excellents résultats, qu'il s'agisse de la lutte antiaérienne ou de la lutte contre les euh, hélicoptères ou les euh, aéronefs. Cependant, nous devons avoir en tête ce conflit ukrainien, mais notre rôle à tous est de ne pas faire de ce conflit le seul paradigme des combats futurs. Il y a d'autres combats euh, qui peuvent nous attendre et d'autres théâtres qui peuvent être menaçants. Et la France, euh, puissance d'équilibre avec un S, si j'ai bien compris, mais puissance euh, globale, a euh, vocation à euh, les traiter. Dans notre pays, le choix a été fait de confier le euh, pilotage de euh, toute la défense contre les menaces de euh, la troisième dimension à l'armée de l'air. Ce n'est pas le cas. Partout, euh, il y a aujourd'hui encore des pays où la répartition avec l'armée de terre n'est euh, pas encore arbitrée, pas tranchée. Aujourd'hui, le commandement, c'est l'armée euh, de l'air. Ensuite, euh, l'armée de terre euh, est amenée à opérer dans des boxes qui lui ont été confiées pour la défense euh, basse-couche pour assurer cette défense notre pays dispose aujourd'hui en moyenne et haute couche de huit systèmes euh, sampe mamba de douze unités euh, crotale et d'une défense solaire de l'armée de terre sur laquelle je vais un peu insister parce que c'est là où les trous capacitaires sont les plus frappants. Aujourd'hui, notre défense solaire dispose de 10 batteries air-sol euh, très courte portée équipées de Mistral affectées au 54e régiment euh, d'artillerie de Hier et de 6 batteries intégrées à des régiments d'infanterie de l'air, c'est d'ailleurs le même régiment qui emploie également le système Arlad de lutte anti-drone. Nous devons avoir à l'esprit et ça sera un des enjeux de la LPM et un des enjeux majeurs de ce rapport que euh, cette défense solaire de théâtre euh, a été massivement sous-investie. En 2002, nous avions encore quatre régiments d'artillerie solaire. Nous n'en avons plus qu'un. Les véhicules sont anciens. Les radars ne sont pas tridimensionnels. Il est prévu euh, d'avoir des commandes de radar Thales, mais c'est une nécessité. Et il n'existe plus d'artillerie solaire digne de ce nom. Il ne reste que quelques 20 mm sur euh, des VAB anciens. Cependant, et c'est notre fierté, la France est l'un des rares pays à avoir maintenu une série complète de capacités. Aussi bien de manière opérationnelle que de manière industrielle, avec nos missiles Mistral de MBDA, nos missiles Crotal de MBDA et Thales et notre euh, SAMT de MBDA et euh, Thales, c'est à la fois la vertu d'un modèle échantillonnaire, c'est aussi ses limites, puisque face à un combat de haute intensité, se pose la question euh, des volumes et euh, des stocks. Par ailleurs, et je tiens à insister là-dessus, notre pays possède euh, de nombreuses pépites dans le domaine de la lutte anti-drone, la LAD qui est évidemment un enjeu euh, majeur. Il s'agit des grandes entreprises, des grands ensembliers comme euh, Thalès, mais il s'agit aussi de jeunes entreprises susceptibles de devenir euh, les licornes de euh, demain. Je pense dans le laser à Silas, qui aujourd'hui est déjà une euh, société mature ou à une start- up du Nord MC2 qui fait un travail absolument remarquable dans le brouillage dans la lutte anti drone et qui a un rôle très important à jouer à l'avenir et nous pouvons en être fiers et c'est l'occasion de saluer ces entreprises. Concernant la situation en Europe, nous avons fait un tableau dans euh, le euh, rapport, donc je vous inviterai à euh, vous y euh, reporter. Il faut distinguer les nations dotées de systèmes américains moyenne portée, tels que les patriotes avec des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Suisse, deux pays dotés d'anciens matériels de l'Union soviétique avec des moyens limités pour les remettre à niveau, et deux pays qui confient leur protection solaire à l'Alliance faute de moyens. Cet état des lieux étant posé, vu le court temps de réaction face à une menace aérienne, c'est naturellement le dispositif de, de protection collective de l'OTAN qui suppose réactivité, interopérabilité et efficacité qui permet d'assurer la sécurité de l'Europe. Il n'y aurait pas de euh, sécurité collective euh, de l'Europe sans une présence euh, de tous les pays européen dans l'air command and control system situé à Ramstein en Allemagne. Je souhaite souligner à la fois cette efficacité mais aussi le fait que l'alliance souffre d'un déficit capacitaire important du fait du non-respect des engagements et efforts consentis par les alliés dans le cadre de cette mission. Il y a urgence à renforcer l'efficacité des systèmes à ce jour, notre pays honore ses cibles capacitaires, mais elles vont devoir être revues dans le cadre du processus de planification et de défense de l'OTAN, avec évidemment une nécessité de remonter en puissance. État des lieux faits, quels sont les enjeux pour la France, les enjeux de la DSA pour la prochaine LPM? Les euh, trois priorités euh, qui seront a priori traitées, je pense bien traitées, avec l'annonce des euh, 5 milliards prévus dans le cadre de la loi de programmation militaire, c'est un effort massif, devront être euh, honorées. Ces trois priorités, c'est d'abord la remise à niveau de notre DSA basse couche avec le développement d'une artillerie solaire de théâtre digne de ce nom. Aujourd'hui, nos industriels, avec Nexter et le Rapid Fire, un canon de 40 mm, sont euh, pardonnez -moi, en pointe sur ce sujet. Euh, des financements doivent encore aujourd'hui être trouvés. Pour développer les munitions Airbus qui permettent de, euh, de tirer un halo de munitions, un peu euh, comme euh, une euh, cartouche de euh, fusil de chasse, à, à, adapté à la défense de l'avant et euh, à la lutte contre euh, les petits objets, les drones et les attaques saturantes. Le retour du canon est le seul moyen. De traiter ces menaces saturantes de type drone. Et cela à un coût acceptable. L'un des enjeux majeurs de la défense solaire, c'est de ne pas tirer un missile Mistral à 150 000 euros pour faire face à un drone à 2 000 euros. Et euh, cela, le canon seul permet de le faire. Nous avons là un enjeu euh, opérationnel pour nos troupes. Nous avons un enjeu industriel avec ce, euh, ces munitions, euh, enfin ce produit Nexter, euh, qui supposerait et ça va être une bataille qu'il va falloir mener au sein de l'OTAN euh, que euh, le euh, commandement de l'avenir, qui est détenu aujourd'hui par un qui est, dont le poste, est occupé par un Français, fait face à admettre le standard 40 mm comme standard OTAN, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en dehors de la marine, mais j'avais mis le sujet marine de côté. Il faut que ça devienne aussi un standard euh, autant terrestre euh, pour arriver à avoir euh, la possibilité de le euh, développer. J'attire vraiment l'attention sur ce segment de la défense de théâtre, car c'est un élément essentiel de la protection de nos forces, qu'il s'agisse de points fixes tels que des euh, états-majors ou qu'il s'agisse d'unités en mouvement c'est aussi un élément de réassurance morale pour nos troupes qui sont engagées au plus près de l'ennemi rien n'est plus terrible que d'être bombardé sans pouvoir réagir et on se souvient que l'efficacité des stuka pendant la guerre de 40 était au moins autant l'effet de panique engendré <coughs> par les avions que les désordres cinétiques causés par les bombardements. Et donc, nous recommandons de euh, renforcer fortement cette défense solaire euh, pour les forces terrestres, en ex soit en renforçant le 54e régiment d'artillerie qui existe aujourd'hui, soit éventuellement en recréant un deuxième régiment. Autre enjeu, remplacer progressivement les systèmes crotal. À partir de 2026, avec la solution VLMICA euh, qu'évoquait qu ma collègue Natalia. Enfin, face aux enjeux nouveaux, il est nécessaire de renforcer euh, le volume de nos batteries euh, Samt, en passant au moins de 8 à euh, 12 batteries, sachant qu'entre la protection de la dissuasion la protection de quelques points fixes et la nécessité éventuellement de créer une bulle au-dessus de force, nous sommes aujourd'hui à l'os et ce sera évidemment une priorité. Enfin, il y a les éléments de la lutte anti-drone qui mériteraient euh, un rapport complet, simple euh, élément à avoir en tête. Euh, la France, avec les JO, et Natalia en a parlé, est très en pointe euh, sur le sujet, qu'il s'agisse du C2 ou qu'il s'agisse de, euh, des effecteurs du développement des armes à énergie dirigée. Ce sera évidemment un enjeu de l'avenir. Concernant l'Europe, et je finirai là-dessus. Euh, à l'échelle européenne, euh, nous avons besoin d'une BITD française. Sur des enjeux aussi importants, on a besoin d'une BITD européenne. Et donc, il faut renforcer nos partenariats et nos coopérations industrielles. Pour coopérer, il faut être plusieurs. Et il faut que tout le monde le souhaite. Euh, C'est pour ça que je vais achever en parlant un peu plus longuement de l'initiative allemande de, euh, du European Sky Sheet. C'était présenté comme euh, un projet européen et un engagement enfin de l'Allemagne dans l'Europe de la défense et dans l'autonomie stratégique. Ce projet a été présenté euh, par nos voisins d'Outre-Rhin lors du discours de Prague du 29 août 2022, sans même que la France, euh, officiellement le plus proche partenaire de l'Allemagne, ne soit mentionnée dans le discours. Inutile d'insister que cela n'était pas particulièrement amical. Aujourd'hui, un certain nombre de pays, la Pologne, le Danemark, la Suède, l'Italie, n'ont pas pris part à cette initiative. Il ne s'agit pas d'un bouclier européen, puisqu'il n'y a pas de réflexion stratégique derrière, il n'y a pas de stratégie de C2. Ces C'est d'abord une mutualisation des achats de systèmes de défense. Solaire avec trois euh, effecteurs envisagés, l'Iristé allemand, le Patriote américain et l'ARO3 israélo-américain. Premier élément, l'ARO3 n'est pas compatible OTAN. Quant aux autres, ce sont des euh, euh, missiles certes compatibles OTAN, mais dont il faut garder à l'esprit que euh, le projet et que ce soit les Allemands qui soient en charge soit d'une production sous licence, soit en tout cas du maintien en condition opérationnelle des euh, dix missiles. Soyons clairs, cette initiative n'est qu'une réponse partielle et était un refus assumer de contribuer à développer une souveraineté européenne, puisque nous avons un missilier de grande qualité à travers MDBA, qui est, je rappelle, français, italien et allemand, et qu'on n'a même pas mis, et britannique, qu'est-ce que j'ai dit Oui, j'ai dit allemand, pardon, pardon, et, et britannique, et on n'a même pas demandé à MBDA de participer à ce projet, évidemment, britannique, à travers BAE. En clair, il s'agit d'une réponse symbolique que l'Allemagne a sans doute voulu faire pour répondre à son aveuglement face à la menace russe, face aux liens qu'elle a longtemps entretenu avec les entreprises russes, face à la dépendance au gaz russe. Bref, nous l'interprétons comme beaucoup d'analystes de la situation en Allemagne, comme le désir de se racheter une virginité politique vis-à-vis -vis de ses voisins de l'est sorti de l'illusion de prendre une initiative politique la réalité c'est du symbolique c'est aussi une stratégie industrielle et commerciale dont ni la france ni l'europe ne doivent être dupes. la france par ailleurs doit développer d'autres partenariats et je tiens à souligner l'accueil exceptionnel qui nous a été réservé à natalia et à moi par nos partenaires italiens. Nous connaissons la force de MDBA qui a pris une place de leader européen dans le domaine des euh, missiles moyenne portée avec le SAMPT et le nouveau SAMPET NG. Vous avez vu la commande de 700 missiles qui vient d'être passée. Nous venons euh, d'avoir la mise en œuvre du traité de Quir du Quirinal, qui est absolument crucial entre la France et l'Italie. Il y a une volonté de euh, travailler avec la France et. Euh, je crois que c'est un des axes sur lesquels notre Commission doit travailler. Euh, nous partageons avec nos amis italiens la même préoccupation stratégique de la Méditerranée. Les Italiens l'appellent la Méditerranée élargie, qui va du détroit d'Ormuz au détroit de Gibraltar et de la Méditerranée orientale au golfe de Guinée en intégrant le Sahel. Et c'est vraiment un point sur lequel je tiens à insister. Voilà, je ne serai pas euh, plus long. Je veux simplement dire que euh, pour répondre à ces défis, il faut répondre à deux défis en même temps, parfois contradictoires. Celui du temps court, dont sont habités nos euh, partenaires d'Europe de l'Est, parce que euh, la menace est à leur proche, est à leur porte. Ils sont dans l'urgence. Beaucoup d'interlocuteurs que nous avons entendus. En Tchécoslovaquie, encore plus en Pologne, nous disent, vous nous parlez d'une BITD à 20 ans, nous, nous serons peut-être en guerre dans deux ans. Donc c'est vrai que la perception n'est pas la même. Inversement, les menaces ne se limitent pas à la menace à l'Est. Nous avons besoin d'une vision de long terme sur d'autres théâtres, notamment le flanc sud. Et nous avons aussi besoin, pour une véritable autonomie stratégique qui ne soit pas d'un concept creux, d'une BITD commune construite à long terme. Et le rôle du politique, c'est d'articuler ces deux séquences temporelles qui peuvent paraître délicates à concilier. Et je passe la parole à Natalia pour achever cet exposé. Merci Jean-Louis. Donc euh, vous avez vu, nous sommes parfaitement ra rac raccord sur le, les points de contexte. Et après, il suffit que j'appuie sur le bouton pour lancer la machine euh, Thierry. Et c'est parti. <laughs> bon, alors voilà, je, je vais rebondir, reprendre là où on en était, c'est-à-dire sur la préparation euh, de l'avenir. Euh, je ne serai pas exhaustive parce que euh, voilà, on va laisser le, le, le temps aux questions aussi, mais j'insisterai sur trois points. Premièrement, le défi posé par la menace hypervéloce. Alors, en premier lieu, celle des planeurs hypersoniques. Propulsés dans l'espace par euh, leurs boosters à des vitesses extrêmement importantes, les planeurs peuvent rebondir sur plusieurs couches hautes de l'atmosphère, zones dans lesquelles il est très difficile aujourd'hui de les repérer et de les intercepter par des systèmes de défense même les plus sophistiqués. Ils sont ensuite manœuvrables jusqu'à la zone d'impact. Lutter contre cette menace, la menace des planeurs hypersoniques, nécessite la maîtrise de technologies réservées aux puissances nucléaires et spatiales. Des études sont en cours donc en France pour identifier les technologies et moyens permettant de contrer ces nouvelles menaces. En revanche, une capacité initiale d'interception de cibles hypersoniques en phase terminale est déjà prise en compte dans le cadre de l'évolution du SAMTE de nouvelle génération. santé donc, c'est le solaire moyenne portée terrestre. Grâce aux nouveaux vecteurs, alors, excusez-moi des, des termes, hein, un peu, les dénominations sont un peu compliquées, c'est le missile Aster dans sa version B1NTEC, combiné au successeur du radar de conduite à Arabelle, et dont la mise en service est prévue à l'horizon 2027. Donc, déjà, cette capacité-là, anti hypersonique est prise en compte par la France. L'étape suivante, qui s'appelle le standard OC2, consisterait à y adjoindre un radar de détection avancée, type UHF, qui permet de voir loin et des petites cibles, pour disposer bien sûr d'un temps de réaction plus long, parce que plus la menace. Euh, qui arrive et rapide, plus il faut euh, être en capacité de le détecter loin pour avoir une, euh, une réactivité, euh, la réactivité suffisante. Ensuite, dans euh, la préparation de l'avenir, toujours, et en termes d'alerte avancée, justement, il existe le projet Twister. C'est un projet de la CSP, de la coopération structurée permanente. Twister ça veut dire timely warning and interceptions with space based theater surveillance. C'est un, un projet de la coopération structurée permanente de l'Union européenne, Union européenne, qui s'appuie sur deux piliers. L'intercepteur et l'alerte avancée spatiale. En matière d'intercepteur en atmosphérique. Donc là on parle du vecteur, le projet européen IDEF, European High Personic Defense Interceptor, a été retenu pour le Fonds européen de défense, sous la coordination du groupe espagnol SENER, contre le projet concurrent à IDIS de MBDA. MBDA a d'ailleurs fait un recours qui a été publié au, au journal officiel de l'Union européenne le 9 janvier dernier. En effet, l'articulation entre la coopération structurée permanente qui est dans la main euh, des États, puisque c'est euh, au Conseil européen, donc on est dans le domaine de l'intergouvernemental. Et le FEDEF, cette articulation, donc CSP et FEDEF, euh, n'est pas euh, assurée. Euh, c'est d'ailleurs ce que euh, nous avions évoqué, c'est un risque que nous avions évoqué dans le rapport euh, sur la coopération structurée permanente que nous avons remis lors du mandat précédent, avec euh, ma collègue euh, Michel Tabarot, Et l'attribution de marché qui a été faite sur le FEDEF, elle est dans les mains de la Commission. Et la Commission a plutôt tendance à suivre les règles de la mise en concurrence, sans considération, à notre sens, de la crédibilité industrielle du projet. Et en prenant d'ailleurs le risque d'une fragmentation industrielle. Sinon, à quoi bon d'avoir des champions européens Deuxième euh, élément euh, prometteur pour le futur. Euh, mon collègue l'a bien sûr précisé, la lutte anti-drone euh, est un point essentiel de la défense euh, maintenant solaire euh, dans, dans nos armées. Et si on doit prévoir une évolution, il faut savoir que les futurs drones, euh, petites cibles, aujourd'hui elles, euh, elles sont téléguidées, elles pourront euh, devenir autonomes. Et face à cela, il est intéressant de développer ce qu'on appelle les AED, les armes à énergie dirigée. En effet, leurs premières applications sont envisagées face aux petits drones. Euh, elles sont une façon de répondre à l'évolution de la menace, qui sera marquée par une insensibilité croissante au brouillage. Et elles pourront apporter une réponse efficace aux menaces à bas coût envoyées en nombre, par leur coût marginal et la possibilité de répétitivité des interceptions. Dans ce domaine, la France s'intéresse à la fois aux armes laser et aux armes électromagnétiques, avec des feuilles de route technologiques qui sont déjà engagées. Troisième point. La France doit être dans la course qui mène à l'avènement du combat collaboratif. Par collab combat collaboratif, on peut envisager par exemple euh, l'interconnectivité entre une défense solaire et le rafale. Aujourd'hui, on sait que le F-35 est déjà un C2 volant. Il devra en être même du futur système SCAF. Donc il faudra bien que l'on s'inscrive. Dans la préparation d'une architecture qui sera suffisamment ouverte pour être interopérable, mais aussi robuste. Donc, bien sûr, ça paraît deux notions antinomiques, et c'est là où toute, les, toute est la beauté de, de l'enjeu. Je terminerai en présentant rapidement les principales recommandations issues de notre mission. Au vu de tous les éléments évoqués plus haut, nous appelons de nos vœux pour la prochaine LPM, vous l'aurez compris, le réinvestissement dans la défense solaire est un effort indispensable en termes de volumétrie capacitaire. Cela a été dit, actuellement, huit sections de santé Mamba sont disponibles. La cible doit être euh, revalorisée en passant à 12 sections. Le remplacement du Crotal devra se faire lors de son retrait en service dès 2026. Deuxième enjeu, deuxième recommandation, poursuivre la modernisation nécessaire euh, du santé NG par le standard oc2, comme je l'ai mentionné tout à l'heure par l'adjonction d'un radar UHF indispensable pour suivre l'évolution de la menace, par exemple celle de missiles balistiques à tête séparable. Troisième recommandation: renforcer la capacité de veille et de détection de la défense euh, solaire. L'efficacité de notre défense solaire, vous l'aurez compris, repose donc sur la capacité à coordonner les différentes briques. La menace doit être d'abord identifiée avant d'être attribuée au meilleur système d'interception. La capacité de détection autonome au-dessus de notre territoire est d'ailleurs complétée par une interconnexion avec un certain nombre de radars européens sur la base d'accords binationaux ou dans le cadre de l'OTAN. Poursuivre cette intégration renforcera notre capacité d'anticipation. La France aussi doit euh, œuvrer pour être à l'initiative, proposer des initiatives capacitaires à l'OTAN. Je soulignerai la nécessité d'avoir une vision multicouche, intégrée et cohérente euh, du commande-contrôle, euh, qui est un programme de l'OTAN, mais euh, sur lequel ont travaillé euh, JV Thales-Réthéon. Quatrième point. Il conviendrait de mettre en place un centre de commandement et de contrôle avec une vision unique, des règles d'engagement précises et partagées par l'ensemble des pays membres de l'OTAN. En effet, la décision d'engagement suppose un important travail préalable de définition des responsabilités politiques et juridiques. Cinquième point, accompagner la manœuvre des forces terrestres et renforcer leur protection, notamment par la mise en œuvre de capacités mobiles sous blindage. Et sixième point, redonner à l'artillerie un rôle longtemps négligé dans la défense solaire. Je crois que mon collègue a eu le temps de l'exposer précédemment. Dernier point, répondre bien sûr au défi de la lutte anti-drone et plus particulièrement en termes de ressources humaines. La lutte anti-drone pour euh, le 14 juillet, c'est une veille de 24 heures. Pour la Coupe du Monde de rugby en 2023, ce sera 200, euh, 200 heures. Pour euh, les JOP de 2024, on va passer à 4000, 4000 heures. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir en termes de renouvellement euh, des personnels qui seront en charge de la lutte anti-drone postée euh, en zone urbaine. Pour conclure, mes chers collègues, nous nous réjouissons que la défense solaire soit de nouveau une capacité priorité, prioritaire pour les armées françaises, puisque le ministre des armées l'a annoncé. Nous comptons investir 5 milliards d'euros sur la période 2024-2030 et nous espérons en ce sens que nos, nos recommandations seront entendues. Je vous remercie, mes chers collègues, pour votre attention ainsi que euh, celle qui nous a accompagnés, euh, Caroline Despasse, notre administratrice, et Isé, euh, qui était la stagiaire euh, euh, auprès de l'administration. Merci à tous les deux pour votre travail. Alors, nous avons sept demandes d'intervention et une trentaine de minutes devant nous. Donc, je demanderai aux orateurs de groupe, si possible, de se limiter à deux minutes. Euh, pour le groupe Renaissance, la parole est à Jean-Philippe Ardon. Merci, Monsieur le Président. Chers co-rapporteurs, chers collègues, au nom du groupe Renaissance, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre travail et vos conclusions sur les enjeux de notre défense solaire. Comme l'a annoncé le président de la République lors de ses vœux aux armées le 20 janvier dernier à Mont-de-Marsan. La future loi de programmation militaire sera particulièrement ambitieuse, à la fois pour renforcer la protection de nos intérêts nationaux dans les nouveaux espaces de conflictualité, pour développer nos partenariats internationaux, mais également pour nous réarmer et être en capacité d'assumer les conflits de haute intensité. Notre groupe salue à cet égard le choix ambitieux d'investir 5 milliards d'euros pour notre défense solaire dans la LPM 2024-2030 et d'en faire une capacité prioritaire pour nos armées, au même titre que le spatial, le cyber ou le renseignement. Comme vous l'avez évoqué, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé la livraison au printemps prochain d'un système de défense solaire de moyenne portée dénommé MAMBA, construit en coopération avec l'Italie pour aider l'Ukraine face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes. Ce système présente de nombreuses capacités, avec notamment un champ d'action supérieur à 100 km, une puissance de feu importante et une grande mobilité. Aussi, quels sont à vos yeux les avantages et les inconvénients de ce système en comparaison de ceux de nos alliés, notamment le système patriote américain et le NASAM norvégien Je vous remercie. Merci beaucoup pour le groupe Rassemblement National. La parole est à Franck Giletti. Oui, mais bon. sonore de votre rapport et même de la qualité de votre rapport. Merci, il nous tard de le lire. Euh, la guerre en Ukraine n'a fait que confirmer un constat déjà bien établi, la défense solaire demeure l'un des parents pauvres de l'armée de l'air et de l'espace comme de l'armée de terre. Avec la révision générale des, publics, euh, des politiques publiques de 2008, la décision avait été prise de scinder la défense solaire en deux. D'une part, la défense solaire de moyenne portée, (SAMT, euh, Sam Dimamba, et courte portée, Crotal-NG. Pour ce qui concerne l'armée de l'air et d'autre part la très courte portée Mistral pour l'armée de terre. Ces systèmes sont performants mais en quantité très limitée. Or l'armée de l'air est confrontée à deux difficultés. Non seulement elle dispose d'un nombre trop insuffisant de mambas de Crotal, vous l'avez dit, du fait de la mutualisation des missions lui afférent, mais elle peine à recruter parmi ses rangs et à fidéliser. En effet avec 8 mambas et 12 crotales, l'armée de l'air doit assurer 3 missions la protection de ses bases nucléaires ainsi que de la marine, la protection de points sensibles, le soutien aux forces terrestres et puis ceux que nous avons déployés en Roumanie. Pour la défense solaire, l'armée de terre est devenue totalement indépendante de l'armée de l'air qui n'a pas les moyens d'assumer cette mission dans un nouveau contexte de haute intensité. Pour l'armée de terre, le problème émane du manque de systèmes à moyenne portée capables de manœuvrer au niveau brigade et division, tandis qu'elle ne dispose d'aucune capacité de détection. Il conviendrait dès lors d'envisager de prendre certaines orientations, au premier rang desquelles on peut par exemple considérer impératif d'augmenter la quantité de systèmes précités, de poursuivre la modernisation du Mamba, vous l'avez évoqué aussi, de donner également à l'armée de terre des systèmes moyenne portée tels que le Rapid Fire, dont on sait déjà qu'ils équiperont les bâtiments de la marine nationale, d'augmenter aussi les capacités de détection en basse altitude des drones, qu'il s'agisse de l'armée de l'air ou de l'armée de terre ou encore d'investir massivement dans les munitions de tous ces systèmes qui finalement n'existent qu'en nombre très réduit. Il faut être conscient qu'en plus des missions militaires de protection et de projection, l'armée de l'air va devoir faire face à deux événements mondiaux majeurs, avec des moyens très insuffisants, pardon, la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les JO en 2024. Il y a donc urgence à acquérir de nouveaux systèmes. Aujourd'hui, pas plus l'armée de l'air et de l'espace et l'armée de terre n'ont les moyens de remplir les missions que le nouveau contexte stratégique exige. La défense solaire ne peut et ne doit être le parent pauvre de l'armée de l'air et de la terre. Dans cette perspective, votre rapport vous a-t-il permis de, term... de déterminer si l'armée de l'air allait conserver ou augmenter ses moyens actuels pour continuer à aider l'armée de terre ou s'il était préférable que chacune d'elles dispose de ses propres moyens Je vous remercie. Merci pour le groupe La France Insoumise. La parole est à François Piquemal. Oui, euh, monsieur le Président, euh, cher rapporteur, merci déjà pour, euh, pour ce rapport. Euh, je vais, euh, je vais me contenter, vu que le temps est limité, euh, de poser directement euh, quelques questions euh, qui me sont venues à, à, à votre écoute. Comment euh, va se déployer la défense solaire exactement euh, lors des grands événements Ça a été évoqué. Vous avez évoqué la Coupe du Monde de rugby, mais il y a aussi évidemment les Jeux Olympiques 2024. Euh, y a-t-il d'autres retex, mis à part l'Ukraine, sur lesquels vous vous êtes appuyé pour ce rapport, parce que peut-être que ça m'a échappé, mais je n'en ai, ai pas entendu d'autres exemples et, et ça m'aurait intéressé d'en avoir. Et enfin, quelle est la place du commandement de l'espace, actuel et peut-être futur, dans cette défense solaire Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour le groupe démocrate, la parole est à Fabien Lévy. Merci, Monsieur le Président, et félicitations au co rapporteurs C'était vraiment euh, très intéressant de vous entendre sur ce sujet qui, malheureusement, si vous me permettez, euh, cette image est passée en dessous des radars pendant de nombreuses années, puisque ça a connu euh, l'attrition. Or... Euh, Or, on voit aujourd'hui tous les enjeux et, et vous les avez brillamment rappelés avec des zooms particulièrement intéressants. Euh, je ne vais pas m'y étendre, mais sur, sur l'Europe de l'Est, les besoins de, en matière d'Europe de l'Est, sur le flanc sud, mais également la problématique des planeurs hypersoniques. Donc, merci d'avoir explicité tous ces éléments. Bon, malgré tout, on peut quand même se féliciter d'avoir une excellente coopération avec l'Italie, euh, avec le Mamba smp euh, Qu'il est l'un des meilleurs systèmes de défense antimissile au monde, donc c'est quand même à mettre euh, au crédit de la France et de ses partenariats. Euh, mais on voit vraiment avec la guerre de l'Ukraine, et vous l'avez parfaitement rappelé, euh, la nécessité d'avoir un système de défense euh, air-sol particulièrement adapté pour protéger nos intérêts vitaux et les populations dans la mesure où on peut le faire, vous l'avez très bien rappelé aussi. Bon, comme tout système d'armement, il est important de garder donc, un avantage technologique sur nos concurrents. Et actuellement, une course mondiale est engagée pour le développement de l'arme laser. En Israël, le projet Iron Beam, est... qui est intégré dans le système de défense aérienne Iron Dome, vous n'avez pas parlé tout à l'heure, repose sur l'utilisation de lasers capables de neutraliser des roquettes, des mortiers et des petits drones. Alors notre BITD peut se féliciter d'avoir en son sein l'entreprise Silas, située à Orléans, qui se place en avant-poste dans le développement des lasers. L'entreprise appartenant désormais à MBDA et Safran a déjà pu développer en collaboration avec la DG un système anti-drone autonome. Si ce type de technologie comporte de nombreux aspects positifs par rapport au système de défense solaire actuel, elle doit encore être soutenue dans son développement à l'échelle française et européenne pour espérer un jour pouvoir s'y substituer. Alors, quel constat faites-vous euh, sur la technologie laser dans les systèmes de défense solaire pour les années à venir Merci. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues euh, rapporteurs, je vous remercie pour votre travail et pour la présentation que vous venez de nous faire. Si l'on en croit, le, le ministre des Armées, la défense solaire représentera 5 milliards d'euros dans la prochaine LPM, toutes couches confondues. La disponibilité de ces équipements et leur performance apparaît critique pour assurer non seulement notre propre défense, mais aussi pour la projection d'une assistance éventuelle à nos alliés. A ce titre, nous voyons que ces systèmes participent à maintenir la contestation de l'espace aérien sur le théâtre ukrainien, bien que l'incapacité russe à mettre en œuvre des manœuvres interarmes y joue pour beaucoup également. Lors de la présentation de la Revue nationale stratégique, le président avait déclaré que la défense solaire ne pouvait se résumer à la promotion d'une industrie nationale ou d'industrie tierce aux dépens de la souveraineté européenne. Nous lisons en creux la déception face à l'initiative européenne Sky Shield mais j'ai peine à y voir une stratégie qui puisse parler à nos partenaires européens si le conflit ukrainien a mis la défense au cœur des priorités européennes il n'a évidemment pas favorisé une souveraineté européenne qui n'est pas mature stratégiquement et industriellement pour répondre aux besoins immédiats c'est donc l'achat sur étagère notamment américain qui est privilégié et peut-être face à ce constat, cher collègue Thierryot, j'avais lu lors de votre déplacement en Pologne vos propos. Vous y dénonciez la tentation hégémonique allemande. Et je vous entends à nouveau aujourd'hui lorsque vous dites que pour coopérer, il faut être plusieurs. Vous parlez aussi de l'aveuglement allemand. Et je ne pars pas des mêmes constats. Euh, je, je, je pars des mêmes constats, pardon, sans partager votre analyse aujourd'hui. L'Allemagne est dans un refus de leadership. Elle ne cherche pas à imposer sa vision stratégique. Pour l'instant, elle annonce des moyens en reléguant la politique de défense et les doctrines d'emploi au cadre otanien. À ce titre, il semble curieux d'opposer nos partenaires d'Europe de l'Est et l'Allemagne. Alors, quelle analyse faites-vous actuellement du, du rapport de force européen et quelle sera la marge de manœuvre non seulement de nos industriels, mais aussi des futurs projets de coopération dans un contexte de poursuite de la guerre Je vous remercie. Merci. Il nous reste deux questions et je compte sur la brièveté des, des orateurs. La parole est à Julien Rancoul. Merci, Monsieur le Président. Madame et Monsieur les rapporteurs. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre travail. Ces rapports me paraissent vraiment utiles pour que les parlementaires s'emparent des sujets euh, plus spécifiques liés à la défense. Comme il a été annoncé récemment par le Président et par le ministre, 5 milliards d'euros vont être investis dans la défense solaire. Cela peut paraître beaucoup, mais en, ré en réalité, ces 5 milliards arrivent après des décennies où la défense solaire a été abandonnée. Pourtant, elle a été primordiale pour protéger nos bases aériennes et, et plus encore nos territoires d'outre-mer qui ont besoin de garanties de sécurité en raison de leur éloignement des plus importantes capacités de nos forces. Dans le cadre de nos, tra de nos travaux liés à la, sur la défense solaire, est-il ressorti euh, l'idée qu'il fallait que, que notre défense solaire s'équipe également de systèmes de contre mesures quand on pense à un système solaire, on pense souvent aux missiles et aux radars, euh, mais on évoque rarement les systèmes de contre mesure comme les leurs. Le paradigme de haute intensité, où l'attrition de nos munitions serait massive, conduit il, selon vous, à envisager un système de défense solaire où les leurs prendraient une place plus importante pour compléter notre arsenal de défense. Je vous remercie. Merci et enfin la parole est à Jean Marie Fiévet. Merci, Monsieur le Président. Merci, euh, cher court rapporteur. Dans un contexte où l'Allemagne a initié un système commun de défense aérienne et antimissile dénommé European Skal-Scheld, avec 15 pays membres de l'OTAN sur 30, qu'en est-il de l'interopérabilité actuelle des systèmes d'armes en matière de défense seule-air dans l'OTAN et comment renforcer cette interopérabilité indispensable à notre défense Je vous remercie. Je fait très court. Merci pour la brièveté, euh, mesdames, messieurs les rapporteurs. Vous avez la parole pour une dizaine de minutes maximum. Alors j'irai euh, vite et je rassemblerai les, euh, les questions concernant le Mamba, ses performances. Effectivement, vous les. Vous avez dit, qu'ils ont des performances dans le domaine de moyenne portée qui sont, euh, qui sont excellentes et qui, euh, qui sont tout à fait comparables à celles du Patriote. Euh, je peux dire que le, le santé actuel est comparable au Patriote qui est majoritairement livré euh, dans ses versions, majoritairement livrées en, 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 en Europe. Et euh, l'évolution euh, du santé euh, solaire moyenne portée, donc, Appelé Mamba pour la version terrestre, NG pour nouvelle génération, et euh, comparable aux, aux versions les plus évoluées euh, du Patriot. En ce qui concerne le NASAM, ce n'est pas tout à fait le même système. Alors on, on, le, on le classe en longue portée parfois, parce que c'est un missile qui est plus longue portée, mais le système n'est pas plus euh, longue portée. Au contraire, il intervient à, à, il peut intercepter des cibles à. à, à à, à basse altitude ou disons moyenne altitude, contrairement aux Patriotes et, euh, et aux Samté Mamba qui eux ont un, inter un intercepteur moyenne Altitude, donc on ne parle pas du tout de, du même type de, de, de système, et d'ailleurs, euh, le, le, le Santé euh, aura aussi cette capacité d'aller intercepter un peu plus, un peu plus haut et, et de façon un peu plus anticipée euh, des missiles balistiques qui, lorsqu'ils rentrent dans, dans, dans l'atmosphère, et donc euh, ce que n'a pas le système NASAM. Euh, je crois que euh, c'était l'essentiel pour, euh, pour le santé. Euh, je passe la parole peut-être à mon collègue qui va répondre aux questions de, euh, je pense, de, je ne sais pas. Bon, alors, <laughs> écoutez. Euh, je vais répondre brièvement euh, sur la question posée par euh, M. Giletti. <laughs> euh, euh, oui, oui, euh, on, va, on essaie de faire vite, absolument. Euh, concernant euh, défense, euh, enfin, euh, rapport armée de l'air-armée de terre. Euh, je crois réellement, et on l'a vu dans d'autres pays qui n'ont pas encore arbitré, que d'avoir l'unité de commandement. C'est-à-dire euh, un chef, une mission des moyens concernant la troisième dimension et pilotée par l'armée de l'air est aujourd'hui un système qui fonctionne et qui fonctionne bien. Je dis ça en termes de commandement et d'attribution des zones à protéger. En revanche, et c'est euh, ce que j'évoquais à travers le renforcement de la défense solaire basse-couche et notamment la protection du corps de bataille, on a un besoin de renforcement. Des, de, de la volumétrie Mistral concernant les effecteurs, de la volumétrie Canon qui n'existe plus, d'avoir des C2 adaptés aux box qui sont attribués à l'armée de terre. Parce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que dans une zone déterminée, l'armée de l'air dit cette zone c'est armée de terre. Est-ce que on a besoin d'avoir des missiles moyenne portée à disposition de l'armée de terre? Très franchement, si l'armée de l'air en a assez, non. Si l'armée de l'air n'en a pas assez, oui. Voilà la question. Je crois qu'aujourd'hui, avec le renforcement qui y ce c'est pas la priorité. En tout cas, ne compliquons pas les, euh, les relations entre les deux. Mais oui, l'armée de terre doit être absolument renforcée dans le segment basse-couche. Pour répondre à notre collègue de LFI euh, sur euh, les grands événements, pas d'information particulière à dire. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on a un C2 euh, qui est prévu et où la totalité euh, des opérateurs, c'est-à-dire civils, je pense notamment à la préfecture de police, euh, armée de l'air et armée de terre seront engagés sous pilotage armée de l'air. Sur votre question, Retex, évidemment, l'Ukraine nous a interpellés, pas que. Les événements euh, en Arkhaz, en Arménie, euh, ont évidemment fait l'objet d'un suivi étroit, et puis d'autres conflits. Euh, plus classiques, euh, par exemple la guerre du Golfe. Euh, J'avais évoqué la guerre du Kippour ou le Vietnam, qui ont aussi leur intérêt. Par exemple, la guerre du Golfe a montré l'importance euh, des missiles euh, anti-radar. L'Ukraine les a aussi un peu montrés, mais différemment parce qu'il y avait une agilité plus grande des unités ukrainiennes. Donc, oui, tout ça a été intégré à notre réflexion. Vas-y. Oui, oui. oui, monsieur. Picmal Piquemal, euh, pour pour euh, répondre à votre question là par rapport à la protection des grands événements, effectivement, comme l'a dit mon collègue, il y a une entente entre euh, préfecture de, de police de Paris pour ce qui est de Paris, et puis euh, euh, bien sûr euh, les l'armée de l'air qui va euh, qui ensemble vont combiner euh, ce qu'on appelle une une vision de l'espace aérien partagé, single air picture. Donc tout ça est, est, est en voie de développement et est quasiment euh, abouti. Et bien sûr, il y aura une répartition euh, des systèmes de défense solaire euh, en fonction des grands sites, euh, en fonction des points sensibles euh, à protéger. Et, et euh, il y aura une déclinaison euh, des moyens euh, très courte portée. Euh, qui seront euh, essentiellement donc sur le terrain, puisqu'on va être en zone urbaine essentiellement, euh, qui seront euh, euh, faits euh, grâce au système parade, on l'a abordé très rapidement tout à l'heure, donc vous avez des, des fusils brouilleurs. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de voir tout ça à l'exercice Coubertin, qui a été mené euh, début février, euh, et, et, et on pourra bien sûr en avoir une illustration plus complète euh, lors de la Coupe du Monde de, de, de rugby. Et comme rétexte, il y a eu aussi la Coupe du Monde euh, au Qatar, la Coupe du Monde de football au Qatar, où euh, la France avait envoyé euh, des systèmes euh, basaltes. Oui, pour finir avec notre collègue Picmal sur le commandement de l'espace, je dirais ça viendra euh, aujourd'hui euh, la France euh, ne dispose pas ou peu de moyens spatiaux euh, permettant de détecter des départs à très longue distance. Donc c'est un des sujets de fond, c'est une des questions liées à Twister et à un réseau d'alerte spatiale. Aujourd'hui, c'est pas au cœur de, de la DSA, en tout cas dans les segments qu'on avait évoqués, puisqu'on a exclu euh, les euh, ICBM. Sur l'antidrone euh, et le laser, évidemment, ça fait partie des outils essentiels. Face au drone, il y a plusieurs moyens. On l'a brièvement évoqué. Soit en brouille, mais ça suppose des drones téléguidés. Aujourd'hui, on peut avoir des drones qui travaillent avec des euh, centrales inertielles. Euh, des centrales inertielles, premier sujet. Autre solution, la cinétique, on le détruit. Troisième solution, on grille les euh, circuits électroniques ou on le détruit par chauffage. Le laser est un des outils permettant la destruction euh, du drone. Au stade où on est, mais ça va évoluer très vite, euh, ça nécessite quand même de maintenir un faisceau suffisamment longtemps sur la cible. On n'a pas nécessairement euh, l'énergie et surtout ça dépend des conditions météo. Donc l'autre aspect est probablement de brûler les circuits à travers des armes à énergie dirigée avant qu'on ait ce type de. De euh, laser. Je vais répondre euh, à notre collègue euh, sur le sujet allemand, parce que c'est un des sujets euh, qui me paraît vraiment important. Et puis après, euh, je laisse Il y a, a d'autres sujets, puisqu'on m'a dit qu'il fallait finir à 55, donc on finira à midi. Euh, voilà, ça s'appelle les cinq minutes de courtoisie. Euh, je pense que vous avez surinterprété mes propos. Je. Euh, nos amis allemands ont un comportement objectivement peu amical. Une fois qu'on a dit ça, la réalité c'est qu'au cœur de l'Europe, on a un pays, l'Allemagne, qui est là, qui est un partenaire historique et personne aujourd'hui euh, n'envisage de ne pas travailler avec les Allemands. Alors, face à ce projet d'European Sky Sheet, euh, il est fou, pardonnez-moi, qu'on n'ait même pas euh, interroger MBDA sur ce projet. Donc prenons en acte que les pays qui souhaitent participer à ce projet y participent et nous continuons. Il n'y a pas de vision stratégique allemande dans cette affaire. Quand vous dites que les Allemands n'ont pas de volonté de leadership, on a surtout des Allemands aujourd'hui qui ont une difficulté politique liée à la coalition Ample, puisqu'on sait même que sur les sujets de défense, ils sont loin d'être d'accord, ce qui en fait d'ailleurs des partenaires compliqués parce qu'on euh, a parfois euh, des allers-retours, on a des discours sur la première puissance euh, conventionnelle du euh, continent, après on a des retours en arrière, mais je vous renvoie au discours du, du général de Sorn, et euh, cela posé, on a aujourd'hui une autre puissance qui souhaitent prendre le leadership sur la défense conventionnelle euh, en Europe, qui sont euh, nos alliés polonais, euh, qui font des investissements absolument massifs euh, en matière de euh, défense euh, et qui sont de, de nature à jouer aussi ce rôle. Donc je crois que la nature de la France, puissance d'équilibre avec un S, c'est aussi euh, de euh, discuter avec tous nos partenaires et notamment de renouer avec la Pologne euh, un lien important n'ont jamais les alliances de revers, c'est toujours ce qui dans le cadre amical de l'Union européenne est aussi ce qui permet d'équilibrer les puissances. Donc oui, rapprochons-nous des Polonais, mais ils sont pas dans l'European Sky Shield, ils sont pas non plus dans des projets européens, puisqu'aujourd'hui, ils ont la menace russe à leur porte, et ils ont besoin d'une chose, c'est des missiles vite et forts, des radars vite et forts, et malheureusement, les capacités de production, de l'abilité des Européennes ne permettent pas d'y répondre. Mais en tout cas, l'Allemagne, c'est notre allié. C'est notre partenaire, mais ça n'empêche pas d'avoir des liens étroits avec d'autres qu'on avait probablement négligés au profit d'un tandem, alors qu'il faut penser à l'Europe médiane davantage. Il faut penser à l'Europe du Sud et faire un couple à 3, à 4 ou à 5. Finalement, ça peut ne pas être mal. Nathalie, un dernier mot Oui, et puis, euh, pour quand même un peu... Euh, je dirais euh, euh, étoffer euh, cette, cette vision. Il y, a, il y a quand même des hauts et des bas dans toute coopération, on, on le sait très bien. Et l'enjeu principal, ça reste d'arriver à concilier la réponse court terme à la situation pressante et la préparation de l'avenir. Et dans la préparation d'avenir, on n'a peut-être pas assez insisté, mais il y a les, les enjeux de marché effectivement. Il faut s'ouvrir des potentiels de marché, et pour ça. Il y a la standardisation. Mais il faut compter, compter bien évidemment, sur nos forces. Et on a, euh, à travers euh, MBDA, une, un missilier de premier plan, un système de premier plan. Et donc, euh, à nous de, de, de continuer la promotion de nos systèmes. Et pour les systèmes à venir, de s'assurer qu'ils seront bien tous, euh, je veux dire, euh, euh, à des standards européens. C'est un, un, un combat. Il faut, il faut le mener. Euh, je passerai rapidement à la dernière question, je pense, de M. Rancoul, euh, qui a posé une question très pertinente sur euh, les contre-mesures. Effectivement, euh, ça a été très peu abordé. Vous avez parlé de, de l'heure. Euh, moi, je pense aussi au, au brouillage, surtout. Et je pense que, voilà, il faut euh, effectivement investir, réinvestir. Dans tout le potentiel que la guerre électronique euh, peut, peut fournir. Et, euh, et, 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 et dans l'autre sens, on sait très bien aussi que, euh, par exemple, les missiles euh, anti-radar euh, vont, euh, vont essayer de cont contrecarrer euh, la défense. Donc il y a toujours euh, l'histoire de, de l'arme et du bouclier, mais vous l'avez raison, il ne faut pas euh, euh, oublier, négliger euh, les contre-mesures et notamment la guerre électronique. Bien, écoutez, merci à tous les deux pour votre travail et la complémentarité de votre binôme qui a permis la rencontre, j'allais dire, de, du chiffre de l'ingénieur et de la lettre de l'auteur. Mes chers collègues, je vais maintenant vous demander euh, si vous autorisez la publication de, de ce rapport. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions Je n'en vois aucune, je vous remercie. Et je vous remercie également en tant que rapporteur pour, pour ce travail. Je vais maintenant appeler euh, nos collègues Vincent Brouille et Julie Rancoul à, à me rejoindre pour l'heure qui, qui nous reste devant nous d'ici 13 heures, pour la présentation et l'examen du troisième rapport d'information de la matinée euh, concernant la question euh, des stocks de, de munitions. Vous savez que c'est le sujet à a retenu, euh, retenu l'attention de notre commission. Et je vous demande de le faire un peu dans le silence, s'il vous plaît, au moins pour que je puisse lancer l'introduction pendant que nos collègues s'installent. Vous savez qu'on parle aujourd'hui du retour des, de conflits de haute intensité et la question des stocks de munitions est, est majeure. Et pas plus tard qu'avant-hier, le secrétaire général de l'OTAN euh, déclarait que euh, les pays de l'OTAN consommaient aujourd'hui davantage de, de munitions qu'ils n'en qu produisaient, donc avec un affaiblissement des, des stocks. Et nos deux rapporteurs, Vincent Bru et Julien Rancoul, euh, ont mené près d'une vingtaine d'auditions, effectué deux déplacements pour comprendre cette évolution, tenter d'identifier les principaux leviers d'une stratégie qui viserait à, à recompléter nos stocks de munitions pour nos armées, mais également à améliorer les flux de, de production. Industriel. Donc voilà, je ne suis pas plus long. Messieurs, je vous cède la parole et je précise quand même que lors de notre prochain déplacement en Dordogne, chez notre collègue Jean-Pierre Coubertin-Front notamment, nous aurons l'occasion de visiter la poudrerie de Bergerac pour ceux qui veulent également approfondir le sujet. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Julien et moi, nous voulons remercier Aude Delvaux et Apolline Claude qui nous ont accompagnés pour la rédaction de, de, de ce rapport, bien évidemment, ainsi que toutes les personnes qui ont accepté d'être auditionnées ou qui nous ont reçues sur site, comme vous venez de le rappeler, Monsieur le Président. En fait, la dérégulation globale des stocks français de munitions depuis la fin de la guerre froide semble être devenue insoutenable tant au regard du contexte stratégique que des ambitions militaires de la France. Conséquence des dividendes de la paix, cette dégradation a entraîné une structuration de la filière munitionnaire selon une logique de flux et non pas une logique de stock. Décidée lors de la professionnalisation des armées en 1996, amplifiée par la RGPP, la Revue Générale des Politiques publiques, en 2007, puis par la crise économique de 2008, la réduction drastique des formats des armées et l'adoption d'un modèle d'excellence échantillonnaire ont fait des munitions, il faut bien le reconnaître, une variable d'ajustement budgétaire. Les attentats terroristes islamistes de janvier puis de novembre 2015 ayant mis un coup d'arrêt à cette politique de réduction massive des budgets militaires, l'amorce de complètement des stocks depuis 2016 permet de stopper l'hémorragie. La loi de programmation militaire 2019-2025 inverse la trajectoire à la baisse des stocks de munitions. Au début de la crise sanitaire, en mars-avril 2020, l'épisode de pénurie de masques respiratoires de protection vient quant à lui rappeler l'importance cruciale de disposer de stocks stratégiques pour faire face à l'imprévu. Un constat apparu avec encore plus d'éclat depuis le retour du conflit de haute intensité sur le continent européen. Un changement de paradigme s'impose désormais en matière de stocks. Le retour d'expérience du conflit ukrainien illustre les multiples atouts stratégiques que recèle la constitution de stocks de munitions. L'impératif de reconstitution des stocks militaires est d'ailleurs un constat partagé par de nombreux pays occidentaux. Ce constat étant énoncé, la reconstitution des stocks de munitions soulève des enjeux très différents selon que l'on considère les munitions simples ou des munitions complexes. Si la filière munitionnaire française est relativement homogène dans son organisation, structurée autour de grands maîtres d'œuvre et de sous-traitants en dialogue permanent avec les forces armées, les munitions balistiques sont associées à une production de masse, tandis que les munitions propulsées, que sont les missiles et les torpilles, sont plus complexes à produire. Hautement technologiques et propres à l'engagement dit de haut de spectre, ces munitions se distinguent par leur portée, leur type de mission qui leur est assignée et leur technicité, générant bien évidemment des coûts de développement élevés et requérant bien souvent une coopération internationale. Sans missiles ou sans torpille, un bâtiment ou un aéronef perd sa fonction essentielle. Un rafale n'est plus un avion de chasse, une frégate n'est plus un bâtiment de guerre et un sous marin ne fait plus peser de menaces. Dans la marine, par exemple, les munitions complexes permettent d'avoir l'avantage sur, la, sur les adversaires de premier rang qui souhaiteraient restreindre la, la liberté d'action des forces navales françaises dans les espaces aéromaritimes contestés. Dans le cadre d'opérations d'entrée en premier, ce type de munition permet d'emporter le combat en mer pour ensuite frapper dans la profondeur des terres à l'aide de, de chasseurs. Les missiles peuvent frapper depuis la mer des objectifs stratégiques à terre ou en mer ou encore intercepter d'autres missiles pour défendre la force navale contre les attaques adverses. La complexité des missiles et des torpilles s'explique par plusieurs facteurs, notamment le rôle clé de la recherche-développement, la pluralité des niveaux de sous-traitance et le temps de programmation, puis de fabrication de ces munitions pouvant s'étaler au total sur une quinzaine d'années. Nous présentons dans notre rapport une synthèse des principales munitions complexes, de leur mission, de leur portée et leur milieu, ainsi que leurs atouts propres. Nous tenons à préciser qu'en matière de munitions, les chiffres sont classifiés et qu'il ne nous a pas été possible d'en fournir dans notre rapport. Nous le regrettons quelque peu, mais nous comprenons l'impératif de ne pas divulguer ce type d'éléments auprès de nos compétiteurs. Nous précisons aussi que pour la même raison, nous avons totalement exclu le nucléaire de notre champ d'investigation. La conception, la production, le cycle de vie des munitions s'étalent dans un temps long. Qui contraste avec la rapidité de la frappe, la vitesse supersonique de nos missiles et l'attrition trop tôt venue. Bien qu'après des années de pénurie, le contexte actuel suscite un sentiment d'urgence à reconstituer nos stocks. Ce contraste entre temps de production et temps d'emploi incite à prendre le temps de la réflexion nécessaire à l'anticipation d'une stratégie à long terme qui aurait un impact sur la filière des munitions dans les décennies à venir. Point qui nous paraît capital et sur lequel nous tenons tous deux à insister. Ah pardon, euh, le, le, pardon. la reconstitution des stocks suppose donc la prise en compte des armées, pour, par les armées des enjeux à la fois stratégiques, capacitaires et logistiques globaux. Enjeux capacitaires d'abord qui sont corrélés aux ambitions stratégiques de la France. La reconstitution des stocks doit se faire en harmonie avec des hypothèses d'engagement envisager et également l'accroissement des besoins dus à l'intensification de la préparation opérationnelle. On venir si vous y voulez. La reconstitution des stocks doit aussi tenir compte d'une certaine cohérence capacitaire entre nos trois armées et également entre les couples vecteur et munitions, ou encore entre le haut et le bas du spectre, équilibre que nous appellerons panachage. Enfin. Les jeux logistiques tenant à la sécurité et à la périssabilité des munitions conditionnent cette montée en puissance. C'est pourquoi nous proposons d'adapter le recomplètement des stocks de munitions à des hypothèses d'engagement renouvelées, de favoriser l'utilisation de munitions réelles dans le cadre de la préparation opérationnelle qui tend à s'intensifier et de favoriser le panachage de munitions entre masse et technologie. Point qui nous paraît capital, sur lequel nous tenons tous les deux à insister, la complémentarité entre munitions de saturation et de munitions intelligentes met en évidence la nécessité d'assurer un panachage pertinent, que ce soit pour l'artillerie, la défense anti char ou la défense anti-aérienne. Il faut suffisamment de munitions simples pour traiter 90% des objectifs et une large gamme de munitions complexes destinées à traiter 10% des cibles trop, persiste, trop résistantes pour des munitions simples l'institution des stocks et le stockage des munitions sont aussi soumis à de multiples contraintes logistiques. de fait la sécurité pyrotechnique repose sur un cadre normatif très strict les munitions étant des objets par nature dangereux. l'impératif de sécurité commande non seulement des normes mais aussi toute une culture pyrotechnique que nous avons pu constater lors de notre déplacement sur le site du simu service interarmées de munitions à Savigny en septembre, près de la base aérienne d'Avord, près de Bourges. Cet impératif de sécurité impose aussi des contraintes logistiques majeures pour le stockage de nos munitions, en particulier des igloos que nous avons pu visiter, des magasins enterrés ou semi-enterrés, des poudrières, des cavernes. Nous estimons que les normes applicables sont essentielles en ce qu'elles offrent des garanties de sécurité et de protection vis-à-vis -vis des personnels et qui augmentent de ce fait l'acceptabilité de nos munitions. Cependant, bon nombre de normes applicables aux militaires répondent aux exigences résultant d'accidents survenus dans le secteur industriel civil. Nous estimons, pour notre part, que des exigences normatives applicables aux armées devraient être mieux proportionnées aux enjeux de sécurité réels en privilégiant une approche de gestion du risque. La simplification des normes est d'ailleurs encore plus nécessaire dans la perspective d'un conflit de haute intensité. De même, la périssabilité des munitions doit, par définition, être anticipée, raison pour laquelle les armées échelonnent leurs commandes afin de ne pas devoir renouveler tous les stocks en même temps. Il s'agit aussi d'optimiser le maintien en condition opérationnelle des missiles en améliorant la disponibilité des parcs. Sur ce point, nous préconisons, lorsque c'est possible, bien sûr ce n'est pas toujours le cas, de réinternaliser le maintien en conditions opérationnelles des missiles aujourd'hui assuré par les industriels MDPA en particulier. Nous proposons aussi de prévoir systématiquement dans les contrats de maintenance des clauses stipulant un seuil minimal de disponibilité des missiles. Enfin, nous jugeons opportun que lorsque c'est possible les industriels puissent assurer, le cas échéant, le maintien en condition opérationnelle des munitions au plus près des opérations, sur des bases projetées, ce qui éviterait aux missiles de faire des allers-retours entre les bases et les sites de production, en particulier à Bourges. Si la politique de remontée des stocks relève des armées, l'intensification des flux de production relève des industriels, et c'est un complément indispensable à la reconstitution de nos stocks. Le besoin de masse et d'épaisseur qui ressort des retours d'expérience des champs de bataille met en lumière l'indispensable continuité entre stock et flux. Devant permettre aux forces sous faible préavis de prendre l'ascendant opérationnel sur l'adversaire, les stocks assument surtout un rôle tampon permettant à la production industrielle de prendre rapidement le relais au soutien des forces armées. L'enjeu est donc d'adapter la base industrielle et technologique de défense française, la BITD, aux exigences d'un champ de bataille durci. C'est l'objet de l'économie de guerre. Dans cette perspective, garantir la soutenabilité économique des entreprises munitionnaires pardon, mises à l'épreuve par les dividendes de la paix, en assurant la visibilité et la régularité des commandes, est un préalable. Les acteurs industriels auditionnés, d'ailleurs, ont unanimement souligné le manque de visibilité de la commande publique qui les prive de toute faculté d'anticipation des besoins des forces, dont les stocks sont évidemment classifiés, et donc d'anticipation des quantités à produire. Il en résulte une utilisation sous-optimale de l'outil de production interne et de la chaîne que les industriels équilibrent le plus souvent et fort heureusement grâce à l'export. 70% pour Nexter, 75%. C'est pourquoi nous préconisons d'affermir la visibilité pour les entreprises ainsi que la régularité des commandes étatiques. Nous en venons à présent à un enjeu particulièrement important à nos yeux, celui de la filière de petit calibre. La filière munitionnaire française est quasi intégralement souveraine, vous le savez, chers collègues. La filière française du petit calibre a été abandonnée en 1999. Les causes de l'absence d'industrie munitionnaire de petit calibre en France étaient à l'époque principalement économiques, le marché mondial du petit calibre étant unanimement considéré, jusqu'à il y a encore peu, comme abondant et fortement concurrentiel. J'estime pour ma part que cette analyse, qui émane du ministère des Armées et en particulier de la DGA, est datée. Au vu de l'inflation du prix des munitions de petit calibre et du contexte stratégique international, la France n'est plus dans la même situation depuis 2020. Le ministère de l'Intérieur, que nous avons auditionné, nous a fait part de ses difficultés à s'approvisionner en munitions de petit calibre au profit des forces de l'ordre au début du conflit ukrainien. Alors que le ministère de l'Intérieur ne disposait que de deux mois de stock, il lui a été impossible de se fournir sur le marché international, y compris européen. La bonne santé économique de la filière, américaine notamment, du petit calibre, a pour corollaire un renchérissement des prix subis par les clients. C'est pourquoi il nous semble que les conditions économiques de relocalisation de la filière ont évolué depuis la dernière étude menée par le ministère des Armées. Nous jugeons tous deux que le projet de relocalisation porté par le ministère de l'Intérieur est particulièrement intéressant. Il s'agit de créer une filière de 9 mm pour, les, pour, des, donc pour des munitions de 9 mm sur le territoire national à partir de la réhabilitation d'anciennes usines initialement destinée aux forces de sécurité intérieure, cette filière pourrait par la suite, ou en cas d'urgence nécessité, couper sa production de 9 mm avec du, celle du 556 par exemple, plus, plus spécifiquement destinée aux forces armées. Si je soutiens l'idée d'ensemble, j'émettrai pour ma part quelques réserves à ce projet de relocalisation. Naturellement, si elle doit être effectuée, la rentabilité du projet doit être garantie par des exportations et la production ne doit pas créer un déficit que l'État devrait combler. À défaut de filière nationale, une filière de petit calibre, en coopération avec un voisin européen, tel que notre partenaire belge, qui a fait des propositions dans ce sens, pourrait être envisagée. En tout état de cause, nous tenons tous les deux à ce que cette recolisation soit sérieusement étudiée à l'échelon interministériel, et nous répondrons, si vous le souhaitez, à des questions sur ce point. Nous en venons maintenant aux différents leviers à actionner dans le cadre d'une économie de guerre pour accélérer la montée en cadence de la production de munitions. Le premier levier à actionner consiste selon nous à simplifier les exigences et les normes. Tout comme les forces, les industriels sont soumis à un corpus réglementaire très dense régissant les activités attenantes aux munitions. Or, les normes en vigueur sont très élevées par rapport à celles qui s'appliquent sur le marché international conduisant à un renchérissement des coûts et à une augmentation des délais de production pour un bénéfice opérationnel souvent discutable. Le haut degré de précaution imposé doit d'ailleurs être relativisé au regard des réalités du terrain. Nous estimons tous les deux qu'il est nécessaire d'adapter les normes applicables aux industriels aux conditions d'emploi des munitions. L'enjeu est de trouver un juste équilibre entre sécurité et pragmatisme ce qui suppose de redéfinir la culture du risque et d'adopter une approche de gestion du risque. Toujours s'agissant de la simplification des normes, il faut revenir quelques instants sur la réglementation européenne REACH qui concerne l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques. Ce règlement européen qui, était, qui est entré en vigueur au 1er juin 2007 est un sujet de préoccupation majeure pour les acteurs de la filière munitionnaire en ce qu'il entraîne l'obsolescence de certains produits pour lesquels aucune alternative n'a été trouvée à ce jour. Le processus d'autorisation prévu par le règlement a pour effet d'allonger les délais d'obtention d'autorisation d'utilisation de ces produits auprès de la Commission européenne. Ce processus menace directement l'usage du plomb et des sels de plomb qui sont au fondement de toute chaîne pyrotechnique c'est pourquoi nous considérons qu'il conviendrait impérativement de prévoir des exemptions à la réglementation reach au profit de la filière munitionnaire de défense. nous formulons une proposition dans ce sens et peut-être des questions pourraient être posées sur ce sujet. nous préconisons aussi toujours dans une optique d'économie de guerre de faciliter l'approvisionnement en matériaux et en sous ensembles critiques en relocalisant ce qui peut l'être et en constituant des prestocs. De fait, les dépendances aux matériaux critiques constituent un véritable facteur de fragilité, notamment pour les sous-traitants. Les difficultés d'approvisionnement actuellement vécues en temps de crise internationale ne feraient que s'accroître dans l'hypothèse d'un engagement majeur de notre pays contre un compétiteur stratégique. Disposer donc de pré-stocks de composants stratégiques et de sous-ensembles constitutifs, souvent simples mais longs à produire, permet de réduire le cycle de production. Nous proposons aussi de relocaliser les filières les plus stratégiques pour l'industrie munitionnaire, notamment dans le domaine des poudres. Je rappelle que la France ne dispose pas d'autonomie stratégique en ce domaine et qu'elle doit notamment se fournir en Allemagne sur ce segment. Or, l'Allemagne privilégiera sans doute ses propres forces en cas d'engagement majeur. Nous jugeons aussi nécessaire de remettre en cause les dépendances les plus structurelles, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs. Rappelons que l'Union européenne produisait 40% des semi-conducteurs sur le marché mondial en 1990, contre moins de 10% désormais. Un autre axe de réflexion majeur est celui des ressources humaines. C'est une évidence, les ouvriers de la pyrotechnie constituent une ressource rare. Outre leurs leur compétences techniques très pointues, ils doivent présenter un profil psychologique jugé apte à être au contact de, de matière explosive. Si la filière des munitions ne rencontre pas de difficultés de ressources humaines particulièrement handicapantes à ce stade, il convient de prendre en compte l'enjeu des ressources humaines euh, et la à la formation pardon, euh, des personnels pyrotechniques. Dans la perspective, de, dans la perspective pardon d'une économie de guerre, le redimensionnement de l'outil industriel nécessiterait la mobilisation rapide de personnel immédiatement opérationnel. A cette fin, une première piste pourrait consister à adapter les règles liées au temps du travail. L'idée de constituer une réserve industrielle, constituée notamment de jeunes salariés de l'industrie munitionnaire, serait également à envisager. C'est d'ailleurs le sens de l'une des propositions que nous faisons. Toujours dans la même optique et en complément de cette réserve, de cette réserve industrielle, je suggère l'idée de constituer une réserve opérationnelle, spécifiquement dédiée à la filière industrielle. Et je crois que mon collègue co-rapporteur ne serait pas opposé. Si vous voulez, on pourrait revenir si une question est posée par la suite. Enfin, le redéploiement des personnels dédiés aux chaînes civiles vers des chaînes militaires, au sein d'entreprises duales qui ont une activité civile et militaire est tout à fait possible à certaines conditions lorsque naturellement les compétences sont requises. Dernier point abordé dans notre rapport dans l'optique d'une économie de guerre, nous envisageons la préparation de l'avenir. La maturation de cette préparation requiert elle aussi de l'anticipation. L'histoire de la guerre illustre en effet à quel point l'innovation technique et technologique conditionne la souveraineté et l'autonomie stratégique d'un État tant pour préserver sa crédibilité sur la scène internationale dans une logique dissuasive que pour assurer sa supériorité sur le champ de bataille. Les missiles hypersoniques, la technologie quantique, les armes à énergie dirigée sont d'autres autant d'axes d'efforts devant garantir la crédibilité de nos forces. La maîtrise des capacités de haut du spectre doit permettre d'assurer demain les opérations d'entrée en premier. Cette nécessité de préparer l'avenir ne cesse de se renforcer à la lueur de l'évolution de des menaces dans un environnement stratégique caractérisé par le, caractérisé par le retour des États-puissances, de le détournement de technologies issues du monde civil et l'accélération constante du rythme de l'innovation, facilité par le développement du numérique. Encore une fois, cette nécessité d'innover ne doit pas occulter l'importance cruciale du panachage entre masse et technologie, évoqué en amont. Il convient donc d'accompagner les évolutions technologiques prioritaires. Parmi elles, nous avons notamment identifié l'allongement des portées, l'amélioration de la précision et la diversification des effets des munitions actuelles. La sophistication croissante des munitions va dans le sens de l'entrée en service progressif des munitions de plus en plus précises aux effets de plus en plus modulables. L'objectif clé est bien d'optimiser les performances des munitions selon les axes que nous venons de citer. Ainsi, par exemple, l'obus de précision 155 mm Katana, développé par Nexter, vise un cercle d'erreur probable de niveau décamétrique. 50% des coups tomberaient à moins de 10 mètres de leur cible. Cette munition d'artillerie intelligente offre l'avantage de ne pas requérir d'infrastructures ou de changements lourds des forces. Face à l'augmentation globale de, de l'intelligence des missiles, les systèmes de contre-mesure doivent également être perfectionnés pour continuer de les contrer. Les évolutions privilégient les, des systèmes de protection multicouches alliant plusieurs types de masquage, l'orage. Un exemple particulièrement intéressant d'innovation à accompagner est celui des munitions téléopérées, apparues à l'automne 2020 dans le conflit du Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puis lors du conflit ukrainien. Ces munitions se sont désormais imposées sur le champ de bataille. Il s'agit de munitions de masse destinées à frapper l'ennemi tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique. Ces munitions présentent l'avantage d'être généralement très peu chères. Et On estime que pour 1 euro dépensé dans une munition téléopérée, les dégâts sur le matériel ennemi atteignent entre 5 et 15 euros. En outre, la destruction d'une munition téléopérée emporte moins de conséquences que celle d'un avion. Utilisées en masse, ces munitions permettent de saturer facilement l'espace aérien adverse et de neutraliser ses défenses antiaériennes. En outre, les incréments apportés permettent de plus en plus d'allonger la portée des munitions téléopérées pour frapper dans la profondeur. Enfin, la projection de ces munitions exerce une forte pression psychologique, distillant la peur sur le champ de bataille. En matière de munitions téléopérées, il faut constater que la France accuse un retard extrêmement important et qu'elle doit rattraper de toute urgence. D'où l'importance de soutenir l'effort annoncé par le ministre des Armées récemment, Sébastien Lecornu, dans le cadre de la future loi de programmation militaire visant à doter les forces françaises, selon lui, de plusieurs milliers de munitions téléopérées à l'horizon 2030. Ce sont les appels à projets Lariné et Colibri dont nous parlons actuellement. Il nous semble essentiel de favoriser une fabrication française, limitant au maximum les composants importés de l'étranger, mais également de se doter de plusieurs milliers de munitions compte tenu de leur forte attrition. Sur le plan défensif, en effet, l'émergence de ces nouvelles munitions sur le champ de bataille impose de renforcer et d'adapter aussi nos moyens de défense antiaérienne. En un mot, nous proposons de doter les forces de lots de munitions téléopérées capables de faire face à l'attrition propre à la haute intensité et de répondre aux besoins du terrain. Dernière proposition de notre rapport et non des moindres, nous jugeons essentiel de renforcer le soutien à la recherche-développement. Nous estimons en effet que la remontée en puissance des stocks de munitions ne doit pas se faire au détriment des budgets de recherche-développement alors que la filière souffre déjà d'un sous-investissement critique en matière d'innovation. Il s'agit en effet de conserver notre supériorité opérationnelle face à des compétiteurs stratégiques qui investissent massivement dans la préparation de l'avenir. L'ensemble des acteurs que nous avons auditionnés a souligné l'importance capitale d'investir dans les études en amont afin que nos armées restent en mesure de faire face aux menaces actuelles et futures. Pour conclure, je tiens également à m'associer à mon collègue pour remercier Aude Delvaux et Apolline pour le travail exemplaire qu'elles ont fourni durant ces deux mois. Je tiens également à remercier Vincent Bruges. Je, voilà, je, je trouve qu'on a fait un, un travail. Euh, ça a été vraiment un plaisir de, de travailler euh, donc à tes côtés. Euh, et je pense qu'on a travaillé en bonne intelligence et, et qu'on est d'accord. On est d'accord, euh, je pense, sur l'intégralité du constat et sur la sur la, la plupart des, des propositions aussi apportées dans ce rapport. Donc je remercie l'ensemble des acteurs également des auditionnés durant cette cette mission. Voilà, chers collègues, nous vous remercions de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos interrogations. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour votre travail sur ce sujet si si important. Alors nous avons une trentaine de minutes et une dizaine de questions. Donc si possible, si vous pouvez vous limiter dans la durée de vos questions pour laisser un peu de temps au rapporteur pour répondre, ce serait super. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Benoît Borda. Chers collègues rapporteurs, Monsieur le Président, je vous remercie au nom du groupe Renaissance pour vos propos liminaires très intéressants et très complets je souhaiterais faire un focus sur la question des matières premières nécessaires à notre industrie française de défense pour la production de nos munitions. avec les délais d'approvisionnement pour certains composants il faut deux à trois ans pour fabriquer une munition dite complexe comme un missile. ainsi pouvez vous nous orienter sur les axes à approfondir pour sécuriser nos approvisionnements en matière critique. je souhaite également chers collègues évoquer la question des normes appliquées aux activités militaires et en particulier à la gestion des dépôts de munitions. Je souhaiterais notamment savoir si vous estimez que nos normes sont trop strictes et si oui, préconisez-vous un changement d'approche sur la gestion des stocks de matières premières pour pouvoir répondre plus rapidement aux besoins exprimés. Tels sont les deux points d'attention que je voulais soulever et je voulais aussi souligner et saluer la décision du président de la République très récemment d'avoir débloqué 24 millions d'euros en urgence pour approvisionner et acheter des armes anticharges. Je vous remercie. Merci pour le groupe Rassemblement National. La parole est à José González. Oui, merci Monsieur le Président. Messieurs les co, co rapporteur euh, tout d'abord permettez-moi au nom du groupe du Rassemblement National de vous féliciter, de vous remercier pour le travail que vous avez effectué ensemble dans cette mission. Il est évident que les travaux que vous menez vont servir à la réflexion de, des membres de cette commission à l'aube de la future loi de programmation militaire et c'est ce pourquoi il nous tarde de lire votre rapport. Ceci étant dit, sur ce nouveau point, j'aimerais rappeler l'attachement du groupe du Rassemblement national à l'indépendance et à la souveraineté de la France, laquelle doit, je le pense, privilégier une logique de stock et non de flux tendu, tel que cela a prévalu ces dernières années, si l'on veut pouvoir faire face au premier choc d'un conflit de haute intensité. Dans cette lignée, il semble primordial d'augmenter le volume de nos stocks de munitions si on veut garantir notre autonomie stratégique. Or pour y parvenir il convient de s'interroger sur la nécessité sur la nécessaire relocalisation d'une filière de munitions notamment de, de petit calibres, calibre je parle de petit calibre le 556 le 762 9 mm ou 127 effectivement nous avons euh, sacrifié euh, un fleuron de l'industrie française euh, manurin il y a quelques temps et nous sommes maintenant dépendants de l'Allemagne du Royaume-Uni des États-Unis des Émirats et du Brésil Rappelons que pendant l'invasion de, de la Crimée par la Russie, la livraison des calibres 9 mm qui servent surtout aux armes de poing de, de, de la gendarmerie et de la police a eu un retard de 9 mois. Alors cette question est euh, plus que jamais actuelle, non seulement du fait du retour de la guerre sur notre continent avec des risques... Euh, Certains, mais aussi, car la pandémie du Covid-19 a mis en exergue la dépendance de la France aux États étrangers, avec l'exemple ahurissant de masques de protection dont la pénurie passée doit nous alerter quant à nos stocks de munitions. Et certes, on l'a souligné tout à l'heure, en période de guerre, il y a des alliés, mais surtout des intérêts nationaux. Et on n'est jamais si bien servi que par soi-même. À cet égard, messieurs les co-rapporteurs, plusieurs questions me viennent, corollaires les unes des autres. Premièrement, qu'est-il réellement de possible de relocaliser en France Deuxièmement, quelles solutions doit-on envisager pour y parvenir Et enfin, quels sont les éléments de notre rapport que votre rapport vous a permis de mettre en lumière pour atteindre cet objectif d'indépendance et de souveraineté Merci à tous les deux. Merci pour le groupe républicain. La parole est à Jean-Louis Thierryot. Merci, M. le Président. Merci, messieurs. Les pour euh, cette présentation de, de qualité. Euh, vous avez évoqué un sujet à la fois euh, capital en ce qui concerne l'économie de guerre et sur lequel nous avions déjà attiré l'attention dans d'autres missions que nous avions faites sur la BITD ou sur la haute intensité, c'est la nécessité pour nos industriels d'avoir une vision à long terme en ce qui concerne leur carnet de commandes. En même temps, le ministre des Armées insiste sur la nécessité pour nos industriels de prendre une part de risque, ce qu'on peut entendre, mais un industriel ne peut prendre que des risques calculés qui lui permettent d'amortir les chaînes de production ou les outils industriels qu'il développe. Donc ma question concerne les outils juridiques qui pourraient être développés. Il y a évidemment les commandes fermes, ça c'est tout simple. Mais euh, avez-vous travaillé sur des outils qui pourraient être des lettres de confort, des lettres d'intention ou euh, des outils où une commande minimum est garantie seulement si des débouchés à l'export ne sont pas trouvés, ce qui permettrait à la fois de lisser les carnets de commandes et de permettre aux industriels d'aller plus loin dans, euh, dans les investissements qu'ils Doivent faire. Deuxième question, mais qui rejoint la première. Euh, vous avez évoqué un sujet majeur qui est celui des pré-stocks qui sont nécessaires. Quel financement voyez-vous pour ces pré-stocks Nous avions travaillé là-dessus aussi dans notre mission euh, sur la haute intensité. Euh, cela doit-il être un financement étatique Cela devrait-il être. Une mutualisation des stocks avec des flux glissants, c'est-à-dire que des industriels investissent dans un stock et le flux sortant est remplacé par du flux rentrant. Enfin bref, quelle est votre vision sur ce sujet Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Josie Poitou. Oui, merci, merci, monsieur le président. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le groupe démocrate vous remercie pour vos travaux très éclairants à tous les deux ainsi qu'avec les, les personnes qui vous ont effectivement accompagnés. La guerre en Ukraine a révélé que la question des stocks de munitions est particulièrement importante et sensible. Alors que la France a longtemps sous-investi dans les armées et qu'elle se doit désormais de se préparer à intervenir dans un conflit de haute intensité, il est important que nous reconstituions nos stocks de munitions. Comme vous l'avez évoqué, cela impose d'avoir une BITD qui soit en capacité de répondre aux besoins des armées françaises et la LPM que nous allons bientôt étudier pourrait insister sur la nécessité pour l'État de donner des gages aux industriels et des perspectives pour les commandes. Nous devons aussi penser à nos alliés européens avec qui nous collaborons pour produire des armes et des munitions et pour en fournir à l'Ukraine. Et le secrétaire général de l'OTAN a alerté les États de l'Alliance sur le fait que le rythme actuel de consommation des munitions par les forces ukrainiennes est bien plus élevé que le rythme de production des industries de défense européennes. Dans le contexte d'une guerre de haute intensité, il incombe à l'État, par le biais des industriels, d'accroître significativement sa cadence de production et de munitions. Les matières premières en quantité sont essentielles, mais les ressources humaines doivent soutenir l'effort. Comment les industriels peuvent-ils garantir cette hausse de ressources humaines dans ce contexte, comme vous l'avez montré, il y a avant tout un enjeu stratégique à développer la filière muni munitionnaire française. Pardon. Dans le rapport de la Commission de la Défense sur la filière munition datant de 2015, les co-rapporteurs alertaient déjà sur le défi que représenterait l'entrée en vigueur de la réglementation européenne REACH, qui représenterait un coût significatif affectant particulièrement l'industrie munitionnaire. Huit ans plus tard, la question semble toujours d'actualité. Dans quelle mesure les enjeux de cette réglementation menacent-ils la filière munitionnaire française et par conséquent l'autonomie stratégique de nos forces et quelles solutions peuvent être privilégiées pour y remédier Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre travail, chers collègues rapporteurs. Euh, ils font écho à, à, à des travaux précédents concernant les, les politiques d'approvisionnement de, de nos armées qui avaient été menées euh, dans, dans, dans les législatures précédentes, notamment par le président Chassaigne. Alors euh, évidemment, il s'agit d'une question clé de la capacité de nos armées, sans doute trop négligée antérieurement à, à l'agression de la Russie en, en 2022. Aujourd'hui, l'enjeu de nos réflexions et de ne pas dupliquer les besoins de l'Ukraine pour la France, puissance dotée, ou l'Union européenne. De la même manière que pour la défense solaire, notre liberté d'action se mesurera à l'aune d'assurer la dissuasion par nos forces conventionnelles de défense, et d'autre part, notre capacité à soutenir nos alliés rapidement et fortement. Alors, quelle analyse faites-vous de l'importance des stocks nominaux d'armement et leur partage à l'échelle européenne où coexistent des systèmes d'armes différents, et enfin comment considérer la, la plasticité de nos industries européennes pour assurer des montées en charge rapides, subies ou souhaitées, et comment la mettre en œuvre en incitant une trajectoire d'autonomie européenne si celle-ci n'est pas utopique. Et permettez-moi aussi de, de vous demander une, une réaction, parce que nous avons eu l'occasion d'entendre hier les propos du secrétaire général de l'Alliance Atlantique, monsieur Jens Stoltenberg, qui hier a fait l'aveu que l'Europe est à court de munitions. Alors je voulais avoir vos réactions à ce sujet. Je vous remercie. Merci pour le groupe Horizon. La parole est à Jean-Charles Larsonneur. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup euh, cher rapporteur pour ce travail euh, fourni et méticuleux. J'aurais deux questions, l'une sur les normes, euh, l'autre sur le petit calibre. Euh, sur les normes, vous avez évoqué euh, l'impératif de sécurité qui s'impose. Euh, nos armées ont eu une approche, une politique. Euh, parfois euh, euh, caractérisées de muratisation, vous savez, pour des les munitions à risque atténué, qui visent évidemment à, à résister pour ces munitions à une agression externe. Euh, je pense par exemple à des munitions embarquées sur un porte-avions, où bien sûr il faut euh, pouvoir euh, résister à différents rayonnements électromagnétiques, à des sources de radioactivité, euh, etc. Euh, Est-ce que vous avez, dans le cadre de vos travaux, euh, poursuivi la réflexion sur... Euh, la question euh, des normes, des spécifications, peut-être des sur-spécifications et de celles qui pourraient ou pas euh, procéder euh, ou, ou en tout cas euh, nécessiter des ajustements. Je vous remercie pour vos réflexions à ce sujet. Deuxième point, la filière petit calibre. Euh, comme vous, je pense que le contexte a évolué. Je pense que votre point d'entrée par les forces de sécurité intérieure euh, est euh, intéressant parce qu'en effet, euh, ce sont principalement les forces de police, de gendarmerie qui ont connu un stress. Et vous l'avez dit, au moment du début de la guerre en Ukraine. Euh, et je voudrais aller un petit peu plus loin avec vous sur cette question. Euh, C'est vrai que différentes approches sont possibles. Euh, en effet, il faut que la filière soit rentable. Vous avez cité, euh, sans, sans le nommer, un industriel belge, je pense évidemment à Fenersthal. Bon. Euh, Est-ce que vous avez euh, travaillé avec euh, des industriels français, avec des sites français Et je parle d'une manière euh, euh, intéressée à mon territoire, puisque, euh, député du Finistère, il y a un site bien connu à Pont-de-Buis. Hein, euh, qui, euh, chez, sur la circonscription de la ma Collecte, main, oui, euh, rendant lui cette, cet hommage. Euh, voilà, et, et donc, euh, est-ce que vous avez pu échanger avec ces industriels et comment voit-il euh, la relance de ces filières de petit calibre, singulièrement pour nos forces de sécurité intérieure Je vous remercie. Merci, cher collègue. Alors, il nous reste 20 minutes et nous avons encore cinq questions complémentaires. Je propose aux orateurs, de si possible, de se limiter à une minute. La parole est à Michel Martinez. Merci, M. le Président, M. les co-rapporteurs, mes chers collègues. Nous avons entendu la semaine dernière, Mme Liseau et Mme Pic nous présenter leur mission d'information sur la préparation opérationnelle. Nous avons tous été d'accord sur le fait que des efforts devaient être mis en place afin d'intensifier cette dernière, notamment dans le cadre des conflits de haute intensité. Et donc, a fortiori, si le nombre d'entraînements augmente, le nombre de munitions nécessaires au déroulement de ceux-ci augmente aussi. De même, afin que les entraînements apparaissent le plus proche de la réalité du terrain, utiliser des, muni des munitions réelles lors de ceux-ci apparaît comme une solution. Et cela permettait de mettre en place un roulement perpétuel dans les bases de stockage et d'éviter les pertes de munitions dues à leur péremption. Ma question est donc la suivante. Comment l'accroissement des besoins à l'entraînement s'intègre-t-il dans la recomplétion des stocks de munitions? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Pierre Cubertaffon. Merci, le Président. C'est pas une question, en fait, c'est une remarque. Euh, nous avions réalisé en 2020 avec le Président Chassaigne un travail qui était la politique d'approvisionnement des équipements, dont les munitions. Et nous nous étions rendus justement à Pont-de-Buis, chez Nobel Sport, il faut peut-être pas le citer, et qui était à l'époque tout à fait favorable à la, à la fabrication de... Nous, ça comportait les petits équipements, mais bien entendu, les munitions ont été comprises. Alors je vous invite, mes chers collègues, à relire ce travail. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Merci. Merci. La parole est à Michael Taverne. Merci, Monsieur le Président, mes chers rapporteurs, mes chers collègues. Alors en fait, cette question a déjà été quasiment posée, puisque... Euh, j'aimerais vous interroger plus précisément sur, euh, sur les questions de stock de petit calibre euh, notamment pour nos forces de sécurité intérieure donc ça rejoint un petit peu notre, notre collègue euh, étant formateur en police nationale pendant plusieurs années j'ai été confronté à des, à des problèmes de, de stock de livraison qui avaient euh, incontestablement euh, euh, une incidence sur l'entraînement euh, euh, des policiers et comme vous le savez en termes de, de cartouches nous sommes très dépendants de pays étrangers ainsi euh, je souhaitais connaître votre sentiment quant à l'opportunité et la faisabilité d'une relocalisation en France, d'une production de, de munitions de petit calibre, euh, qui s'appuierait notamment sur euh, des infrastructures euh, existantes, euh, conception de cartouches de, de chasse ou alors de, de tirs sportifs. Et euh, vous, donc vous avez auditionné le, le ministère de l'Intérieur à ce sujet. Euh, Pensez-vous que le gouvernement peut s'engager dans cette voie qui, euh, qui pourrait être... Euh, Justement euh, destinés aux, aux forces de sécurité intérieure et euh, aux armées. Merci. Merci. La parole est à Yannick Favennec-Béco. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais euh, aller au-delà des, des stocks de munitions proprement dits pour euh, orienter ma question vers les, les stocks militaires et plus particulièrement ceux de l'armée de, de l'air et, et de l'espace. Euh, la logique d'économie de guerre dans laquelle nous avons récemment basculé impose effectivement de réapprovisionner les stocks de munitions. Et si le PLF de 2023 affecte 2 milliards d'euros d'autorisation d'engagement pour le stock de munitions et notamment des missiles RR-Mika, qu'en est-il, par exemple, des euh, stocks militaires, euh, euh, par exemple ces avions de combat, sans lesquels euh, l'utilité des, des missiles resterait vaine Et le conflit euh, ukrainien nous a euh, démontré que même des engins anciens mais maintenu opérationnel pouvait s'avérer décisif lors euh, des combats. Donc, plus généralement, euh, est-ce que vous avez effectué des, des, une, réflexion que vous avez une réflexion sur le passage de nos modèles de production et d'équipement des forces d'une logique de flux tendu, plus adaptée à des interventions ponctuelles et choisies sur la scène internationale, à une logique de stock pour pouvoir répondre à des crises et à l'hypothèse d'un engagement majeur Est-ce que vous avez euh, des orientations sur. Euh, sur ce, ce, ce point plus précisément. Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Frédéric Bogaletti. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, à l'occasion de votre présentation, vous avez insisté sur la nécessité d'entretenir un stock de munitions cohérent et suffisant. Celui-ci devant permettre aux armées d'organiser une réponse rapide à toutes les crises auxquelles elles seraient susceptibles d'être confrontées. Cela doit, à mon sens, passer par la relocalisation des productions de munitions afin de garantir la souveraineté de la nation. De plus, le soutien et l'investissement de ces filières de production de munitions en France permettraient également de reconstruire une filière nationale d'excellence. Les retombées économiques pour la nation seraient non négligeables, je pense notamment à l'emploi et la redynamisation économique des territoires devenus des déserts industriels. Dès lors, pouvez-vous euh, nous en dire un petit peu plus sur la possible création d'un programme de pilotage de la avec la Direction générale de l'Armement visant à soutenir les entreprises de la défense Je vous remercie. Merci, messieurs les rapporteurs. Nous avons une quinzaine de minutes devant nous. Je vous laisse vous organiser pour savoir qui commence. Bien, nous allons répondre d'abord à Monsieur Benoît Bordat du groupe, du groupe Renaissance. Alors, merci pour votre, pour votre question. Approvisionnement en matière critique, je crois qu'on en a un petit peu parlé euh, dans, dans, dans la présentation. Les semi-conducteurs qui sont essentiellement euh, situés en Asie euh, et en, notamment en, en Taïwan et qui pourraient euh, poser problème si, euh, dans le cadre de notre défense de nos territoires d'outre-mer, il y avait des, 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 des conflits d'intensité euh, dans, dans, dans cette, dans cette zone-là. Euh, on a dit, je crois, tout à l'heure que euh, nous souhaitons un développement européen. Non, mon collègue a, a rappelé qu'en 1990, 44 de la production de semi-conducteurs était européenne et elle est tombée à 9 aujourd'hui. Nous sommes trop dépendants de, de, de Taïwan. Et les États-Unis ont d'ailleurs euh, pris la mesure puisqu'ils ils sont en train de faire un, un effort considérable pour euh, une programmation de production de semi-conducteurs euh, en réaction justement contre cette euh, suprématie euh, asiatique. Euh, sur les matières premières euh, également, euh, nous avons attiré l'attention sur un certain nombre de matières premières critiques comme l'aluminium, euh, le nickel, le, tit le titane et le, et le palladium. Euh, et euh, sur la, le fait de faire des stocks de sécurité, euh, qui doit les, les faire C'est évidemment les industriels, mais euh, l'État euh, doit euh, certainement participer. Euh, pour euh, assurer euh, que ces euh, stocks de matières premières soient euh, euh, réels. Euh, ce que euh, on pense euh, normalement, euh, je pense euh, du côté de, du ministère des Armées, c'est que l'État n'est pas simplement le, le, le banquier. Je crois que sur cette question et sur d'autres, euh, il est important de, de signaler que les industriels doivent prendre des risques. Je, je réponds un peu aussi à votre question, doivent prendre des risques tout industriel prend des risques quand il produit quelque chose et il n'y est pas normal dès lors que les industriels en matière de munitions ne prennent pas les mêmes risques industriels, les mêmes risques commerciaux, les mêmes risques financiers que d'industriels normaux. Euh, sur les normes, on va, on parlera tout à l'heure des, des normes, des normes riches et peut-être des, des des dérogations que l'on souhaite voir actées, mais simplement, de manière générale, la France est la championne des normes, comme on le sait, les normes sont très très compliquées, l'ADGA applique parfois de manière assez rigoureuse ses missions, et la mission notamment de qualification et de certification. Euh, parfois même, euh, euh, elle va au-delà de ce que demandent euh, les industriels en, euh, sur la durée d'utilisation euh, de, 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 de certaines munitions. Donc, c'est tantôt c'est restrictif, tantôt c'est un peu plus un peu plus large. Tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, de manière générale, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on se mette euh, à, au niveau et au standard de l'OTAN, euh, puisque de toute façon, euh, il est possible d'utiliser des munitions qui viennent des États-Unis. Dans, certains, dans, certains, dans certaines situations, je pense à des missiles. Et, et par conséquent, euh, le, si nos standards sont plus exigeants que les standards euh, de l'OTAN, euh, je pense qu'il peut y avoir euh, un, un assouplissement de, de ce point de vue-là. Puis alors, euh, sur, euh, enfin, sur les normes, il y a aussi le, la question de l'acier. Mais enfin, je n'y reviens pas, puisqu'on l'a traité. Voilà. Juste un complément du coup, sur, le, sur les stocks de matières premières. Euh, je, je, je pense que les industriels sont prêts à faire l'effort de faire un, un stock de matières premières si, encore une fois, on a cette, cette garantie de commande sur la durée, euh, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ne, qu ne souhaitent pas prendre le, le risque, ce qui est, ce qui est compréhensible. Euh, je pense que ce problème de stockage de matières premières sera résolu le jour où on aura des, des commandes sur plusieurs années, euh, du moins une garantie. Il y avait une question d'ailleurs à ce, ce sens-là. Euh, je crois que c'était M. Hubert Fond ou M. Thériault. Euh, sur, cette, euh, sur, sur un plancher en fait on a, on, a, on a proposé un plancher une commande plancher de, de, de munitions qui garantirait donc euh, une, une production minimale sur le, sur le long terme ce qui permettrait donc d'avoir une visibilité pour ces industriels euh, et donc euh, qui, qui pourrait prendre le, le risque entre guillemets, de faire des investissements sur, sur cette matière première sachant que à mon sens ce n'est pas incompatible avec un stock d'urgence de, de, de matière première euh, étatique euh, ce qui permettrait en cas, en cas d'urgence d'avoir cette cette, cette Garantie euh, en plus des stocks de, de, des industriels. Euh, voilà, je vais revenir sur le, sur le petit calibre. On a eu plusieurs questions en euh, ce sens. Euh, donc, sur le, sur le petit calibre, euh, donc je pense que vraiment pertinent le, le, projet, euh, le projet du ministère de l'Intérieur. On partage cette, euh, cette vision des choses. Euh, un projet qui est, semble-t-il, assez avancé, euh, qui serait donc un projet de, de société euh, type SAS, public-privé ce qui permettrait d'avoir un, un, un avantage sur les sur les prises de commandes directement euh, par, par le ministère et la, et la DGA euh, donc il y avait une question sur l'acteur privé qui serait impliqué euh, donc je ne sais pas si on peut citer mais bon effectivement non, mais voilà, il a été cité, donc Nobel Sport est effectivement impliqué sur, le, sur, sur ce dossier-là. On a aussi donc des acteurs donc, de, qui produisent des, des matières premières euh, françaises donc, qui, sont, qui, sont impliqués sur, sur, qui seraient impliqués sur ce, pro, ce projet-là. Je pense à Eurenco pour la poudre, par exemple. Donc, on a vraiment aujourd'hui tout l'écosystème et toutes les, euh, les. On a déjà coché toutes les cases aujourd'hui pour que ce projet aboutisse. Il n'y a plus qu'une question de, de volonté politique, je pense, pour que ce projet aboutisse à euh, assez court terme, au parce qu'on nous, nous a parlé de, de munitions dès fin 2024, donc c'est un projet quand même qui semble assez avancé et prêt, prêt à démarrer assez rapidement. Euh, voilà, donc ce, ce, je pense que cette relocalisation est indispensable. On en a parlé, on n'était pas dans, dans la même logique il y a quelques années. Donc on a parlé, donc de, cette filière avait fermé pour des raisons économiques. Je ne partage pas forcément ce choix parce que, encore une fois, je pense que la, la souveraineté doit être placée au-dessus des logiques économiques dans ce, dans ce domaine euh, régalien. Euh, mais aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Euh, on en a parlé. Donc, euh, au, euh, au vu de l'inflation et du marché de, de la petite munition. Euh, il y a une vraie, euh, vraie plus-value aujourd'hui à relocaliser cette activité-là, à la fois pour notre, pour notre indépendance, mais aussi d'un point de vue économique. Euh, on nous a indiqué que euh, sur, les munitions, sur, sur une munition, on ferait une économie de 6 centimes par rapport au marché international, donc ce, ce n'est pas neutre. Et ce marché-là serait viable uniquement, euh, ne serait-ce qu'avec les, 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 les marchés nationaux, que, que sont donc, les, les ministères de l'Intérieur pour les forces de l'ordre, euh, les douanes au niveau du ministère des économies, de, de l'Économie, euh, au niveau des agents pénitentiaires euh, et donc potentiellement le, le ministère des Armées, euh, sachant qu'on commencerait sur, sur du petit calibre 9 mm, euh, qui permettrait donc de ré... De, de, Retrouver euh, cette compétence euh, et ce, ce, euh, ces process-là, en vue éventuellement de créer euh, dans un second temps euh, d'autres chaînes, par exemple sur du 5,56 qui serait encore plus pertinent pour, pour nos armées, ou du, ou du, du 12-7. Euh, donc il euh, y a vraiment euh, une plus-value euh, à retrouver cette, cette industrie euh, de petit calibre en France, à mon sens. Sur tu continues sur si vous me permettez, je, je voudrais quand même donner mon point de vue sur, sur euh, ce petit calibre. Hein. Euh, naturellement, je partage à peu près ce qu'a dit euh, mon collègue, bien évidemment. Mais euh, il y a quand même euh, quelques tempéraments à avoir. D'abord, ce n'est qu'un projet, hein. ce n'est qu'un projet qui n'est pas abouti. La for en société, en forme de société n'est pas n'est pas du tout aboutie. Deuxièmement, euh, euh, ça ne concerne que le 9 mm, c'est-à-dire les forces de l'ordre, hein. la police, la gendarmerie, les douanes. Euh, les gardiens de prison, les sociétés de sécurité privée et les, la, le continuum de police municipale. Hein. Mais euh, actuellement, ce n'est pas envisagé pour le 556, donc ça ne concerne pas directement pour l'instant la défense. Donc c'est un deuxième. Euh, troisièmement, ça doit être évidemment rentable, comme on l'a dit. Hein, il ne s'agit pas euh, de le financer. Et quatrièmement, euh, certes, si ça, ce projet peut aboutir, et notamment en Bretagne, comme on le souhaite, euh, tant mieux. Mais il ne faut pas laisser de côté d'autres pistes et celles que j'ai indiquées, c'est-à-dire une coopération entre la France et la Belgique pour aboutir au même résultat, avec la certitude là que l'on touchera le 9 mm, c'est-à-dire euh, euh, le 5,56, pardonnez-moi, c'est-à-dire euh, des armes qui concernent bien la défense nationale française. Juste un dernier complément sur, sur cette relocalisation. Donc on, a, on, a, on a des chiffres entre 40 et 100 millions d'euros pour, pour relancer l'activité, ce qui, ce qui me paraît quand même assez moindre par rapport à, à notre LPM. Donc voilà, je pense que, encore une fois, c'est une question de, de choix politique. Ce n'est pas un, un investissement déraisonnable. Et encore une fois, c'est une, une garantie de, de notre souveraineté nationale. Euh, je, on avait une question sur la, la garantie sur les, les hausses de, de cadence de production dans un contexte de haute intensité. Euh, déjà, donc, je pense que cette, cette visibilité à long terme permettra aux entreprises de, de réinvestir sur euh, éventuellement des, des, nouvelles, euh, des nouvelles chaînes de production qui permettra de s'adapter euh, plus facilement à une hausse de la cadence. Euh, et ensuite, il y, y a cette question. Euh, donc, je, pense, euh, je pense notamment à la réserve opérationnelle et la réserve industrielle euh, qui, euh, qui, je pense, sont des pistes intéressantes justement euh, pour avoir une certaine souplesse. Euh, Au-delà des, des salariés euh, des, des entreprises actuellement, euh, cette, ces, ces réserves permettraient justement euh, de pouvoir faire appel à ces courts termes à des personnes déjà formées, donc, que ce soit donc, des, des jeunes retraités euh, du secteur euh, ou des personnes, euh, des, des techniciens qui sont, euh, qui sont encore euh, en activité, mais qui seraient détachés euh, pour renforcer notre industrie de défense en cas de besoin. Euh, voilà, je pense que c'est indispensable. Et, et je pense que c'est aussi corrélé au fait de, de, re, de retrouver un, un stock de munitions. Euh, si on a un stock de munitions conséquent, ça nous permettra euh, de, pouvoir, de pouvoir anticiper euh, sur, sur, des, sur, des, sur une durée un peu plus raisonnable euh, la montée en puissance de nos, de, de nos industriels. Voilà, le fait de ne pas avoir aujourd'hui euh, de stock de munitions euh, euh, nécessaires euh, risque effectivement de mettre en difficulté notre, nos industriels. Euh, si on a un stock de, de, de munitions euh, relativement conséquent, on aura une visibilité et une possibilité de nous adapter euh, sur, le, sur un peu plus sur un, sur un terme un peu plus euh, raisonnable. Euh, pour Monsieur Thierryot qui, qui nous a quitté, euh, il parlait évidemment de risques industriels. J'y ai répondu, de vision à long terme. Euh, et également, il parlait de euh, comment euh, faire des, 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 des accords euh, avec les, les industriels, euh, sous quelle forme Est-ce qu'on a réfléchi un petit peu à, à cela Alors, il a parlé de commandes fermes, euh, de lettres d'intention. Oui, euh, c'est le mécanisme d'une lettre d'intention, euh, avec une commande de, de la DGA, euh, en partenariat évidemment avec le ministère euh, des Armées et en coopération avec les industriels. Il y a également une autre formule, c'est les contrats planchers pluriannuels euh, qui sont utilisés par nos amis britanniques et allemands, euh, qui euh, garantissent aux industriels un flux minimal de production. Ça peut être également une autre piste. Euh, je rappelle qu'en matière euh, de euh, risque de conflit de haute intensité, il y a une procédure un peu accélérée qui s'appelle l'urgence-opération. si L'urgence est avérée, euh, qui peut être utilisée. Il ne s'agit pas de mettre de côté le code des marchés publics, mais d'accélérer la procédure. De manière générale, donc, il faut assurer une régularité des commandes pour euh, éviter des ruptures de production, des pertes de compétences et euh, des pertes de confiance avec les industriels. Vas-y, vas dans l'ordre, c'est après. Ah. Euh, J'étais, pardon, sur la question de, de Madame Martinez sur la préparation opérationnelle. Effectivement, c'est un enjeu et ça, ça, ça correspond sur cette logique de stock. Ça, ça, ça serait un atout pour nous. Alors, ça serait des... On en a parlé la semaine dernière et encore ce matin, la préparation opérationnelle à munitions réelles est nécessaire. Elle ne remplacera jamais totalement la, la simulation. Et puis l'avantage de, 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 de cette préparation opérationnelle à balles réelles et plus régulièrement permet également de faire rouler ce stock, ce stock de munitions. On voit aujourd'hui que sur des munitions complexes, nos opérateurs, nos militaires n'ont pas forcément tiré ne serait-ce qu'une seule munition de, 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 de munitions complexes. Donc ça pose effectivement des problèmes. Et le, le fait de tirer donc des munitions qui arrivent peut-être à mi-vie ou à fin de vie permet justement ce roulement qui est nécessaire et on... On doit effectivement, je pense, encourager euh, ce, ces, ces entraînements à munitions euh, réelles, euh, sachant qu'il n'est pas forcément évident de faire des économies à tirer à, avec des munitions d'entraînement. Euh, on en a parlé. Donc ça, les munitions d'entraînement euh, euh, ont le désavantage bah, de devoir euh, nécessite un, un nouveau process, euh, une, nouvelle chaîne, une nouvelle chaîne par rapport à la fabrication de, de chaînes de, 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 chaîne de, de munitions euh, réelles. Euh, et donc le, les économies à faire des munitions euh, d'entraînement ne sont pas forcément évidentes, voire même euh, des parfois plus coûteuses que des munitions à, à réelles. Donc pour nous, on a, je pense qu'il est vraiment avantageux de, à tout point de vue de faire tirer, euh, d'entraîner de, nos militaires avec des balles réelles. Alors, pour euh, Josip Poito, donc, il y avait, je crois, deux questions, me semble-t-il. D'abord, une question de ressources humaines et une question des normes riches. C'est bien ça Sur les, les ressources humaines, on, on touche là euh, l'économie de guerre, comment monter en puissance. Les industriels nous ont dit euh, qu'ils étaient capables d'augmenter les, 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 les cadences de production, en particulier avec euh, le 3-8, le travail le week-end. Euh, Peut-être en, en situation de guerre, nécessité faisant loi, euh, il pourrait y avoir des, des adaptations au Code du travail, mais enfin, euh, ceci n'est pas euh, abordé encore. Mais euh, il est certain que euh, c'est une, une possibilité. La deuxième possibilité qu'on a euh, indiquée, c'est que dans des euh, industries duales où il y a une activité civile et une activité militaire, il serait possible, autant que de besoin, de basculer effectivement les personnels civils vers de la production militaire si évidemment ils en ont euh, les compétences, mais les formations peuvent être euh, faites et vérifiées. Troisièmement, il y a la réserve industrielle. Effectivement, euh, un gros industriel euh, nous a évoqué cette possibilité de réserve industrielle qui permettrait en effet à des jeunes retraités, euh, des jeunes retraités, euh, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ou des personnes qui ont quitté l'entreprise, de, 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 de revenir. Sous statut civil, bien sûr, de salariés, euh, pour renforcer euh, les équipes. Et enfin, moi, je proposais la réserve opérationnelle, puisque le chef de l'État a bien dit que la réserve opérationnelle, ce n'était pas uniquement euh, de manière euh, sur le front, mais que ça pouvait être consacré à d'autres tâches comme la cyber. Il fallait élargir cette notion de réserve opérationnelle. Et nous pensons que cette réserve opérationnelle pourrait permettre à plusieurs centaines de personnes, sous statut militaire, donc, réserve opérationnelle, euh, d'abonder euh, les effectifs des industries. Deuxième question, c'est euh, Rich. Je vais passer très rapidement. Ce sont des activités, vous avez raison de le rappeler, qui sont des activités dangereuses par définition, dans des installations classées pour la protection de l'environnement, des ICPE. Alors, les normes REACH euh, sont entrées en vigueur au 1er juin 2007. Euh, elles imposent des contraintes extrêmement sévères. Les quantités doivent être précisées, soumises à autorisation, parfois même dans des proportions limitées, parfois même des utilisations prohibées. Et c'est donc assez compliqué de discuter, notamment avec l'Union européenne, parce qu'il faut chaque fois se justifier. Ça entraîne un allongement considérable, considérable des délais euh, et, et surtout cela a un coût considérable. Je n'ai pas le temps de citer le, le, le G4, mais nous avons de, des chiffres là euh, qui, qui montrent qu'on perd 12 à 18 mois et euh, que ça concerne des millions d'euros qui, qui doivent être mis. Donc allongement des, dé, des délais d'obtention, autorisation de la Commission européenne difficile à obtenir, des coûts... Qui sont évalués à 300 millions d'euros pour un industriel, c'est considérable. Et j'ai cité le plomb et le sel de plomb euh, tout à l'heure dans, euh, dans, dans l'exposé, ce, ce qui est compliqué. Alors, notre proposition, qui est la proposition numéro 7, pour aller vite, euh, c'est de dire que qu'on souhaiterait non pas supprimer évidemment ces normes qui sont euh, importantes sur le plan de l'environnement, tout le monde est d'accord, et sur le plan de l'acceptabilité sociale, qui est aussi quelque chose de très important. Mais euh, on, on pense qu'on pourrait euh, modifier un petit peu, donner plus d'exemptions, obtenir des, ces exemptions de la part du ministère de la transition euh, écologique. C'est en tout cas la proposition qui est faite. Merci. — Je vais essayer d'aller rapidement donc, sur les dernières questions, si, si je peux. Donc euh, au niveau de, des propos donc, euh, récemment tenus donc, sur le, le fait que l'Europe le, est à court de munitions, euh, bon, notre rapport s'est arrêté au cadre, au cadre national. Donc je, je n'irai pas m'engager sur le, sur le climat européen. Euh, mais pour ce qu'il en est de, de notre propre stock, effectivement, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de tenir un conflit de haute intensité. Et donc, je pense qu'il y a eu une prise, une prise de conscience euh, récente qui vise à combler donc, ce, ce déficit. Euh, maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Euh, sur l'interopérabilité inter, euh, au niveau européen, donc effectivement, c'est un, un enjeu, clé. Euh, D'autant plus que le président de la République veut qu'on soit une nation cadre hein, et qu'effectivement, si, si, si on veut mener des opérations. Euh, et être euh, à la tête de file de ces opérations, euh, effectivement, nous devons, euh, nous devons euh, avoir un stock euh, conséquent euh, et pouvoir, euh, pouvoir les, se les mutualiser euh, entre alliés. Donc effectivement, je rebondis d'ailleurs sur ce sujet-là, sur le, sur le sujet du stock, mais euh, le, il y a aussi un enjeu de crédibilité, au-delà au de l'aspect opérationnel, au niveau de, la, de notre diplomatie et de notre crédibilité à l'international. Euh, si nous, nous ne sommes pas en capacité euh, d'être indépendants euh, sur, sur nos stocks de munitions, euh, nous perdons effectivement... Euh, de crédibilité sur la scène internationale et donc il y a une nécessité de reconstituer un stock important. Euh, sur l'avantage des relocalisations, euh, donc effectivement, euh, au-delà de, de l'aspect opérationnel, euh, relocaliser des activités de production de, de munitions, notamment donc euh, dans, le, dans ce cas précis, la, la petite munition, permettra effectivement de, de recréer de l'emploi euh, dans le pays. Il y a une, 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 une notion économique euh, non négligeable, notamment dans des territoires euh, où le, la, la désindustrialisation euh, a fait son œuvre. Euh, notre industrie de défense hein, est répartie sur l'ensemble du territoire et n'est pas, euh, n est, n est, en général, n'est pas en métropole justement. Donc, on a tout intérêt, je pense, à développer cette industrie de défense. Euh, notamment que les, les acteurs principaux euh, font travailler énormément de sous-traitants. Je pense à MBDA qui a 1 600 sous-traitants. Euh, et c'est souvent des, des TPE, PME, euh, donc ça va renforcer tout notre tissu économique euh, qui, que bénéficiera de fait aussi le, le, le marché civil euh, parce que nos, nos entreprises de défense sont souvent duales euh, et d'autant plus, je pense, le, leurs sous-traitants. Euh, donc on a tout intérêt euh, à, à relocaliser certaines activités. Euh... Bon, et juste une dernière chose sur le panachage hein. euh, donc, il a été question donc, de, de, de massifier donc, nos stocks et nos munitions. Euh, voilà, on a souligné dans, dans notre rapport le fait qu'il fallait euh, donc réinvestir sur des, des munitions de masse de façon à pouvoir saturer euh, nos, nos opposants dans un conflit de haute intensité. Euh, c'est une nécessité, euh, mais ça ne remplacera pas euh, des munitions complexes qui permettent, euh, qui ne sont pas, de, qui, qui n'ont pas la, la même utilité sur le champ de bataille et qui permettent de neutraliser des cibles plus, euh, euh, on va dire, plus, avec une plus forte valeur, valeur ajoutée, euh, plus sensibles et qui sont, euh, donc ces munitions, munitions sont plus précises. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est un peu une caisse à outils. On peut avoir une belle perceuse, mais il faut également avoir un marteau qui fonctionne bien. Il faut avoir toute cette palette d'outils. Et donc, pour rappel, ces munitions rustiques pourraient neutraliser 90% des cibles en opération. Et les 10% restantes sont de l'affaire des munitions complexes. Je vois que peut-être que la souhaite intervenir, mais 10 secondes maximum en allumant le micro. La coopération avec l'entreprise que je ne citerai pas de Bretagne n'est pas incompatible avec la Belgique. Hein. Merci en tout cas. Euh, merci en tout cas à nos, nos collègues Rancoul et Bru pour leur excellent travail. Et bien entendu, on sera tous attentifs à la publication du rapport que je vais d'ailleurs vous demander d'autoriser la publication. Je vois pas d'opposition, pas d'abstention. Merci et bon appétit à tous, tout simplement.